Bonsoir à tous et bienvenue sur le 679e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mars 2024 et au sommet de ce soir, les sorties Comics VO de la semaine avec gros programme 18 titres. Nous aurons chez DC JSC, The World's Finest, Superman, Batman euh, 89, ecos, Nightwing, Titans et le Green Lantern World Journal. Du côté de Marvel, Iron Man, X-Men Forever, Blade, Web of Spider-Man, Night Thrasher et Fantastic Four. Tandis que euh, dans la partie 1D, nous parlerons d'une nouvelle série consacrée à Tunja qui s'appelle The Untold Destiny of the Food Clan. If you find this I'm already dead, you and I, Bloodshot and Micheladin, et Don Runner. Je suis Steve et vous écoutez le Connexion. Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonat Salut à tous. Et Mister René Bunny. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, le petit programme hein, de 18 reviews, on a un petit peu de WhatsApp aussi. Euh, donc, ouais, ça va, être, ça va être pas mal avec une grosse partie indé. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant d'indés dans l'émission. Et euh, Bunny ouais, qui pas a. J'ai pas qui a fait carton plein. Ouais, carton plein sur l'indé du coup, cette semaine. Mais c'est cool, c'est bien, parce que c'est des titres qu'on va pas forcément lire, et euh, plus tu as testé de nouvelles séries, euh, Jonathan aussi, tu as testé de nouveaux trucs. Moi, je pas, pas lu d'un dé, pas eu le temps. Euh, du ah tout. Bon bah ouais, euh, Bah la Hunting Destiny of the Foot Clan, nouvelle série que tu as été lire. Euh... Ah bah c'était la seule autre, c'est la seule série d'ailleurs que tu as que été lire. c'est moi, moi qui ai fait le ouais. euh, l'un dé euh, cette semaine. Il y avait de bonnes choses quand même. Ah bah tant mieux, tant mieux. Moi, c'est vraiment... Enfin, hein, de temps. ça va, quoi. Enfin... Ça dépend. Manque de temps, ouais. donc ouais. j'attends ton avis euh, sur certains titres pour euh, bah, pouvoir euh, savoir si ça vaut le coup euh, que, que, je, que je les essaye. Ouais. Euh, justement, pour la partie WhatsApp, avant de démarrer, j'ai commencé par prendre les euh, WhatsApp de nos amis auditeurs que je vois sur YouTube, que je vois sur Discord, notamment euh, Graf qui nous dit bonne lecture ce soir et Cobra Commander. Euh, là, Joshua Williamson ne se foule pas. Tu noteras euh, Graf que euh, personne n'y a été ce soir. Ouais. Voilà. Moi, j'y suis allé, mais j'ai pas eu envie de, de rajouter une, 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 review de, une review de plus. Voilà. Tu es d'accord avec Graf qui se fait, pas trop qui a, fait cette, qui a fait cette critique Graf. Alors, pas d'accord du tout. Euh, ça aurait été mon coup de cœur de la semaine. D'accord, oui, ça veut dire que c'est une grosse merde. Merci, Jonathan. On commence à connaître. On commence à connaître. Et euh, Graf, il dit. Bah, pas lui pas lui dit il me dit une dinguerie. Bah, voilà, <laughs> il est d'accord. Non, non, une dinguerie pour son coup de cœur de cette semaine qui est le Blazer Dead in America, ouais, dont on ne parlera pas ce soir parce que bah, personne ne l'a lu. Voilà. Tout simplement. Euh, du côté de YouTube, je vois Tommy euh, qui nous dit Non, euh, euh, WhatsApp « up euh, J'ai énormément apprécié le run de Michelini, Leighton et Romita Jr. sur Iron Man. Ça fait longtemps que je ne pas autant une lecture à petit feu. J'ai eu l'omnibus par petit bout et nom de Dieu, c'est un run qui mérite toutes ses louanges. C'est le run de référence sur Iron Man. Environ 40 numéros où on voit la construction et je pense qu'il y a un message encore à venir. Je prendrai Antoine euh, Riondler. Voilà, ah bah, il arrive. Cast <laughs> construction d'un cast secondaire et de la personnalité de Tony Stark avec en plus un dessinateur qui kiffe dessiner de la technologie. Justement, on parlera d'Iron Man tout à l'heure. Fin d'émission, il est prévu pour, le, pour la toute fin. Euh, Benny, je vais te passer la parole pour le WhatsApp puisque tu vas nous parler bah, de deux bouquins euh, que tu as que tu t'es procuré, que tu as un petit peu picoré, j'imagine. Euh, tu vas nous parler euh, bah, de deux bouquins chez Omake Books, d'ailleurs, euh, les deux. Euh, Alors. Pour commencer, tu vas nous parler de Télestart. Ouais, alors Téléstart, c'est un, un bouquin, ouais, effectivement, un vrai bouquin. Euh, L'an dernier, je vous avais parlé de euh, start qui euh, racontait euh, l'histoire des 40 ans de la presse euh, jeux vidéo en France. Euh, C'était très intéressant, franchement très complet comme bouquin. Et euh, cette année, eh bien, euh, voilà, je me suis Dit bon bah, que j'allais prendre euh, l'autre bouquin euh, qui euh, correspond un petit peu au même sujet chez le même éditeur, hein, c'est chez Omakebooks que c'est sorti, euh, qui s'appelle euh, Télestart et euh, bah, qui nous fait, au fait un petit peu l'historique, l'histoire des émissions traitant du jeu vidéo à la télé depuis 40 ans en France. Euh, donc, euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'on revient au début sur certaines, sur certaines émissions qu'on a connues, euh, enfin en tout cas les gens de notre génération, euh, type euh, Hugo Délire. Donc voilà, l'histoire d'Hugo Délire, euh, c'était euh, assez euh, assez marrant. Hein. Tu te souviens, Steve Je pense que tu devais regarder Hugo Délire avec euh, Karen Cherry, la oh, présentation. Ben, oui, je pense même que Jonath aussi. Oui, euh, Jonathan sans doute. Ouais, je pense qu'on regardait pas pour les mêmes choses. Moi, je regardais pour le jeu. Steve, à mon avis, pour d'autres choses. Voilà, voilà, voilà. Bah, et Karen, euh... ah, Karen, j'ai quand même, s'il vous plaît. Ouais. moi je ouais, regardais ouais, pour ouais. les deux, hein, franchement. Euh, voilà. Ouais, ce jeu où les gens se sont parce qu'il y avait un, un sur le lag clavier, de... Et l'autre, euh, je ne dirais pas... Ouais. il y avait les filles à côté, hein, pour ça, hein, Donc, euh, bon, bah, retenez-vous avait... un petit peu, hein. Il y avait un lag de ouf dans ce jeu, les gens tombaient dans les trous, tu fais mais ils sont nuls, bah ouais, mais avec le lag. C'est ça, ouais. Pour, pour ceux qui connaissent pas, euh, on jouait euh, donc à un jeu interactif, un jeu vidéo interactif euh, sur la télé se servant des touches du téléphone. mais du téléphone, euh, à l'époque, il n'y avait pas de portable, hein, c'était le téléphone fixe. Euh, téléphone à touche, évidemment. Euh, parce que, parce que tu ne pouvais pas jouer qu'un qu jeu de téléphone à cadran. <laughs> voilà. Allez, saute <laughs> Tu imagines ouais. le bordel à chaque fois. Et euh, ça revient sur pas mal de trucs. Alors ça revient aussi sur les Chevaliers du Labyrinthe, parce que les Chevaliers du Labyrinthe utilisaient ah, un chevalier. procédé qui à l'époque était euh, totalement révolutionnaire, en fait, dans la télé. Euh, C'est ça qui est assez drôle, en fait, de... de... De, de se remettre dans le contexte. Euh, C'était un, euh, un jeu virtuel, en fait, avec des, des candidats, des, des, des enfants, hein, qui étaient... Euh, C'était un petit peu le, un, un, une espèce de fort boyard des enfants, mais en version virtuelle. Donc, eux, ils étaient dans des décors... Euh, en fait, il n'y avait pas de décors, C'était juste une salle comme ça avec un fond vert. Et ils avaient un casque sur les yeux. Et ils étaient guidés par leurs camarades. Qui voyaient euh, donc sur des écrans euh, ce qui se passait, puisque c'était des, euh, des, des corps totalement incrustés avec des acteurs, etc. Et les Chevaliers du Labyrinthe, ça existait juste une année. Mais euh, pour ceux qui l'ont vu comme moi, on s'en souvient tous parce que ça nous a un petit peu marqué. Et comme tu dis, il y avait ce présentateur qui était euh, incroyable. Euh, donc voilà, ça revient vraiment sur des quantités de choses. Euh, ça revient sur euh, euh, Carmen Sandiego aussi. Euh, émission de la honte en France, on a eu une version, euh, alors je crois que ça s'appelait à la recherche de Carmen Sandiego, ou un truc comme ça, euh, ça a remplacé les mondes fantastiques d'Olivier Mine, ça c'est pas dit dans le bouquin, mais moi je m'en rappelle, et franchement c'était euh, c'était tout poids, cette émission, euh, faudrait que vous cherchiez sur Internet, euh, sur YouTube, il y a une émission qui traîne de euh, Carmen Sandiego, euh, version française vous allez vous marrer parce que c'est vraiment c'est vraiment nul quoi euh, et euh, ça revient aussi bah, sur la genèse où se cache hein, Carmen Sandiego hein, où sûr. se cache Carmen Sandiego voilà c'est ça ah, merci et euh, ça revient sur des émissions cultes comme Micro Kids euh, évidemment euh, Télévisateur 2 avec Cyril Drevet euh, et euh, ça nous parle aussi de bah, de la création des chaînes comme Game One No Life etc euh, là, j'ai terminé le, le chapitre sur No Life. C'est vrai que c'est quand même assez incroyable, par exemple, qu'ils aient pu tenir 11 ans euh, quasiment sans aucune publicité. Euh, voilà. Euh, donc, euh, avec des, des, des interventions donc, dans le bouquin des acteurs de chaque, euh, de chaque émission, de chaque, euh, de, chaque, euh, de chaque programme, etc., qui t'expliquent comment ça s'est passé, etc., etc. Enfin, bref, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Pour tous ceux qui s'intéressent à la fois aux jeux vidéo et à la fois euh, un petit peu à l'histoire de la télévision, et puis aussi euh, bah, euh, qui sont un petit peu comme moi, euh, qui ont connu euh, en fait ce genre, de, ce genre de programme. Ça fait toujours euh, marrer et ça fait toujours du bien de retrouver euh, pas mal d'anecdotes euh, là-dessus. Euh, bon, ça c'est juste un bouquin. C'est un petit pavé. Hein. C'est euh, voilà, il y a, il y a quelques, quelques illustrations. C'est en noir et blanc. Hein. C'est vraiment un, à la base c'est un vrai livre. Hein. Voilà. Alors il y a un petit peu plus d'illustrations que sur celui qui, euh, qui traitait de la presse. Euh, donc euh, voilà, mais euh, ça reste quand même une bonne. Euh, un bon petit pavé à lire. Euh, donc, euh, je vous le conseille fortement. et euh, ah, Avant, rétro -laser. Que, tu passes, avant oui que tu passes à la suite, Pardon. je prends juste les petites réactions. Hein. Je vois ouais. euh, Tommy qui nous dit Oh putain, oui, euh, micro-kids, télévisateur 2. Voilà. Euh, ouais. euh, Graf, euh, qui nous dit, la... Hugo Delire, pensé, jour, est. Hugo Délire, j'y pensais l'autre jour, c'est de coïncidence. Et Kael, qui nous est techniquement, voilà. pour l'époque, c'était quand même assez fort, Hugo Délire. Effectivement, hein, euh, ce genre de jeu interactif sur ton clavier euh, jouer en temps réel, c'était quand même plutôt, euh, plutôt en avance sur son temps. Là, ils faisaient des, 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 des tabacs en niveau audience, c'était euh, un truc de fou quand même au début. Et euh, d'ailleurs, c'était très compliqué de, de participer, du coup. Parce qu'il y avait énormément de, de gens qui téléphonaient, leur, leur régie était totalement saturée d'appels. Enfin bref, c'était un, un gros barnum, c'était n'importe quoi. Euh, quoi. Et euh, d'ailleurs, tu parlais du, du lag, etc. C'est même plutôt étonnant qu'il n'y ait pas eu plus de, plus de bugs que ça, quoi, finalement, sur la, la quantité de numéros qui a été tourné euh, en direct. Euh, bah C'est quand même assez incroyable quoi, en fait, que, que ça n'est pas planté un peu plus. Graf, je crois qu'il qu y a lui... juste lors de la première en fait qu'il y a eu un gros plantage. Graf nous disait des enfants perdus dans les labyrinthes. Les murs travaillent déjà l'adaptation en comics. Oui, <laughs> oui. Ouais. Euh, Tommy nous dit il y a une vidéo du jour du grenier hein, sur les émissions télé qui parlait jeux vidéo et Microkid c'était ma joie du dimanche matin. Voilà un petit peu pour les réactions. Je te laisse enchaîner. Du coup sur Retro Laser quand je change la petite, euh, la petite image. Alors Retro Laser, qu'est-ce que c'est pas exactement euh, la même chose, puisque là on n'est plus sur une espèce de, de magazine, enfin, euh, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Euh, c'est euh, un, un mooc, ouais, si on <laughs> veut. Un petit, alors un petit mooc, un petit euh, Je crois que c'est trimestriel. Il y en a déjà une vingtaine de sorties. Retro Laser, j'avais peut-être parlé il y a très longtemps, euh, en 2018, des deux premiers numéros, puisque je n'avais que les deux premiers numéros, j'avais chopé à l'époque, à l'été 2018. Euh, J'ai eu envie, voilà, de lire des trucs un peu un peu geek, euh, de me replonger un petit peu là-dedans. Donc, euh, j'ai pris euh, bah, quelques autres numéros de rétro, de rétro laser parmi la vingtaine de sorties. Euh, donc, ouais, euh, petit MOOC euh, trimestriel euh, qui traite de pas mal de sujets euh, bah, rétro, hein, euh, comme son nom l'indique. Euh, et puis, c'est pareil, c'est un petit peu la fête du slip euh, quand on est euh, quelqu'un de, de, de ma génération euh, qui va sur sa. Enfin, j'ai même 40 ans cette année, hein, je vous le dis. Euh, donc euh, voilà, donc euh, pour tous les gens Je me qui pas ont parce connu, que tu es euh, jeune, hein, c'est bon, ça suffit. <laughs> c'est ça. <laughs> euh, pour tous les gens qui ont connu cette, cette, cette génération, effectivement, euh, ben bah, voilà, Retro Laser, c'est un petit un petit bonbon. Euh, c'est toujours sympa de, de revenir sur plein de sujets. Alors sur celui que tu montres en couverture, donc dont tu montres la couverture, le numéro 7, par exemple, on a euh, tout un article sur la série animée Batman. C'est entre autres pour ça que je l'ai pris. Euh, T'as euh, un retour sur la, la série Friends. Bon, à l'époque où euh, Chandler était encore parmi nous. Euh, c'est Chandler, hein, je crois qu'il a. Oui. Euh, qui, qui nous a quitté. Mathieu, Mathieu euh, voilà, exactement. Mathieu Perry, exactement. Matthew Perry, n'importe quoi. David. Non, Matthew Perry. Perry. Hein. <laughs> non, mais alors ouais. David Perry, c'est l'autre, hein, je sais plus. Un David ouais. Schwimmer. <laughs> non, ouais. bref. Enfin bref les 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 et le Blanc. <laughs> bon bref et euh, ouais par exemple dans, dans ce dans cette euh, dans, dans ce numéro on a tout un article sur Kamen Rider voilà donc euh, moi c'est un par exemple c'est une série que sans doute Jonathan tu connais un peu plus que moi euh, je connais très peu Kamen Rider, en fait j'en ai de, que, que de vagues souvenirs de, de quand j'étais gamin. Euh, je regardais pas trop d'ailleurs. Et, euh, et puis alors il y a des, petites, euh, des, petites, euh, des petits articles sur des, des goodies un peu étranges. Par exemple là j'ai pas du tout connu ça. Saviez-vous qu'il y avait eu des trucs comme les, les, les Mighty Max Donc vous vous souvenez, c'était les espèces de polypockets pour garçons, mais avec les persos de Street Fighter 2. C'est assez, euh, assez étonnant, euh, avec des, des boîtes en forme de, euh, de manettes de Super Nintendo. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, donc, on a tout un article aussi sur les musclés, par exemple. Et là, je vous ai juste fait un numéro de rétro-laser. Il y a plein d'autres. Par exemple, j'ai le numéro 10 où tu as un, un, tout un dossier sur SOS Fantôme, donc le, le film plutôt. Euh, les Simpsons, Daft Punk, euh, enfin voilà, donc ils reviennent sur des trucs d'il de, y a différentes époques, hein, ça va jusqu'à à un peu près les, les années 2000, euh, enfin quoique Daft Punk c'était déjà dans les années 90. Euh, dans d'autres numéros, il y avait par exemple le Bébé de Show, euh, voilà, euh, il y avait, il y avait euh, Hugo Délire, tiens on vient d'en parler d'ailleurs, euh, qui était, euh, qui était euh, dans, il y avait un article consacré à Hugo Délire déjà dans un, dans un numéro de Retro Laser. Euh, il voilà. y, y, y a plein 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 de choses C'est vraiment une petite pépite euh, De geekerie euh, à retrouver chaque trimestre Alors ça se retrouve en librairie Mais pas toutes hein. euh, Vous pouvez commander ça euh, C'est chez Omakebook toujours euh, Et euh, c'est vraiment les spécialistes De tout ce qui est euh, un petit peu euh, bah, Cette univers geek qu'on a bien connu Et qu'on qu affectionne tout particulièrement Alors quelquefois il y a aussi des articles sur des, des comics euh, plutôt des comics rétro du coup mais, euh, mais voilà euh, ça parle euh, grosso modo de euh, bah, tout ce qui est euh, le large spectre de l'univers de, de geek hein. donc ça va des, euh, des jeux vidéo euh, au manga aux comics à, aux séries télé aux émissions même qu'on a connu étant plus jeune euh, voilà là, tu vois il y a même les gendarmes de Saint-Tropez enfin bref euh, le genre de truc qu'on a pu voir un jour ou l'autre à la télé quand on était gamin quoi, en gros c'est un petit peu ça. Et, euh, et c'est franchement très complet. Franchement, il y a, y, a, y a énormément de choses euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui sont traitées quoi, dans, dans, cette, dans cette espèce de MOOC, comme tu dis, Steve, euh, à oui, défaut je... de meilleurs termes. Puisque... Oui, non, mais c'est un peu oui, ça. Voilà, ça me fait penser un peu à tout ce genre de, de trucs-là aujourd'hui. Ouais. Euh, Alors, ça, certains... ça coûte, ça, ça coûte 12-13 euros. Voilà. Ouais. Euh, 12-13 ouais, euros. Me... Alors, les, je dis, je dis 12-13 parce que les premiers de... étaient à 12. Après, bon, ça a un petit peu augmenté euh, avec l'inflation, etc. Euh, mais euh, voilà, ça reste, ça reste raisonnable. Euh, et euh, c'est toujours sympa. Quoi. Il y a quand même, euh, quand même assez de lecture pour être, pour être calé euh, sur, euh, durant, euh, durant trois mois. quoi. En fait, voilà. D'avoir sa petite dose comme ça de. de, de de nostalgie et un petit peu geek enfin voilà c'est toujours sympa et euh, c'est vraiment fait par une bande de passionnés qui, euh, qui savent de quoi ils parlent quoi c'est pas non plus euh, euh, des gens qui euh... on a connu certains magazines dans les années 90 qui étaient un petit peu euh, du remplissage où ils parlaient de tout et n'importe quoi sans connaître les sujets là c'est pas du tout le, le, le cas hein. c'est vraiment euh, des gens calés sur les, euh, sur, la, sur le, leur sujet donc euh, voilà voilà en tout cas, je vous le conseille amplement. Euh, Penchez-vous sur Retro Laser, c'est très très bien. Avec Graf hein, qui, euh, parce que, merci, il a pu motter un truc parce que puis tout à l'heure il nous dit avec Orange Mécanique sur la cover, Je cherchais partout, je ne le voyais pas le, le symbole d'Orange Mécanique. Bon, pour ceux qui ont l'image sous les yeux, c'est euh, milieu. Euh, prenez le milieu de la page, un petit peu à droite, juste à côté du chien de chocapic entre la tête de Batman et le chien de chocapic, il y a le logo d'Orange ouais. Mécanique. Et il nous disait, euh, grave, non mais sérieux, on est sûr pour orange mécanique au milieu de tout ça. Euh, C'est vrai que oui, ça, ça, ça détonne un peu là. Ouais. Mais bon. ouais. Ouais, oui, il est, il est visible là. Enfin. Non, mais je ne voyais pas, il y a tellement de trucs sur la cover qui attirent tes yeux que j'étais passé à côté. Quoi. Mais regardez bien en bas, il y, y a un je... muscle aussi. <laughs> Toujours une petite bah, place pour les musclés quand même. Toujours autant il y a place. un article sur les musclés, autant Orange Mécanique, je ne me, sou me souviens plus d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait vraiment un truc sur Orange Mécanique dans ce numéro euh, Certainement, je ne sais plus. Bon, bah on si c'est sur la cover. Oui, normalement si c'est sur la cover, il euh, y a forcément un lien avec euh, ce qu'il y a dans le numéro, mais bon. Euh, on s'en fout. Je ne trouve pas. Euh, bref, c'est pas. Ah oui. oui. si, si, si. Et Graph si, nous dit, si. après, en vrai, on en a entendu parler à dos à cause de la sortie en VHS durant les années 90, bien sûr. Si si ouais il ouais, ouais. y a une page euh, ouais, que j'ai pas lue ouais euh, ça j'avais sauté sur Orange Mécanique effectivement ils doivent peut-être parler effectivement de la de la commercialisation du film euh, peut-être dans les années 80 je ne sais pas bref en tout cas voilà c'est euh, c'est toujours sympa c'est toujours passionnant et euh, c'est fait par des passionnés directement sur leur site j'imagine euh, peut-être euh, ouais. moi moi je, je les ai pas pris non non je les ai pas pris euh, directement sur le site de McKay. non 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 Ouais, parce que je ne me rappelle pas avoir vu ça en presse. Donc euh, après, tout possible. Hein, toutes les presses ne sont pas forcément tout. Euh... Je pense que ce sera plutôt en librairie, euh, en librairie spécialisée évidemment. Je pense qu'ils ils commandent en général ce type de ce type de revue. Mais euh, mais ouais, euh, sinon euh, demandez à votre libraire et euh, il pourra commander euh, chez Omakebook, il si n'y aura pas de problème. Ben voilà pour la partie. Euh... La partie WhatsApp, je prends les derniers, euh, les derniers petits commentaires. Je vois par exemple Tommy qui disait David Perry, c'était Aladdin sur Mega Drive et heurts Jim. peut-être avec ça que tu confondais Bunny. Oh non non, non c'était juste, euh, c'était juste, euh, je, je, je confondais avec le, le père de Jungle Boy et euh, je sais même plus d'ailleurs comment il s'appelle du coup. Luc Perry. Luc Perry, bah voilà, tu vois. Euh, Nico Chris nous dit euh, rétro laser dispo sur Christian. Amazon également. Oui, ceux qui s'intéressent. Ouais. Bah voilà, on a... Ils doivent avoir à peu près tous les numéros. On a fait euh, le tour concernant la partie What's up. On va attaquer les reviews. Euh, bah, comme on l'a dit hein, 18 reviews et on va entomé euh, bah, avec, hein, avec de l'indé parce qu'on en a beaucoup ce mois-ci. Et puis, euh, euh, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'un de leurs titres. On va démarrer avec du Valiant Bunny. Tu vas nous parler de cette nouvelle série consacrée à Bloodshot qui s'appelle Bloodshot. Reloaded Unleashed ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Bloodshot Unleashed Reloaded, ah, euh, voilà. Sens, <laughs> merde. Puisque en fait le précédent volume s'appelait Bloodshot Unleashed et du coup là nous avons le Bloodshot Unleashed Reloaded, toujours écrit par Dennis Camp mais euh, cette fois-ci avec euh, en tout cas pour ce premier numéro Al Barry au dessin avec une colorisation de Exequiel euh, Fernandez Roel. Je ne connaissais pas du tout en tant que coloriste, mais euh, que je ne connaissais pas d'ailleurs tout court, mais, euh, mais qu'importe. Euh, voilà, voilà pour l'équipe créative. Alors, euh, j'avais beaucoup apprécié le précédent volume de Dennis Camp qui en fait avait pour scénario euh, bah, le principe très simple que Bloodshot euh, en fait euh, euh, se lançait dans l'élimination. D'autres euh, créatures comme lui, en fait, qui avaient été créées par le gouvernement, par le, 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 le projet, euh, alors je crois que ça s'appelait Rising, Rising Spirit. Spirit. Oui, voilà, exactement. Ouais. Rising Spirit. Euh, je et, te le ressors de tête comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu cette information. Mais ouais, euh... ouais, bah oui, c'est un, un truc. <laughs> Il y a des fois, un, tu un, un te un dis, lien. putain, pourquoi ouais. j'ai encore ça dans ma mémoire, je ne sais pas. Ouais. Bah, c'est rappelé tellement de fois, en fait, dans les Bloodshots que. Oui, mais que, ça voilà. fait. Euh... Des parce années, des années que j'ai pas ouvert un ouais. numéro de bloodshot, tu vois. Mais je sais ouais. pas pourquoi, je m'en souviens. Je... Bon. Mais euh, Mais toujours est-il que euh, Donc euh, c'était vraiment euh, un numéro, enfin un volume très fun. Parce qu'il y avait... Euh, l'artiste, enfin le, le dessinateur qui était dessus, euh, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais euh, euh, qui était avec Dennis Camp, euh, nous proposait quand même des choses qui graphiquement étaient très 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 intéressantes. Il y avait un petit peu de Jeff Darrow dans le délire. Enfin euh, voilà, c'était euh, bloodshot face à des euh, à des mecs un petit peu euh, de plus en plus forts. Euh, ça faisait penser un petit peu à un shonen, hein, voilà, ou à un seinen plutôt d'ailleurs, puisque c'était euh, très violent. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais sauf que là, graphiquement, on n'a pas la patte euh, graphique bah justement qu'on avait euh, sur le précédent volume, en tout cas sur ce premier numéro. Alors, il y a quand même des trucs très sympas. Bon, par exemple, la, la première page directe nous met dans le bain et c'est elle est très cool cette première page, euh, avec un effet assez crade, mais euh, mais tellement bien, euh, tellement sympa au en fait. Quand, quand on aime, comme moi, les, euh, les trucs un peu gore et un petit peu, euh, un petit peu, euh, un petit peu rentre dedans, on va dire. Euh, là, on est totalement dans ce délire. Alors, pourquoi euh, ça s'appelle Bloodshot Niche et Reloaded Eh bien, parce que en, en fait, euh, il n'avait pas terminé sa quête. Il n'avait pas affronté euh, tous les mecs. Euh, ça, on le savait, hein, parce que de toute façon, il n'y avait pas assez de numéros par rapport au, au nombre d'adversaires de, qu'il devait euh, qu'il devait avoir. Donc, euh, Denis Camp avait dû euh, sans doute euh, bah, n'avait pas eu sans doute le temps de, 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 de mener à bien son, son, son projet. Donc, là, c'est en quelque sorte la suite du volume précédent. Mais effectivement, les délires graphiques euh, qui étaient quand même très très bons euh, du volume précédent en moins. Euh, là, graphiquement, c'est sympathique. Voilà, comme je le disais, il y a quand même certaines pages qui sont euh, assez fun. Mais, euh, mais sinon, euh, sinon, bon. Voilà, c'est assez, euh, assez, euh, assez classique. Euh, alors pour ce qui est du scénario, bah, comme je viens de le dire, c'est Bloodshot face à un autre mec euh, surchité, euh, une autre création du, du gouvernement. Euh, là, c'est une espèce de barracuda, enfin, euh, d'agence touristique. C'est une espèce de blague euh, euh, sur... Euh, comment dire euh, Une espèce de blague. Bah, sur... Euh, stéroïdé voilà, je cherchais le, le terme. Euh, qui euh, qui défonce la tronche à tout le monde euh, et euh, Bloodshot essaye de l'arrêter. Alors il y a toujours cette espèce de créature qui fait penser à, à Batmite, euh, donc euh, cette espèce de, de petit lutin, euh, de mini Bloodshot qui lui parle dans sa tête, etc. Et euh, là, ce qui est euh, plutôt pas mal, c'est qu'il communique en même temps avec nous. Euh, par exemple, il y a des moments où, enfin euh, voilà, il, il dit euh, là il y a quelqu'un qui va tourner la page, euh, etc., etc. Une espèce de, de, de discours méta et euh, le discours méta là est assez étrange, puisqu'en fait, à plusieurs reprises, euh, il dit à Bloodshot euh, par exemple Ouais, au lieu de, de, euh, de au lieu de, 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 de faire quand même un reboot, tu aurais dû faire un rebirth. Enfin, tu vois, il y a des espèces de, de comment dire de, de renvoi à certaines choses qu'on connaît dans le, dans le monde des comics et euh, il lui en fait on a l'impression que euh, Dennis Camp euh, fait une espèce de critique, alors c'est assez étrange, de critique du bouquin sur lequel il est en train de travailler, en disant que finalement euh, Bloodshot, enfin, par l'intermédiaire de cette espèce d'étrange de, de, lutin là, euh, que Bloodshot a vraiment du mal à se renouveler, que c'est toujours un peu la même histoire, que c'est toujours le même principe, et qu'il euh, est en train de tourner en rond en fait. Et que nous aussi, lecteurs, par la même occasion, on devrait en avoir marre de relire toujours les mêmes aventures avec ce même perso. Euh, donc c'est assez étrange parce que d'un côté, tu as l'impression que l'auteur crache dans la soupe. Et d'un autre côté, tu as quand même ce discours qui est assez intéressant où finalement, tu te dis euh, toi-même, bah, c'est vrai que euh, je lis toujours un petit peu la même chose. Et paradoxalement, j'aime ça. Quoi. Enfin, je veux dire, je reviens toujours euh, sur cette histoire euh, de, du, de, de de bloodshot qui va se friter avec d'autres mecs, etc. Enfin voilà. Euh, à moins des... que ce soit euh, une annonce pour dire le titre va changer de, va profondément changer d'ambiance. Ouais. Il ouais, le fait dire là dans le premier épisode pour justement emmener vers autre chose. Et en tout cas, euh, en tout cas, c'est intrigant et, euh, et j'ai passé quand même un moment bien fun. Euh, c'est euh, voilà, c'est alors il euh, y a des effusions de sang, il hein, y a du gore comme je le disais. Euh, c'est Deadpool mais en bien plus en bien plus hardcore parce que Deadpool quand même ça reste du Marvel même si c'est un peu osé. Euh, c'est pas très gore hein, Deadpool ça va quoi, c'est gentilier on va dire. Là euh, là il y a vraiment des crânes explosés, euh, des, euh, des démembrements, des éviscérations. Enfin bref euh, voilà c'est un petit peu la fête euh, et euh, et il euh, y a quand même, une certaine dose d'humour, de dérision, euh, par la présence donc, de ce personnage que Bloodshot euh, a dans sa tête. Euh, un, un petit personnage d'ailleurs dont j'ai toujours oublié le nom, mais euh, c'est pas grave, on s'en fiche. Euh, c'est pas très important, mais euh, toujours est-il que euh, cet épisode, ouais, ça fait partie des bonnes lectures de la semaine, euh, une bonne relance, qui fait plaisir, euh, même s'il euh, y a un petit peu un downgrade, puisque euh, bah, quand même, le, le volume précédent... Euh, c'était aussi euh, l'attraction euh, par rapport aux, aux planches qu'on avait qui était euh, vraiment sublimes. Là, bon, c'est un peu plus classique. Alors, euh, des petites réactions et également une petite question de ma part. <coughs> Alors, tu, je vois Daddy Comics qui Bloodshot, j'ai l'impression qu'il rajoute un verbe à chaque série dans le titre. Ouais, bah, on a vu la, la dernière série dont a parlé Benny un, Bloodshot Unleashed. Donc là, bah, ouais, on a ouais. le, le reloaded avec la même équipe. Ouais. Euh... Il y, a Benny qui, euh, pardon, il y a Kael qui nous disait, Benny, euh, bah, c'est le 72e Retinouch euh, de Bloodshot. C'est vrai qu'on n'est pas loin. Depuis 2012, j'ai compté. On en est à 10. C'est la dixième série depuis 2012, depuis le, ouais. le retour de Valiant. Alors, à hein. force, c'est force, plus des mini-séries, quoi, du coup. Puisque, bon, ça dure euh, 5-6 numéros. Et puis, euh, et ouais, puis voilà. La quoi. série précédente, euh, alors, pas, pas, pas Bloodshot Unleashed, mais celle d'avant avait duré 12 épisodes, tu vois. Donc. Euh, mm. Ouais. Euh, ça, dépend, ça dépend des moments. Rising Spirit on avait duré 8, euh, Salvation on avait duré 12, euh, Bloodshot USC. Alors oui, effectivement, c'est mini en 4. Reborn, c'était 18. En vrai, il y a des titres parfois un, un peu longs. Ouais. Euh, Nico Chris demandait, euh, de même que Benny qui suit les titres, j'aime bien la série Bloodshot, même si j'ai pas tout lu depuis le relaunch. j'ai pas vu le film non plus. Est-ce que tu l'as vu, Benny Pas du tout. Pas du tout. Ça m'a jamais tenté, puisque en plus, les, les retours étaient vraiment pas bons. Et, euh, et apparemment, c'était quand même très éloigné de, de ce qu'est Bloodshot, le comics. Qu'Al euh, a répondu, il a dit, ça crée le film. Voilà. Bon, il est disponible sur Prime pour ceux qui. Ouais, depuis 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 longtemps quoi, en fait, quasiment. Je me demande s'il a pas été en direct tout DVD, enfin euh, en direct sur Prime, je veux dire, chez nous quoi. Je pense que c'est euh, jamais sorti au cinéma. Euh, hein, bah non, à cause du Covid. Ah, c'est ça. Je, je me demande même s'il l'aurait euh, même pas euh, mis euh, comme ça sur Prime euh, sans, le, sans le Covid en fait. Il est, sorti, euh, il est sorti au ciné très et très vite il a été sur Prime, mais euh, c'était à peu près au moment du Covid si ma mémoire est bonne. Alors moi que je... Voilà, Daddy Comics confirme, sorti au moment du Covid. Ouais, bah, mmh. Mes souvenirs étaient pas tronqués. Mais je crois qu'il est, euh, ils l'ont foutu sur Prime quasiment un mois, un mois et demi après euh, la sortie au ciné parce que bah, tous les cinés étaient fermés. Donc de toute façon... Euh... Il est te sorti te rassures, de euh... mémoire, je crois qu'il est sorti juste une semaine avant les confinements. Je te rassure, Covid ou pas, ça n'allait pas, pas sortir au cinéma, hein, ce truc-là. Hein. Ouais, je pense, je pense aussi. Hein. Je, il me semble que de toute façon, c'était euh, prévu pour être euh, directement sur les plateformes, tellement c'était euh, pas bon. Je suis quoi. quasiment sûr de moi, ça très vérification, je, je vais essayer d'aller chercher la date de sortie de ciné, mais je suis quasiment sûr qu'il est sorti genre une semaine avant les confinements ou une ou deux semaines et vraiment il est à... Euh... Enfin, le, le truc a été. Alors déjà que le, le bordel était pas ouf, mais euh... enfin, même, les, les, même les bandes annonces ne donnent pas envie. Et ouais, c'était. Euh... Ah, et quoi, sinon ça on... confirme, oui, ça sortait au ciné. Ah, ouais. Ok. Bon. Pas, je... et... Bah, et pour. Euh... c'est pas défaut. Et pour ceux qui se demandent si Valiant n'est pas mort et enterré, sachez qu'on aura une nouvelle série. Alors c'est un petit peu toujours pareil. Hein. C'est Bloodshot qui revient. Quand c'est pas Bloodshot, c'est Manowar qui revient donc en mai 2024. Deux personnes euh... les plus emblématiques hein, de toute façon. Voilà, exactement. Bah, ceux qui doivent vendre, hein, tout simplement, euh, on ne va pas se mentir. Euh, Becky Clunan sera au scénario, Michael W. Conrad au dessin. Et euh, je vous parle de ça parce que euh, je vois la, la, la couverture du, du, du premier, certainement. Euh, ça s'appelle XO Manowar Invictus. Alors ça fait très euh, pub de parfum, du coup. Et euh, en plus, on a une espèce d'XO euh, moustachu. Voilà, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les moustaches. Mais euh, voilà, Donc, euh, du plus bel effet. Ça ne me donne pas spécialement envie, hein, honnêtement, d'aller voir, euh, voir ce titre. Je crois que je vais juste rester sur Bloodshot. En général, c'est le, 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 la valeur sûre voilà pour moi chez Valiant, c'est Bloodshot. Le reste, euh, bof, bof, quoi. Ça dépend, des, ça dépend des runs, ça dépend des auteurs. Et, euh, bon. Mais c'est vrai que l'univers Valiant, c'est un peu dommage hein, de voir ce qu'il est devenu. Euh... C'est très frileux. C'est même étonnant d'ailleurs de voir encore des titres surnager et sortir de temps en temps. Euh, puisque, euh, puisque voilà, quoi. après une relance dithyrambique il y a quelques années, euh, eh bien, euh, ça a été un peu la, la, la -ce chute. Que... C'est un peu la même question qu'Aeda D Comics Comment Valiant de survie avec aussi peu de titres bah, Je vous rappelle qu'ils ont les capitaux de Tencent. Capitaux limités, quoi. aussi simple que ça. D'accord. Mmh. Ça avait été racheté par, par les Chinois. Euh, moi, la petite question que j'avais à te poser, c'est concernant ce. Alors, déjà, est-ce que c'est un épisode double Non, je crois pas. Euh, euh, non, enfin, il si, y a Alors. Euh, c'est un épisode, on va dire, un peu plus épais que les épisodes classiques, il doit y avoir okay. une trentaine de pages. Allez. Parce que bon, il fait quand même 4,99, donc euh, pas rien. Mais euh, est-ce qu'il y a une explication, parce qu'on a le, le, petit, le petit macaron en haut, hein, qui fait très, euh, très Comics DC, très Comics Marvel, etc. Bon, à la Valiante, mais on a quand même un petit sous-titre qui est euh, Alien Books. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose peut-être d'annoncé par rapport à une relance de gamme Est-ce que c'est euh, une gamme au Alors, sein de Valiante Est-ce que... Euh, est-ce que c'est de... une publication conjointe avec une autre boîte peut-être Alors oui, euh, je crois qu'à un moment donné, il y a une pub pour euh, un autre catalogue. Euh, exactement, ouais, un autre catalogue, le catalogue Alien Books, alors qu'ils font Machine Girl, euh, par exemple, Aurore euh, Pulp Stories, que des trucs que je connais pas. Les couvertures ont l'air sympas, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est peut-être un, une espèce de... De, de de label un peu au rabais hein je suis en train de, de au rabais ils ont quand même ils ont quand même ouais, le war mais... shaking avec Sunshine <laughs> Patriots <laughs> <laughs> oui, oui non mais euh, je dis au rabais parce qu'on se souvient de du label qui euh, qui avait été aussi lancé un peu euh, à grand renfort de de, de com euh, je sais plus c'était quand même des gros noms au début dessus mais c'était le label qui concernait le euh, le retour des morts vivants là de... Oui, oui, euh, mais c'était un truc bah, basé sur l'univers de Georges Romero, mais qui est dans le domaine public. C'est ça, c'est ah, ça, c'est ça, c'est ça. C était c était ça. Mais il y avait quand, moche, quelques, là, y avait quand même quelques gros noms au début euh, qui lançaient le truc, et puis en fait, oui, c'était un truc tout pourri, euh, c'était très moche, etc. Non, mais là, euh, effectivement, il y a du, euh, du check-in, mais par contre, quand tu regardes euh, Machine Girl, bon, bah, ça a l'air d'être assez. Euh, je sais pas qui, qui bosse là-dessus, mais bon, ça n'a pas l'air d'être ouf. Monges et Bunge. Ah c'est c'est alors c est, c est, ça sort je sais pas c'est dispo chez Alien Books mais ça vient de chez Red 5 Comics en fait c'est très bizarre ah, mais c'est ce de mélange ouais. de boîtes est-ce que c'est pas juste un, un espèce de distributeur en fait Alien Books je sais pas, rien en collaboration, euh, Dédic Comics nous dit euh, Alien Books en collaboration avec Valiant pour sortir les comics visiblement. D'accord. Ouais, c'est une boîte qui doit pousser les TP. Qui doit, euh, qui... Ils ont même une couverture derrière, derrière l'Olivetti où tu vois, donc ça doit être une espèce de artbook derrière l'Olivetti, puisque tu vois du Spider-Man, du Batman, du, du X-Men. Euh, tout ça publié sur la page de Alien Books euh, donc euh, en, plein, euh, en plein dans un comics Valiant. Donc c'est assez étrange, quoi, en fait. Concernant le film, Kael hein, euh, confirme, hein, c'est bien ça. Hein, quelques jours au ciné aux US, puis Covid et streaming, et en France direct streaming au dernier moment, vu qu'il sortait pendant le confinement. Voilà. Mais il était bien sorti au ciné, euh, en tout cas aux USA. Hein. Je me rappelle de sa sortie avec des chiffres catastrophiques. Euh... On aura aussi le retour d'une série, apparemment, qui... qui revient, alors que je ne connaissais même pas la première itération, mais euh, Punk Mamba ou Mambo, je ne sais Punk pas d'ailleurs exactement. Ouais. De Peter Milligan et Andres Ponce, 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 je sais pas comment on le prononce, mais, mais voilà, qui revient chez Valiant. ça ce sera pour avril, voilà, le mois prochain. Euh, ouais, sachant que la première série était écrite par Cullen Bah écoute, voilà, bah, la deuxième sera écrite par Peter Milligan. Donc ils ont quand même, 19, et, pour ceux que ça ils ont quand même toujours des, des auteurs, euh, voilà, des auteurs connus. Et comme tu dis, bah s'ils ont le, les capitaux. Euh, les capitaux infinis, hein, euh, l'argent illimité, euh, s'ils ont fait le cheat code, euh, ben bah, voilà, on peut imaginer euh, de temps en temps des, des petites séries quand même qui mériteraient, euh, qui mériteraient le coup d'œil. <laughs> Graf nous disait Punk Mambo, je connais que le numéro 5. Mais c'est pas très punk, du coup. Merci Graf <rire> <rire> Oh putain Oh putain oui, euh, Ça vient euh, 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 pas de temps euh, <laughs> C'est le lag du euh, euh, d'élire qui est encore là non mais Mambo, Mambo uh, Number 5, euh, franchement, il faut... faut connaître, quoi, faut s'en souvenir, parce que franchement, c'était euh, pas fameux et, euh, et c'est surtout un truc euh, qui a pas fait long feu. quoi. Heureusement ouais, pour le oui. coup. Quand tu suis le top 50, euh, tu connais Mambo Number 5. Hein fameux. 99. Ouais, je crois, hein, 99, hein, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, par contre, je suis fort sur les années, les années de sortie des titres. Donc, euh, bon. cette, euh, cette petite note pour Bloodshot, et puis on va enchaîner. Ah, bah oui, bah et alors on... euh, un bon petit bail, voilà. voilà. Un bon petit bail. Mm. <laughs> on va passer à la suite avec X-Men Forever numéro 1, Jonathan. Oui, et oui, il fallait bien que du bon X-Men sorte cette semaine. Euh, et c'est le X-Men Forever numéro 1, scénarisé par Kieron. Guylaine avec des dessins de Luca Marisca et une colorisation de Federico Bli. Euh, numéro intitulé a Ghost. Voilà. fantôme. Euh, c'est pas un one-shot, du coup Non, non, non. Il y a des numéros, oh. des numéros derrière. Ah ouais Parce que moi, j'avais l'impression euh. que c'était un one-shot, ce X-Men Forever. Euh. Bah attends, je, non. Je les, enfin, je les... Ah ouais Mais c'est parce que j'ai vérifié en plus moi aussi j'étais persuadé que c'était un one shot en fait non c'est euh... il y en a, a d'autres derrière hein. ah ouais, euh... ouais, le, le prochain euh... sort le 24 avril hein. ouais, euh... voilà. putain j'étais persuadé que c'était un one shot alors avec une couverture qui bon on veut dire ce qu'elle veut dire mais euh, bon euh... c'est un peu comme toutes les covers hein. ne vous attendez pas à voir forcément ce que vous voulez dans l'épisode euh, L'épisode commence donc en 1899 du côté de Londres, où euh, bah, en gros on va encore euh, avoir euh, un petit peu euh, le passé euh, de euh, Irene, hein, euh, comment Comment s'appelait euh... Putain, comment s'appelait le Destiny, Destiné, voilà, j'y arrive jamais, euh, et, euh, donc, euh, et donc Mystique, voilà, on doit on voit Destiny qui, euh, ben, euh, à cette époque-là, voit un peu ce qu'allait être le futur, euh, le futur euh, des X-Men, et euh, c'est comme ça que ça l'amène à rencontrer, euh, à rencontrer Sinistre, euh, voilà, et on va voir de quoi va... De... Découler euh, cette, cette rencontre. Ça fait un peu, bon, ça peut paraître un petit peu Redcon, la manière dont le présente euh, euh, l'ami Kieron Gillen, hein, parce que ça tourne un peu toujours autour de ses euh, personnages fétiches, hein, en particulier sinistres, mais en même temps, bon, bah, c'est un, euh, un peu craco. Hein, donc, bon, euh, il joue bien avec les codes. Euh, on va retrouver Mozarito avec, avec les codes. Voilà. D'accord, j'avais entendu autre chose. Je crois savoir ce que tu avais entendu. Et par rapport à ce comics, peut-être peut que c'est le cas. Hein. Non, non, non. Euh, on se trouve aux qui, euh, donc, eh bien, étaient toujours reprise dans la Whiteout Room euh, avec, euh, eh bien, Hop, Exodus euh, et, euh, et, euh, et puis tu n'arrives pas à savoir qui c'est. Ah oui, Irène Adler, bah oui, Destinée, je suis con. Euh, voilà. Et, euh, et surtout, on voit que bah, Mother Itos, euh, avait, euh, voilà, avait, entre guillemets, euh, un petit peu à la manière de Sinistre, avait créé un petit peu des clones d'elle-même, ce qui lui permettait euh, eh d'être euh, un petit peu loin de l'action et de pouvoir se protéger. Euh, surtout que là, bah, elle va vite se faire bah, dominer par, par Hope. Euh, notamment, euh, qui euh, revient un petit peu à ses euh, bonnes heures de, euh, de Second Coming et euh, Messiah, voir, euh, puisqu'elle est, elle est bien badass, hein, là, elle rigole pas. Euh, et, euh, et en fait, bah, l'autre partie de Mother Itos va être attaquée par, euh, par Stasis et Orbis, voilà donc euh, deux des avatars de, de sinistre, euh, sauf qu'il va y avoir un petit, euh, un petit retournement. Euh, qui va ramener euh, un des personnages favoris de, de Steve euh, et, euh, et j'ai envie de dire, tout fan des X-Men. Hein. Euh, et, euh, et voilà, euh, Mozaritos va réussir quand même à, à s'échapper, sauf que euh, elle va retomber sur un autre, euh, un, autre, euh, un autre personnage important de la franchise mutante. Et, euh, et voilà, ça va nous amener un petit peu vers euh, ce que va être la suite de, la suite de cette série. Euh, Kieron Gillen lit bien tout ça à Fall of the House of X euh, qu'il écrit. Et euh, bah, on voit quand même que les mutants euh, commencent tranquillement mais sûrement euh, à, euh, à préparer leur contre-attaque euh, à tout point de vue. Euh, je crois que ce numéro, euh, il me semble de mémoire. Euh, avait été référencé dans le Fall of the X euh, précédent. Euh, donc, c'est possible que vous retrouviez une scène en particulier euh, de Fall of the X. Euh, donc voilà. Euh, écoutez, alors je ne sais pas comment le qualifier, hein, si je dois le qualifier tain ou pas, mais mettons que ce soit, euh, soit un tain de, de Fall of the X et euh, Rise of the Power of Ten, bah, ça fait quand même plutôt, euh, plutôt bien le boulot hein, en, en, euh, en suivant finalement euh, bah, Moslerythos. Euh, essentiellement, hein, qui est le fil rouge de, de cet épisode, et, euh, et surtout, bon, Kiron Gillen euh, reste un petit peu sur euh, bah, cette intrigue autour notamment du phénix de, de Jean. Donc voilà, euh, c'est euh, bien aidé par les dessins de Luca Maresca euh, qui est franchement en, en forme hein, là-dessus. Euh, et euh, bah, écoutez, on passe un, on passe un très bon moment hein, à lire ça. Euh, voilà, on a un retour en forme aussi de, de Rachel Summers. Donc voilà, écoutez, euh, plutôt, plutôt une agréable surprise. Enfin, pas agréable surprise, parce que bon, c'est kieran Galen derrière ça. Enfin, il maîtrise quand même un petit peu les X-Men. Mais euh, un, ouais, un bon bail pour, pour ma part, hein, ce titre. Je te prends quelques réactions. Je vois Daddy Comics sur YouTube qui nous dit c'est Immortal X-Men, qui a juste changé de nom en fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre oui. Confirmé, euh, confirmé hein, tout le monde, hein, par tout le monde que c'est en 4 numéros, effectivement, on a, on a vérifié, euh, et merci d'ailleurs hein, de, de vos confirmations. Et euh, Graf nous disait très bon complément, Rise of the Powers of Ten je trouve aussi, euh, nous disait Graf, euh, review tip-top, mon cher Jonathan. Je que, euh, je l'ai que feuilleté pour ma part, et c'est vrai que je me suis un peu attardé sur les dernières pages, et j'avais quand même une forte impression de lien avec Rise of the Power of hey Ten ce non. que l'on peut voir actuellement euh, euh, au sein du No Play Sex et compagnie, quoi. Exactement, ça, ça te permet de, de lier ça. Et j'espère que quand tu as feuilleté, tu, tu as vu ce, ce personnage extraordinaire que nous aimons tous, hein. euh, voilà, qui, qui, oh bah, qui nous fait euh, plaisir. Oui. Oh bah oui, oui, oui. Je, oui. Je... Voilà. Comment, comment ne pas la voir Voilà, exactement. Voilà. Euh, D'ailleurs, qu'il y a une petite bulle où elle dit que, à l'époque, elle était habituée à être euh, euh, habillée euh, euh, plus serrée que ça. Je me suis dit non. Euh, ah bah dis donc, euh, plus serré. à ce niveau-là, t'es ah, ouais. à l'intérieur de toi en fait, parce que je vois pas comment tu peux être <laughs> plus serré quoi. Voilà, un... Ça devait être un petit peu d'ironie de sa part encore, hein, mais, euh, mais on prend hein, ma foi. Hein. <laughs> le cuir, c'est magique, nous dit Graf C'est ça, tellement. Elle le porte bien, il faut le dire hein, quand même. Ah vrai. oui. Ah oui, ça c'est clair. Hey, euh, tout, hein. Si vous n'avez pas deviné de qui on parle, vous ne connaissez pas assez vos X-Men ou vos, vos épisodes de Comic City. Auquel cas, bon, <laughs> vous avez de Comic City, vous avez 679 épisodes à rattraper. Ouais, euh, <laughs> ouais c'est clair. Eh ben, donc, un, un bon gros bail, tu as dit, hein, pour ce titre. Eh ben, ouais, tout à fait. On va continuer avec un titre de chez DC. Maintenant, on va passer sur le Titans numéro 9. sorti donc cette semaine que tu as lu également, Jonathan, je crois. Oui, tout à fait. Euh, Titans avec bah, cette cover un peu dégueulasse quand même. Heureusement, l'intérieur est quand même bien mieux parce que franchement, la, la cover est, euh, fait pas très très envie, euh, surtout avec cette gueule qu'il a fait à Amanda Waller là. Ouf. C'est compliqué. Chris Samy est à la cover, mais euh, non, 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 ne dessine pas avant d'avoir l'air, je t'en supplie. Euh, franchement, pas ouf. C'était Chris Salé là, visiblement, là. Euh, ouais. Ouais. Euh, alors, le scénario de Tom Taylor, avec Lucas Meyer au dessin, Adriano Lucas à la colo. Euh, déjà, la partie graphique à l'intérieur, moi j'aime beaucoup. C'est euh, très joli. Oui. Très très beau. Oui. Et on est vraiment sur euh, bah, le deuxième. Alors, la deuxième partie de l'arc euh, qui s'appelle euh, Dark Winged Queen. Et euh, bah, on sent que Tom Keller est en train de vraiment nous placer les pions euh, pour la suite euh, de son run tout en continuant cette intrigue autour d'Amanda Waller parce qu'elle est sur la cover hein, c'est pas pour rien euh, intrigue générale puisqu'on le sait hein, c'est ce qui va être euh, au centre de, de cette euh, gros, cette event que l'on aura euh, ce gros event pardon que l'on aura euh, au, pendant l'été euh, donc on a les Titans qui sont en train de bah, suite à l'espèce de grosse tempête hein, qui avait eu à la fin du précédent numéro sont en train de bah, d'essayer de sauver un petit peu la ville et euh, bah, ce pauvre gars hein, ce pauvre Beast Boy Rappelez-vous, suite à Beast World, il euh, n'est bah, pas forcément euh, bienvenu. Et même pendant la tempête, quand il essaie de sauver les gens, le mec se fait caillasser. Donc il est un petit peu parti donc, euh, bah, sur demande de Wally hein, qui lui a dit euh, écoute, euh, arrache-toi de là et euh, va, va essayer de faire autre chose parce que euh, bah, ça devient dangereux pour lui également en plus des victimes de la tempête qui préfèrent, euh, plutôt qu'il le sauve, se faire, euh, le, essayer de prendre, perdre du temps, en tout cas le caillasser. Euh, on revoit également sur la page d'intro, je, je le glisse comme ça, c'est assez, euh, assez cool euh, de la part de Tom Taylor d'avoir euh, ramené ça en fait. On voit la, le retour de la quintessence, ce que l'on voyait au tout début du Rebirth, rappelez-vous. Euh, pas du Rebirth, du. Après, euh, non non, après le, après le Dark Metal et compagnie, on avait essayé de nous mettre un peu euh, Wonderman un peu plus en avant. Elle rencontrait, vous savez, tout un espèce de panthéon de dieux. Euh, voilà, et euh, bah, on, enfin, en tout cas de d'entités relativement cosmiques et euh, bah, on re, on, un retour de ces personnages-là donc c'est plutôt cool de rappeler ce petit élément-là euh, j'aime bien et puis bah, on a la seconde partie de l'intrigue qui est toujours l'intrigue sur Raven euh, puisqu'à la fin de Beast World euh, bah, on va dire la partie maléfique de Raven avait pris le dessus et avait enfermé la partie bonne de Raven dans un cristal qu'elle qu qu a sur son front et euh, bah, Raven est infiltré au sein des Titans euh, puisque seule sa partie maléfique reste, et donc euh, bah elle, veut, euh, elle veut enfin embrasser sa destinée, celle que Trigon cherche à lui faire euh, embrasser depuis le départ, hein, son père, euh, et bien de, de devenir une espèce de chef des forces du mal. quoi et On a toute cette séquence avec euh, avec un espèce de pacte qui va être plus ou moins signé entre Amanda Waller et Trigon. Pas mal de, de pistes, pas mal de choses intéressantes sur les intrigues, et euh, bah, le plan de Raven qui commence à se mettre en place sur la fin de l'épisode, évidemment, vous spoiler rien. Mais eh ben écoute, moi j'ai trouvé l'épisode hyper cool, hyper bien rythmé, il se passe plein de choses, ça donne très envie d'aller voir la suite. C'est ce que tout bon comics doit faire, voilà. Je sais pas ce que t'as pensé de ce neuvième numéro, Jeanette. Écoute, je suis un peu comme toi. Moi, je le trouve euh, excellent hein, pour tout vous dire. Euh, bon, j'avais déjà beaucoup aimé euh, l'épisode précédent avec justement le début de cette storyline autour de, de Raven hein, et le, le, retour de, le retour de Trigone. De Trigone. Et euh, écoute, il euh, y a un bon follow-up. Euh, voilà, c'est pas non plus euh, bâclé hein, dans le sens que, euh, voilà, euh, on ne nous met pas euh, tout d'un coup euh, sur, euh, sur la table. Hein. Il prend un petit peu son temps. Euh, Tom Taylor, c'est appréciable. Il y ça en plus à ce qui va se passer avec, avec Amanda Waller. Euh, bah écoute, euh, non, euh, franchement, une très très bonne, très très bonne lecture. Et puis avec une Raven euh, un peu manipulatrice, euh, voilà, qui, euh, qui, fait bien, qui fait bien son taf. Euh, on va voir aussi que bah, du côté de Trigon, il euh, euh, va y avoir euh, pas que Trigon, entre guillemets, hein, qui, qui va un petit peu euh, entre guillemets, euh, avoir un rôle à jouer. Euh, on voit que bon, euh, visiblement, euh, euh, Raven n'est peut-être pas la seule en compétition. Euh, non, euh, franchement, écoute, euh, c'est euh, une très très bonne idée. De euh, toute façon, on le sait, hein, Trigon, Raven, toute cette storyline, c'est quand même euh, un peu l'ADN hein, quand même des Titans. Oui. Euh, donc, euh, bah, ça fait plaisir. Hein, franchement, c'est euh, du bon taf. Honnêtement, il euh, y a pas, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Non, franchement, l'épisode est très cool, très beau. Enfin, là, vraiment. Euh... J'y euh, allais, euh, tu vois, bon, je vais, je vais lire les Titans, je suis content d'aller les lire parce que la série pas mauvaise, mauvaise, mais j'y allais pas, euh, tu vois, en mode, euh, il va se passer plein de trucs. Et franchement, pour une fois, Taylor a vraiment bien géré le rythme de son récit. Il prend assez de temps pour que les choses aient un impact et que tu n'aies pas l'impression que ce soit rushé, mais il te fait vraiment beaucoup avancer son histoire, de manière à ce que bah, quand tu as fini ton numéro, tu n'as pas l'impression qu'il ne s'est rien passé, en fait. Donc non, c'est super cool. Graph me dit j'avais quitté les Titans au moment de Beast World alors je, mais je vais m'y remettre franchement euh, allez-y allez-y là c'est vraiment euh, le... oui il y a eu Beast World mais Beast World a quand même apporté des choses et a des impacts réellement sur les Titans et sur certains de ses membres bon, franchement c'est euh, plutôt, euh, plutôt bon moi, hein, pour moi c'est un bon gros bail idem gros bail pour moi aussi <laughs> Graf qui nous dit arrête de critiquer Sammy, regarde-moi, c'est Starfire. Oui, sa Starfire est très bien, mais elle est au tout petit et je vois que euh, Amanda Waller dessus. Et franchement, Amanda Waller, là, elle est vraiment dégueulasse sur la cover, vraiment. J'aime pas du tout les, les traits qu'il lui a fait. Euh, allez, on continue avec toi, Bunny. On va passer au titre suivant. Il s'agit d'un autre titre indé. Chez euh, ça, 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 pardon, le, la série s'appelle. Putain, je bafouille, excusez-moi. La série s'appelle You and I, numéro 2. Oui, euh, toujours chez Hawa. Donc, j'avais parlé du premier épisode euh, la, semaine, euh, la semaine dernière, le mois dernier du coup. Euh, donc, il s'agit euh, eh bien d'une série écrite par le grand Michael Straczynski, euh, voilà euh, le meilleur d'entre tous. Voilà, c'est euh, par là, Talia maintenant. Hein, voilà. Euh, euh, Mike Choi est au dessin euh, et voilà, et il fait il fait tout hein, Mike Choi euh, ensuite. Euh, donc euh... Eh bien, alors on était dans cette, euh, dans cette intrigue, euh, dans cet univers partagé, euh, puisque chez Hawa, il a créé euh, tout un univers avec euh, toujours euh, une espèce d'événement planétaire qui fait que euh, des gens à super pouvoir apparaissent un peu partout. C'est sa rengaine euh, habituelle, hein, Straczynski, depuis. Euh, comment ça s'appelait Midnight Nation, je crois euh, Je ne sais plus. Euh, Donc, ouais, ouais. Je confonds peut-être d'ailleurs les deux titres. Euh, C'était. Euh... Euh... De... Ah, je sais plus comment de, de quel ça, titre tu parles. J'arrive, j'arrive pas à comprendre de quel titre tu parles. Bah le titre où il y avait une espèce de le, le, le titre qui a inspiré Heroes là chez Michael Straczynski euh, je sais plus comment ça s'appelle. Rising euh... Stars. Rising Stars, voilà, voilà, tout simplement. Rising Stars, euh, bah on est un petit peu dans le même dans le même délire hein. de toute façon. Straczynski a fait ça sur pas mal de, pas mal de titres. Euh, donc il se passe quelque chose et euh, des gens à super pouvoir bah, apparaissent. Et là, euh, on était en fait euh, dans cette intrigue où euh, il y a une espèce de, de gars euh, qu'on suivait dans le premier épisode euh, à super pouvoir. On comprenait pas trop d'où il venait, enfin, euh, on comprenait pas trop quel était ses, son, son but surtout, euh, d'où il venait sans, sans doute, mais euh, euh, voilà, on savait pas trop ce qu'il voulait et euh, on se rendait compte qu'il n'avait pas la la même perception du monde que, euh, bah, que, que les gens qui l'entourent donc il euh, y avait certaines pages où on voyait euh, le monde euh, à travers ses yeux et euh, on voyait euh, donc euh, des espèces de, de créatures euh, un peu bizarres euh, alors que c'était euh, des, euh, des simples hommes de main enfin euh, voilà donc euh, euh, là on reste un petit peu sur sur ce délire et à la fin de l'épisode il croisait donc euh, bah, l'autre personnage de ce titre euh, une nana hein, un petit peu paumée euh, qui aussi euh, est censée avoir euh, acquis euh, des, des super pouvoirs, mais elle ne les utilise pas. Euh, et, euh, et comment dire, elle est, euh, elle est rejetée par sa famille. Enfin voilà, elle a été, on faisait sa connaissance dans le premier épisode. Elle avait pas mal de problèmes. Les deux persos se croisent et euh, elle lui demande comment il s'appelle. Lui, il dit qu'il s'appelle Yu, Voilà, tout simplement. Euh, et euh, et euh, elle, elle dit qu'elle s'appelle euh, Isabelle, je crois. Hein, et donc du coup, il, il, il en déduit que euh, c'est, euh, étaient destinés à se, à se rencontrer puisqu'ils cherchaient une certaine I euh, du titre hein, UNI. Euh, donc euh, il en déduit que c'est forcément elle puisque son son, 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 prénom commence par un I. On comprend pas trop d'ailleurs quel est son délire hein, à ce, à ce personnage. Hein, il est toujours un peu dans son monde. Et euh, bah là, en fait, ils vont euh, se lancer tous les deux dans une espèce de, de, de mission un petit peu à la Robin des Bois où ils vont euh, euh, bah, euh, traquer des, des, des riches corrompus ah, pour, euh, remettre, voilà, oh là là. Voilà, pour remettre de l'argent aux, aux pauvres. Effectivement, il y a ce petit côté Gotham War en moins con parce que de toute façon, là, les personnages ne sont pas, euh, ne sont pas écrits euh, en contradiction avec euh, la manière dont ils ont été présentés euh, précédemment, quoi. C'est-à-dire que, voilà, les, les, ces, ces persos-là euh, ne se, ne se, comment dire, ne se, ouais, ne se, euh, ah, je cherche l'expression, ne se, bon, tant pis, on s'en fout. Voilà, ils se contredisent pas, quoi, en fait. Voilà, par rapport à ce qu'ils qu ont euh, exprimé auparavant. Euh, ils se renient pas, voilà, voilà, c'est ça, voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, bref. Euh, bon, pff, le scénario est assez, euh, assez classique euh, Reste le mystère autour du, du personnage principal, effectivement Mais de là à avoir envie de, de continuer euh, sur ce titre, euh, bof, bof, quoi Franchement, euh, euh, autant euh, le titre précédent que j'avais lu de Straczynski chez Hawa Je l'avais lu entièrement, c'était euh, euh, The, The Madness. Madness Qui était que pas mal, voilà, je suis le lire, quoi c'était pas, pas ouais, ouf la, mais la fin t'avais euh, un peu déçu de mémoire puisque je l'ai remonté il y a pas longtemps ouais 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 mais enfin voilà dans l'ensemble ça va quoi ça ça se tenait euh, ça se tenait dans l'ensemble là honnêtement arrivé déjà au numéro 2 euh, autant le numéro 1 avait un petit côté intrigant autant le numéro 2 euh, bon c'est un peu un peu classique euh, avec un discours euh, qu'on a déjà lu mille fois bof voilà bof le pire ouais, euh, quoi ouais, voilà c'est ça alors. Le, le Strazynski qui est euh... bah, désolé, ça a peut-être choqué les gens, mais c'est une belle fraude. Voilà. Bon comme beaucoup d'artistes, enfin comme beaucoup d'auteurs, hein, j'ai envie de te dire, euh, avec l'âge, malheureusement, euh, c'est plus pareil. Hein, et euh, et ben, voilà, hein, si on lit des trucs de Claremont de, des dernières années, euh, ça n'a plus rien à voir, hein, malheureusement. Et Straczynski bah, c'est un peu le même, le même, la même chose. quoi. Oui, il a brillé euh, il y a 20 ans. Mais euh, mais c'est terminé. quoi. C'est oui. terminé, franchement. Euh... Graf nous disait, tu l'as bien vendu le titre, Benny. Euh, il nous disait, Straczynski on passe de rejoindre Millard Bah même pas, parce que Millard, au moins, c'est fun. Enfin, euh, Millard, tu, tu peux lire euh, les mini-séries de Millard, enfin les mini-séries, euh, les séries habituelles, quoi, de, de 4-5 épisodes de Millard. Tu passes quand même un bon moment, tu t'es diverti. Quoi. Tu sais pourquoi tu, tu vas lire ça. Euh, là, euh, là, je me suis fait chier. Quoi. Dès le deuxième numéro, quoi, je me suis fait chier. Quoi. Je, je me suis un petit peu forcé à terminer parce que je voulais lire d'autres trucs, mais euh, les, les, les choses que je voulais lire n'étaient pas forcément disponibles. Donc, euh, voilà, je me suis forcé à, à terminer ce, ce second épisode de You and, de you and I j'allais dire You and me. Euh, you and I, et euh, bah, je vais m'arrêter là. Euh, Jean-Pierre, euh, voilà, euh, j'arrête je, 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 les frais. Euh, ouais, bof, euh, un, un passe quoi. En fait, voilà. Si, si je m'arrête là, euh, ça va être un, un pass ouais. dès le euh, deuxième ouais. épisode. Comme beaucoup, euh, comme beaucoup de titres de chez de chez Strak, chez Awa, quoi, qui sont, euh, qui sont franchement euh, très décevants. Pas au, oui, niveau... le, le... Pas, pas au niveau de ce qu'on est en droit d'attendre de Strack, en fait, et de, de son aura. quoi Oui. Ouais, ouais. C'est ça le problème. Et euh, moi, ouais, ouais. Ce, je, enfin, bon, cap, avait... je le lis, mais ouais. ça, va être le, ça va être le dernier. je veux dire, Si c'est la qualité de ce qu'on a eu juste avant, la série est terminée pour moi. C'est à brûler ce truc-là, c'est à chier. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, il était capable de faire des, des trucs sympas, parce qu'il y avait euh, Dream Police, que j'avais beaucoup aimé. Euh, avec un concept en plus qui était vachement fun. Il y avait eu quand même 12 épisodes, hein. je ne les, les avais pas tous lus, mais euh, apparemment, j'ai regardé euh, tout à l'heure, euh, ça a été, euh, été jusqu'à 12. Oui. Euh, voilà. Mais euh, bon, c'était il y a une dizaine d'années, à force. Mmh. Ouais, ouais. Ça commence à remonter. Mmh. Donc, un pass, malheureusement, pour ce UNI. Et oui, un pass pour le UNI numéro 2. Eh bien, on va continuer, Jonathan. On va passer chez DC avec la sortie du Superman numéro 12. Superman numéro 12, toujours scénarisé par Joshua Williamson, avec des dessins de David Baldeon et Norm Rapmund et une colorisation de Rex Locus. Euh, donc, le 12e chapitre de ce run intitulé Lex Trousse. Euh, avec un petit récap, hein, quand même, au passage. Disons-le. Chez DC, ça fait jamais de mal. C'est toujours et... plaisant de voir un petit récap. Il y a un autre titre cette semaine qui a un petit récap aussi. C'est le, le Green Lantern World Journal, avec un petit encart comme on avait eu pour Green Lantern la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est agréable de voir ça, quoi. Ça prend quasiment pas de place et, euh, et, et ça permet de prendre le titre en cours. C'est vachement bien, quand même. DC, je vu bien. la lumière. Ça y est, depuis 95 ils ont enfin vu la lumière. Ouais, c'est pas mal. Oui, oui, on attend juste qu'il donne Batman l'année prochaine à Straczynski. Donc, Lex Luthor, qui est opposé depuis quelques épisodes, lui et Superman, au Lex Luthor Revenge Squad, emmené par les docteurs Farm et je ne sais plus le nom de l'autre. Il y a le Graf, tu devrais penser à quelqu'un du chat, ça vrai. Ouf. Il y a le chain, le chain, et surtout bah, la révélation c'était que la mère de Lex était dans le coup. Euh, voilà, et euh, bah, elle voulait, euh, elle a voulu, elle l'a elle elle trahi. Euh, et donc, ils s'en sont pris à Lex et bah, par proxy à Superman qui a été affaibli par, euh, par bah, le gaz de, de kryptonite qui a été déversé. Euh, voilà, un, un, un gaz de kryptonite qui, 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 qui est un véritable poison euh, qui avait été plus ou moins inventé par, euh, par l'ex et euh, qui a été déversé par les méchants euh, à la fin de l'épisode précédent. Donc l'ex euh, bah, et Superman, enfin surtout l'ex, euh, va prendre les choses en main pour, euh, pour arrêter tout ça. Et c'est un l'ex qui retrouve son armure de Superman. Souvenez-vous, le début du, euh, du DC Rebirth, je crois de mémoire, quand euh, il avait euh, cette, armure, euh, euh, cette armure de Superman. voilà. Euh, donc euh, Lex part en ville pour arrêter le, le gaz, pendant que Lena et Superman bah, vont essayer de trouver une solution. Euh, voilà Superman qui va vraiment euh, euh, assumer euh, son rôle de leader de, de SuperCorp et qui va mettre tous les scientifiques euh, euh, au boulot. Euh, Lex va quand même nous faire un petit flashback pour nous révéler euh, comment euh, bah, comment il a, mis, il a été euh, il en est arrivé à mettre en place ce, ce gaz et surtout. Bah, finalement comment il a fini par tomber entre les mains de, euh, de Farm et Kraft. Enfin bref, euh, Farm et l'autre. Euh, Farm et Monsieur Graft. Voilà, d'accord, ça y est, j'y suis. Euh, et, euh, et en fait, bah voilà, Lex révèle bah, que oui, en fait, euh, bah, ce gaz, il est tombé entre leurs mains pour une bonne raison. Euh, qui ne plaît pas forcément euh, à Superman. Euh, et, euh, et donc, bah, l'ex va essayer un petit peu de, bah, de, 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 de faire pénitence entre guillemets en, en se confrontant à ses péchés. Euh, on va voir le retour de Loïs hein, et de, de Mercy qui vont venir porter un coup de main, apporter un coup de main à, à Superman, avec bah, un, Joshua Williamson qui réutilise l'un des éléments de son run qu'il a introduit depuis le début, euh, de, manière, euh, de manière assez pertinente. Euh, voilà, ça, ça faisait assez plaisir. C'est un bon, un bon remondissement. Donc vous l'avez bien compris, on est sur un numéro bah, de fin, euh, bah, j'allais dire de fin d'arc, mais même fin de, de première saison hein, de, de Superman euh, par, euh, par Joshua Williamson. Et euh, bah, comme euh, voilà, Joshua Williamson fait les choses bien, il ne se contente pas de ça et euh, bah, il nous tise déjà. Euh, alors, c'était déjà ce qu'il nous avait utilisé lors de l'annual hein, si vous vous souvenez bien mais là bon ben, on voit ce qu'on devrait avoir sur, sur la deuxième année euh, de, de son run voilà. donc je vais vous laisser à la parole alors euh, déjà parlons de la partie graphique euh, qui est pas du tout à mon goût euh, David Baldeon je trouve que ça marche pas euh, ce superman qui prend dans son cou une... on ne sait pas pourquoi juste parce que sûrement ça doit être cool euh, qui prend une veste de super corps là Pourquoi Comme ça, pour pouvoir le dessiner euh, oui. sur quelques ça pages a avec, un, avec un long manteau Wow non C'était important. Sur, en fait. Vraiment sur le moment, je me suis demandé pendant quelques secondes si c'était pas euh, quelqu'un de la, la subfamille, euh, tu sais, quelqu'un d'autre quoi, genre euh, Superboy ou je sais pas quoi. Et ça ressemblerait plus à John en fait, d'avoir une veste un... comme ça. Et bon, euh... bon, c'est un petit détail. Et après, hein. euh... ça sert à rien quoi. Et par rapport au dialogue, je me suis dit, bah non, en fait, c'est toujours lui. Quoi. Je ne sais pas pourquoi il change de, il change de look, d'un seul coup. Euh, bon, ouais, c'est. Euh, voilà. Les révélations concernant le passé de Lex et euh, comment il est venu à faire affaire avec Graft et Farm, ça nous a été teasé depuis pas mal de numéros en mode il euh, ah, y a quelque chose d'important, il y a quelque chose d'important, c'est une putain de déception. Là, franchement, j'ai été extrêmement déçu de cette résolution-là. C'est... Ah, voilà, il t'envole parce que ça... Ah ouais... Je sais pas, je trouvais ça très expédié, en fait. J'ai pas bien compris pourquoi. Bon, écoute... L'épisode en lui-même, bon, est assez action, et finalement, Lex brille bien, et c'est plutôt cool, mais... Mais ouais, petit letdown, quand même, je t'avoue, pour cet épisode. J'ai trouvé que les révélations, ben, pour en faire ce qu'on en fait là, je trouve qu'elles arrivent un peu tard et elles font un peu pchit, quoi. Tu te dis, bah ouais, en fait, euh, j'avais plus ou moins... J'espérais que tu me sortes un truc de ton chapeau. Euh, non, on avait plus ou moins deviné que c'était ça, quoi. C'est pas... Ouais, je sais pas. Pas, pas hyper convaincu. Bon, on enterrine quand même le fait que Lex est euh, et Clark se sont rencontrés à Smallville quand ils étaient jeunes. Ok. Bon, bah l'épisode est sympa, mais euh, c'est loin d'être le meilleur, je trouve. On a le crossover qui arrive, évidemment. Euh, House of Brainiac. On savait hein, que ça arrivait. Euh. Donc, euh, ça nous est bien rappelé à la fin du numéro, pour ceux qui ont vite suivi cet event, ça commencera dans le prochain épisode de Action Comics. Voilà. Ce sera la première partie dans le. le le numéro d'Action Comics. Bunny, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode Bah écoute, comme tu viens de le dire, euh, pour moi, c'est euh, certainement le, le moins bon euh, épisode qu'on a eu depuis le début. Euh, voilà, bon, euh, c'est le douzième quand même, déjà. Mais euh, effectivement. 14ème en réalité. Parce qu'il y a les deux numéros Night <laughs> Oui, le dixième, bon alors. Okay. Non, quatorzième, 14e, mais, 14e, euh... 14e. Ah, oui. Bah oui, il y a deux numéros en plus pour Night et... terreur Oh oui, et non, et non, moi je l'ai retiré a, justement, a, je faisais l'inverse ce soir. Il y a l'agnoule, oui c'est vrai, l'agnoule qui est absolument impératif à lire, qui est très très bien. Ah ouais. euh, bon, enfin, bref, par rapport à tout ce que tout ce qu'on a eu jusque-là, effectivement, c'est le plus faible, tout simplement parce qu'il n'y bah, a pas de surprise, quoi, j'ai pas du tout été surpris, et c'est un petit peu une conclusion facile euh, bah, qu'on qu n'a que trop l'habitude de lire sur beaucoup de comics, à savoir on range les jouets. Voilà. Euh, à un moment donné, on a juste une phrase où il te dit euh, ⁇ Ah, heureusement que les trois sont restés inconscients après que je les ai. Enfin, ⁇ C'est vraiment la facilité. Quoi. Et euh, voilà, du coup, c'est un peu décevant par rapport à euh, toutes les petites surprises que euh, Joshua Williamson a su nous disséminer euh, jusque-là. Euh, même graphiquement, comme tu l'as dit, bah, ce n'est pas terrible, euh, surtout par rapport au premier numéro qu'on a eu sur cette série. Bref un petit peu de downgrade euh, qui fait que euh, j'ai pas passé une lecture ouf euh, j'ai vraiment lu ça euh, pareil en me disant bon ok euh, voilà, ouais 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 et puis après j'attendais j'attendais un truc quoi en fait j'attendais un truc et malheureusement ce petit truc que d'habitude Williamson arrive à me poser comme ça sur un coin de page où je me dis ah putain bonne idée quoi ah, intéressant euh. bah là il n'y a pas eu là il y a vraiment rien eu quoi aucune surprise euh, on savait où on allait de toute façon on sait très bien que ce qui, ce qui, va, commander, ce qui va commencer pardon, euh, le mois prochain bon euh, gageons que ça va être ça va être sympa hein. je pense que euh, voilà on est, on est sur une bonne période quand même on est sur un bon run mais euh, ouais vraiment déçu de cette fin vraiment déçu de cette fin j'espère que euh, à l'avenir il, il arrivera à mieux négocier le, la chute en fait de, de son récit de son arc, parce que là, vraiment, on a eu la, bah, la fin de la première grosse partie, enfin, euh, de, la, de, la, de, la, de la première partie, quoi, euh, vraiment, le, le premier gros arc, le premier gros, euh, la première grosse storyline. Et, euh, ouais, comme je disais, euh, un peu facile, quoi. J'ai l'impression, alors, euh, c'est peut-être qu'une impression, mais qu'il a un peu mal géré son temps, en fait. que euh, bah, il fallait terminer cette histoire-là pour attaquer euh, House of Reignac et que c'était ah merde! Merde, ça commence là, vite, il faut que je termine. quoi, Parce que, à mon avis, ça, il aurait pu l'étaler encore sur deux, voire trois épisodes, facile. Il y a un côté, euh, Captain America, euh, comment ça s'appelait, Cold War, là. Euh, enfin voilà. Euh... C'est-à-dire qu'on avait euh, vraiment une menace hyper ambitieuse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouveaux adversaires pour Superman aussi ambitieux que ces deux-là. Et puis euh, The Unchained aussi. Hein, il faisait partie aussi de la, de la bande. On avait l'impression que c'était vraiment un ennemi euh, colossal. Et là, oui, euh, bah, les, les trois, il arrive à les neutraliser euh, finalement en quelques cases et, euh, et bah, c'est fini quoi. Là, bon, euh, voilà. Là, c'était même un épisode. Euh, il restait plus que la, la mère de Lex, quoi, quasiment comme menace, en fait, dans, ce, dans cette dernière partie. Et Alors, euh, bon. Je, je vais juste revenir sur un point que j'ai oublié parce que pour moi, je, je trouve ça cool. Alors, c'est dit au détour d'une phrase, c'est jamais vraiment. c'est montré vite. Euh, le, le nouveau statut pour Jimmy Olsen qui est vraiment ah oui. cool, ça c'est une bonne évolution, mais c'est dit ouais. un peu vite quoi. Et euh, on a même euh, le sort de l'Obo. On avait vu, euh, c'est là aussi, ça ouais. me fait penser que ce côté, euh, ce côté, j'ai dû terminer parce qu'il y a House of Brainiac qui arrive en fait. Bon après il y a le côté, il euh, y a le côté, euh, on sent qu'il veut quand même lier tout ça puisque il y a Superman qui se dit, euh, bah finalement pourquoi ils m'ont tous attaqué maintenant quoi. Mmh, bien sûr. Non, non mais après c'est pas mal fait c'est juste Lyon, que j'en attendais plus en fait j'en bah, attendais pareil, plus non, au, au pareil, vu du début ouais. du run quoi oui, oui, oui. bah, c'est à dire j'ai pas eu la j'ai pas eu la vibe où je me suis dit euh, ah putain quelle bonne série quoi ça, ça fait plaisir de voir un, un bon titre Superman là j'étais dans le voilà dans, dans l'habitude quoi je lisais ça par habitude mais plus que par plaisir c'est euh, oui, clairement, moi ce sera pas mon coup de cœur de la semaine. Je, te prends les, je vous prends pardon les réactions. Euh, par exemple, Graf nous dit Moi j'ai apprécié, comme d'hab, l'inversion de la dynamique Lex-Sup marchait très bien, je trouve. La backstory de Lex et ses ennemis était peu attendue, mais cohérente. Personne n'est out of character, au moins. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu Ah oui, alors Nico Chris qui nous donnait quelques infos concernant euh, la répartition des titres si on veut suivre l'intégralité de House of Brainiac. Donc ça commence, on l'a dit, dans le Action Comics 1064. Puis ça se continue dans Superman 13. Mais avant, il y a quand même une partie dans le Green Lantern 10 et seulement dans le backup. Si c'est pas un move de bâtard, ça. Ouais, wow, enfin après, euh, je pense que tu pourras t'en passer. Puis après, donc on aura, pour le mois d'avril, Power Girl et un euh, numéro 8, ainsi qu'un numéro spécial qui s'appelle House of Brainiac Special, tout simplement. Euh ça, à la rigueur, c'est normal, Power Girl, elle est liée à la, la, la série euh, Superman. Bon, oui, ça j'ai pas de problème avec ça. Le foutre, euh, foutre une partie juste dans un backup d'un autre titre. Et je il y en aura aussi dans le ramener, GL en mai en juin, sûr. me dit euh, Nico Chris. Ouais. ouais, mais je pense que c'est peut-être pour amener plus d'autres lecteurs. Euh... À lire GL, oui, bien sûr. Hein. Le ouais. move classique, mais c'est un peu bâtard. C'est un peu bâtard. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça servira à grand chose. Hein. Surtout au moment où GL est même plus sur Terre, quoi. Je veux dire, Green Lantern, dans le dernier épisode, ça y est, il a quitté la Terre, il est reparti dans l'espace, donc... Alors oui, c'est dans le backup, d'accord, mais... T'as même pas le moyen d'avoir un lien dans l'histoire principale, donc c'est un petit peu... Je sais pas, je trouve que c'est un move un petit peu d'enculé. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cet épisode et oui, parce que moi j'ai ah pas, oui, donné... pas, pas parlé. Voilà. Non, mais je note qu'on prend les avis des auditeurs avant bon, le mien, ça fait toujours plaisir. Voilà. Ah oui, non, pardon, c'est vrai que tu ah. t'es contenté que de résumer, t'as pas donné ton avis. Euh, voilà. euh, pardon, excuse-moi, ouais. Jonathan. Il ne faut pas avoir un ego surdimensionné ici, hein, je vous le dis. Hein. Euh, non. non, mais moi je suis. Alors, autant effectivement, je rejoins un peu Steve quand il dit que euh, il avait quand même moyen de ne pas tout expédier en un épisode. Quoi. Il avait moyen de. Allez, je ne dis pas faire ça encore, d'étirer ça sur quatre épisodes, mais au moins sur un supplémentaire, franchement, il euh, y avait moyen de, euh, voilà, de rendre un petit peu la fin de, de, de cet arc-là un, euh, un peu plus épique. Et puis, euh, avoir un épilogue d'arc un peu plus long finalement que, que ce qu'on a. Voilà. Euh, notamment avec des conséquences avec euh, avec euh, SuperCorp. Euh, après euh, je, je suis un peu comme Graf, moi j'ai quand même trouvé euh, j'ai quand même trouvé du, du plaisir euh, euh, voilà euh, euh, je suis comme lui enfin, je trouve que pour une fin avoir un lex en fait euh, qui euh, vraiment euh, un peu très premier degré quand même bah, veut aider euh, superman enfin voilà et euh, bon on évite un peu toujours nous dire ah mais il a un peu un plan dans le plan non non voilà il il veut il veut faire son taf pour une fois ça fait euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu, un peu acceptable et comme il dit voilà bon au moins euh, personne n'est out of caractère là dans tout le monde tout le monde est, est plutôt euh, plutôt bien écrit euh, et moi je trouve voilà que le, le, le côté Superman qui euh, qui assume son rôle de, de chef de super corps et, et qui voit enfin les, les bénéfices voilà bah, c'était bah, un peu euh, quelque part euh, bah, le, le chemin euh, le chemin qu'on attendait enfin il, au début, dans le premier épisode, il était très, euh, très, euh, comment dire, euh, il aimait pas ça. Voilà, il, euh, il trouvait même que c'était, bah, une, euh, oui, une, un détournement du, du symbole qui euh, qu représentait. Euh, donc voilà, le, le voir un peu embraser ce, ce, ce rôle-là de, de, de chef de SuperCorp, c'est bien. Voilà. Bon, après. Euh, Clairement, ce sera pas le, 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 le numéro de, de Joshua Williamson qu'on retiendra, mais euh, moi ça, 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 reste quand même, ça reste quand même tout à fait acceptable. Ah oui oui, c'est acceptable. Hein. Comme je dis moi, pour moi c'est plus un petit lait dents parce que j'en attendais un peu plus, mais après le numéro se lit très bien. Il hein. n'y a jamais de moment euh, où j'ai trouvé ça euh, lourd quoi, tu vois. Donc euh, ouais, pff, moi je vais être sur un, un bon check-it de plus pour ma part pas au bail pour cet épisode moi je mets un bail pour moi Bunny. ouais non check it plus check it plus aussi allez on continue on retourne chez marvel avec la sortie du deuxième numéro de la série night trasher bah oui parce que en tant que fan des new warriors j'y vais c'est con mais j'y vais c'est quasiment contre le faut bien que quelqu'un y aille, hein, à part l'auteur. <laughs> le scénario, justement, l'auteur, c'est Jay Oldham, dessiné par Nelson Daniel, une colorisation de Matt Mila. Donc on avait dans le premier épisode un, un night trasher qui revenait à New York, euh, bon, après avoir été ressuscité, avoir euh, être parti de New York, avoir fait ses petites affaires dans son coin, il revient à New York pour dire, euh, eh bien, euh, la, la Taylor Foundation, là, allez hop, on ferme. Oui, oui, ça aide les pauvres, mais je m'en fous. Allez, on ferme, on ferme tout ça je veux mettre cette ancienne vie de côté et passer à autre chose et, euh, et ben malheureusement pour lui tout le monde n'est pas forcément d'accord silhouette qui est dirigée la foundation et puis même l'adjoint au maire celui qui s'occupe de harlem dans lequel la taylor foundation était présente ne sont pas forcément d'accord parce que ça fait beaucoup de bien et ça va laisser beaucoup de pauvres sur le carreau ça aide beaucoup de gens dans le besoin et euh, bah, notre bon Night Trasher va se retrouver euh, face à une série de cambriolages qui euh, s'en prend au magasin de riches qui se trouve dans Harlem, euh, puisqu'il y a une certaine gentrification du quartier. Et euh, en poursuivant, va tomber sur le chef de ce gang, un certain Oji qui euh, bah, va lui casser la gueule salement. Il avait poursuivi ces gamins parce que ces gamins ont des, des moves de, de, de combat qui sont les siens. Comment se fait-il que ces gamins aient les mêmes moves que lui? Et en fait, bah, ce OG, on le voyait à la fin de l'épisode, c'était en fait Rage, l'ancien membre des New Warriors. Rage qui, euh, bah, qui est devenu chef de gang et qu'en a marre, et qui, euh, qui ne supporte pas de voir la façon dont Harlem est en train de devenir. Et bah, Dwayne Taylor se dit... Faut que j'aille lui péter la gueule, en fait. Puisqu'il euh, puisqu utilise ce que je lui ai enseigné et qu'il a mal bah, à, de mauvaises, à de mauvaises fins. Et qu'il a mal tourné, bah, il va falloir que je règle ce problème-là en plus aussi avant de partir. Sauf que bah, Redge lui a défoncé la gueule. Quoi. Il lui a défoncé, il lui a pété son armure. Et bien c'est l'heure de découvrir, comme vous pouvez le voir sur la cover actuellement, il y a une nouvelle armure pour Night Trasher. Bon, voilà. Night Trasher qui va devoir faire alliance avec Silhouette hein, pour essayer d'endiguer de, cette vague de crimes qu'il va y avoir dans Harlem. Et euh, bah, on peut dire que les choses vont assez mal se passer. Il y, y a un gros côté euh, Black Lives Matter et euh, les flics, euh, les flics qui, sont, euh, bah, qui tirent un peu à vue sur tout le monde et qui arrêtent un peu tout le monde à vue. On sent la, la grosse critique sociale, mais il, ce n'est pas que ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon le, le comic serait vite chiant, heureusement il n'y a pas que ça. Euh, donc il y a un petit message en plus de toute l'histoire c'est pas si mal tant que tu n'en fais pas que ton histoire principale. C'est correct, c'est pas transcendant, ça me plaira qu'aux fans des New Warriors. Euh, c'est pas franchement le titre euh, qui va vous faire aimer les New Warriors, c'est pas le titre pour découvrir un Air Traitor. Bon, euh, si tentez que vous avez envie de lire un truc avec un propos un peu social, vaguement social en tout cas, vous pouvez tenter le titre, mais c'est pas forcément un titre que je vais recommander au tout venant. Vraiment, allez-y, que si vous connaissez les personnages et que vous y êtes un peu attaché, donc un bon check-it, mais pas plus. Voilà, tout simplement. <laughs> Alex, qui me dit péter la gueule d'un type, c'est toujours une bonne idée. Ouais, ouais on est d'accord. <laughs> Allez, Bunny, on retourne chez DC avec toi, qui vas nous parler du Justice Society of America numéro 9. Ouais, alors le Justice Society of America numéro 9 par Jeff Jones, toujours bien sûr. Et euh, au dessin, on avait du euh, Michael Ranin, hein, me semble-t-il pour cet épisode, oui c'est ça, avec Jordi Belair à la colorisation. Euh, et euh, nous sommes euh, bah, toujours dans une espèce d'épisode de, de construction de cette nouvelle Justice Society. On est toujours dans une phase de recrutement. Euh, là, on va faire la connaissance, par exemple, euh, enfin, pas vraiment la connaissance, c'est un personnage qu'on avait déjà vu dans la, la mini-série euh, Stargirl et The Lost Children. Euh, une espèce de euh, le quiz kid, voilà, je crois, hein, qui s'appelle comme ça, euh, qui, euh, qui va à la, à la rencontre de. de J'ai oublié son nom aussi. Euh, Mister Terrifique Je vais l'appeler Mister Terrifique, mais oui, je ne suis même pas ça. sûr. Oui, c'est si, oui, oui. oui. Je ne sais pas pourquoi j'avais un doute sur le, le, le perso d'un seul coup. Euh, donc, euh, on va avoir un petit peu. Euh, euh, on va en savoir plus au fait, sur ce perso. Euh, et euh, on voit surtout en fait, euh, toute une partie de, de la Justice Society qui essaye de recruter euh, le fils de l'Arlequin, euh, voilà, euh, personnage nouvellement introduit euh, par Jeff Jones mais qui est censé être un sidekick euh, du Golden Age. Euh, alors Sam nous avait dit dans le Comic City que c'était euh, que des persos qui avaient été inventés par Jones. Euh, je vais le croire sur parole j'ai pas fait les recherches mais euh, moi au début il me semblait en fait que Jones avait récupéré quelques-uns des persos et en avait créé d'autres mais euh, on, va, on va croire ça ben, c'est un petit peu notre notre grand sage dans Comic City donc euh, voilà je, je, je suis pas allé euh, vérifier vraiment Ça cette, c est, c est ça ne dévalue pas du tout les autres ah bah, moi, je euh... plutôt, moi je dirais que c'est plutôt le seul qui va chercher des informations dont tout le monde se fout mais euh, après tu peux dire le grand sage voilà hein. Non, mais euh, on sait que Sam est très, euh, est très pointilleux sur ce genre de, sur ce genre de choses, donc euh, voilà. Euh, bah, je sais pas, enfin, à, à moins que vous ayez une contre-expertise à faire à ça. Ah, mais, je vais euh... pas faire de contre-expertise, j'en ai plus rien à foutre de ce titre, donc euh, je m'en bats les couilles en fait. Ce personnage-là, il qui vit, qui meurt, qu'est-ce que je m'en bats la race, putain euh, Donc euh, voilà, bon, euh, évidemment, euh, les choses ne vont pas se dérouler euh, comme il le souhaiterait. Et on a surtout, au fait, c'est le, le, le point d'orgue de cet épisode, si on peut dire, hein, puisque ce n'est pas non plus un épisode de ouf, euh, on a l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle le Légionnaire. Euh, alors, euh, pareil, hein, je n'ai pas, pas fait des recherches pour savoir le Légionnaire. si lui existait ou pas. Euh, apparemment, c'est un personnage du Golden Age euh, qui euh, veut absolument faire partie de la Justice Society, qui aurait été recalé... Euh, à la grande époque, c'est pour ça que je pense, j'ai des doutes là sur ce personnage. Je pense que c'est effectivement un, un vieux personnage qui a vraiment existé, puisque en fait, euh, il cite euh, des vieux titres, des c comics. Je pense que là, il y, y a un peu trop de références pour que ce soit euh, totalement inventé par Jeff Jones, quoique, hein, j'en sais rien en fait à, à vérifier. Mais euh, voilà, donc euh, ce nouveau personnage qui va, enfin euh, cet ancien personnage du coup qui fait son apparition. Et qui va révéler son identité à la Justice Society. Et effectivement, ce petit twist de fin, bon, ouais, pourquoi pas. Voilà, bon, ok, d'accord. Ah, mais, euh, mis à expliquer part ça. expliquer pourquoi il a une bague de la Légion, quoi. Voilà. Ce qu'il s'appelle Légionnaire, parce qu'il a une bague de la Légion. Mais, euh, mais on, va, on va directement. Moi, j'avais peur qu'au fait que James Jones nous garde le mystère de son identité pendant encore quelques épisodes et qu'on le sache qu'au qu numéro 12. Heureusement, il n'est pas le cas. Euh, on sait qui est cette personne. Et euh, bah, je crois qu'on va partir vers la dernière intrigue de cette, euh, de cette série, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours en 12. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne comprends toujours pas et c'est toujours ma plainte. Il est en train de construire quelque chose. Pourquoi Puisque s'il se casse vraiment après euh, les 12 numéros, à quoi ça va servir tout ça euh, vérité, il construit euh, voilà. Rien du tout. Il construit, bah, il construit une tout. équipe. Non, il construit, il construit une rien. équipe construit rien franchement euh, il met en fait le, le problème de cette série c'est que on se bat les couilles de tous les persos qui peut nous montrer les persos habituels que l'on a dans la Justice Society donc les anciens que ce soit Mister Terrific mais que ce soit Sentinel que ce soit euh, tous les autres que l'on voit Power Girl Star Girl Hawkman font de la putain de figuration c'est de la figuration à ce niveau c'est cracher sur la gueule de ces personnages-là. Il veut nous mettre en avant tous ces nouveaux personnages qu'il a créés dans euh, Stargirl and the Lost Children. Mais on n'en a rien à foutre. Ces persos sont antipathiques à souhait. Est-ce qu'on a vraiment envie de les voir Non. Et il essaye de nous mettre encore l'emphase là-dessus. Et il rajoute des couches. Le mec ne construit rien, fait de l'attente. Et en plus, sa série a le luxe de même pas être à l'heure. Trois mois de retard, sans déconner. C'est bon quoi. T'attends trois mois pour lire cette merde. C'est se foutre de la gueule des gens quoi. À ce niveau-là, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc non, c'est franchement, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et c'est pas digne de Jeff Jones. Désolé, c'est une très mauvaise, c'est un très mauvais numéro. Moi, j'ai vraiment détesté ma lecture. Je trouve ça affligeant. Et qu'on laisse sortir des titres de cette qualité-là. C'est affligeant. Vraiment. C'est euh, l'épisode qui m'a énervé cette semaine. Ça raconte pas grand chose. Des personnages insipides. Les personnages sur lesquels on pourrait se baser pour essayer de porter les nouveaux ne servent à rien. Ils sont transparents, interchangeables. Est-ce que tu as vu une différence de voix entre Mister Terrifique et Hawkman Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que Power Girl et Hawkman parlent différemment pas du tout. C'est pas digne d'être écrit par Jeff Jones. Et c'est indigne de ce que j'ai envie de lire quand je lis un titre JSA. Franchement, c'est une merde. Voilà. Voilà mon avis. C'est un titre de merde. Et je n'irai pas lire la fin. J'en suis au point mmh. où le mec ne nous respecte pas, ne sort pas ses comics à l'heure, se casse, on voit qu'il veut monter absolument sa boîte. C'est très bien, il monte son matgo, c'est très bien. Bah, désengage-toi de tes projets, file ton bébé à quelqu'un d'autre. Si tu veux plus l'écrire. Je veux même plus savoir qui est en cause de, des retards. C'est affligeant à ce niveau-là. Cette série enchaîne les retards sur retard. Respecte pas ton public, on te respectera pas. Hein. À un moment, c'est bon quoi. Donc moi, pour moi, c'est un passe. Voilà, fermé définitif. Et j'arrête là. Ok, ok. Euh, bah, je crois que tu avais déjà arrêté en fait. J'étais persuadé que, que je, je serais seul sur, ce, sur, ce, sur cet épisode. Mais euh, euh, moi, j'irai pas jusque là. Euh, c'est pas ce que j'ai lu de pire cette semaine. Effectivement, c'est pas très intéressant. Euh, c'est pas c'est pas ouf pour pour du Jeff Jones. Bon, euh, moi, ce qui me dérange toujours, c'est euh, la finalité quoi. En fait, la finalité. À moins qu'il nous sorte finalement qu'il euh, va continuer, il va faire autre chose après ça chez euh, DC, il, le... il va continuer ce qu'il commence là. Sinon je ne comprends pas, au fait, je comprends pas le but. Quoi. Voilà. Bref, euh, pff, ouais, épisode, euh, épisode assez moyen. Moi je vais mettre un, un check-it. Voilà, cet épisode, c'est tout. Eh bien, Jonathan on va continuer avec toi du côté de chez Marvel. Un numéro. Un, euh, qui est un ensemble de petites histoires pour nous présenter euh, le futur de la gamme Spider-Man avec le titre Web of Spider-Man. Oui, effectivement. Alors c'est un, bah, c'est une preview, on peut le dire, hein, de ce que seront les, les titres euh, de l'univers euh, de Spider-Man sur l'année qui vient. Donc on va avoir du Amazing Spider-Man avec euh, bah, le duo de choc, hein, évidemment. Zeb Wells et John Romita Jr avec Marceau Minis à la colorisation. On va avoir du Miles Morales Spider-Man, donc Cody euh, Ziglar avec euh, Eleonora Carlini et Arthur esni, Spider-Woman et euh, Spider-Wen. On va avoir un cas du Kazam aussi, hein. on va avoir la suite de Kazam, donc euh, scénarisé par Steve Fox, avec des dessins de Greg Land et une colorisation de Frank D'Armata. On va avoir du spectaculaire Spider-Man, euh, euh, du Kane le retour de Kane, Scarlet Spider, euh, c'est là aussi Steve Fox et Greg Land qui sont à la manœuvre. Et euh, Spider. Enfin, Society. ce ne sera pas des séries, attention. Hein, ce sera juste euh, là, c'est eux qui font le, les quelques pages, mais il euh, n'y aura pas de séries euh, Kane ou Kazum. Hein. Euh, je ne suis pas sûr. Non, mais je te le dis. Je te, je, je te le confirme. Kazum, il va revenir dans Amazing Spider-Man, en fait. Il y aura. Oui, un ça, arc... Euh... Oui, ça d'accord, mais euh, Scarlet Spider, euh, ce n'est pas, pas impossible. Euh, vu que dans, le, dans la petite histoire qui, qui, qui nous est narrée euh, bah, de Scarlet Spider, bah, je, je vais commencer là-dessus, hein, de Kane, hein, de toute façon. Euh, bah, en fait, c'est un Kane qui est de retour et qui, clairement, euh, va se mettre sur la trace de, euh, de Ben Reilly pour essayer un petit peu de le. Je ne vais pas dire de le sauver, mais un petit peu de, de comprendre ce qui, euh, ce qui ne va pas. Donc, on revient un peu sur cet antagonisme-là. Et il va euh, bah, rencontrer ce qui, ce qui semble être une version de vermine, je dirais, dans les égouts. Je vais le dire comme ça. Euh, et, euh, et voilà, euh, on sent que bah, euh, Scarlet Spider va avoir un petit arc euh, à lui euh, voilà, dans les égouts et surtout avec euh, bah, quelqu'un qui. Euh, Quelqu'un d'inattendu euh, qui dirige euh, les égouts. Et on nous met bien, oui, euh, Kane euh, va revenir. Ça, je te dis, je ne suis pas sûr qu'on euh, n'ait pas une série euh, Scarlet Spider euh, à un moment ou à un autre. Euh, les, euh, les autres séries, bon, je ne vais pas tout vous faire hein, parce que sinon, on en a, on en a pour, pour la nuit, mais. Au moins les plus importantes sur Amazing Spider-Man. Bon, ben bah on va continuer évidemment sur euh, la fuite du siècle, hein, l'équivalent de Rock, euh, Stone Cold, Steve Austin euh, dans l'univers Marvel, hein, avec évidemment Peter Parker contre Tom Stone. Voilà. Donc euh, on n'a pas fini avec ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, On va avoir euh, euh, un personnage euh, donc de de l'univers de... Euh, putain, je vais y arriver. De Spider-Man, Miles Morales, qui... Euh, enfin, un nouveau personnage qui, qui, va, qui va arriver. Euh, alors peut-être que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu. Moi, je sais pas. Personnellement, je vous dis c'est un personnage que je ne connais pas. Euh, et qui apparemment pourrait, euh, pourrait peut-être faire office de, de sidekick ou de rival à Miles Morales sur, sur l'année qui vienne. Euh, voilà, je, je, moi je, le, je, ne le, je ne le connais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Oui, alors euh, on va avoir évidemment le retour de, euh, de Kazem, hein, tu l'as dit, euh, et euh, donc du coup aussi de, de Madeline Pryor, voilà, qui euh, visiblement euh, euh, aura, euh, aura des, des choses à dire euh, à Ben. Voilà, donc euh, bon, c'est pas c'est vraiment un peu pourri de un peu tout ce qu'on va avoir cette année on a aussi la série euh, donc c'est euh, euh, spider-man euh, voilà je crois que bonia a fait, euh, fait la review d'un épisode enfin, du premier épisode bon c'est pas euh, c'est pas ce que j'ai vu de pire mais disons que euh, c'est vrai que on a quand même du mal à voir euh, un truc vraiment, vraiment enthousiasmant. Euh, bon, il y a un épisode, enfin, il y, y a une partie, oui, euh, euh, donc euh, pour Edge euh, pour of Spider-Verse. Euh, donc, c'est un série Edge of Spider-Verse qui peut être pas mal parce que ça fait euh, lourdement penser à ce qu'on a vu dans Across the Spider-Verse. Euh, mais euh, sinon, ouais, c'est pas. Euh, j'ai rien vu de bien j'ai rien vu en fait qui m'a qui m'a franchement, franchement happé, euh, à part je vous dis peut-être le retour de Kane, parce que ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, et Kane en Scarlet Spider et justement, euh, voilà, reste... qu'elle qu demandait, mais il était pas mort Kane euh, je ne crois pas pas, ma, pas de ma connaissance, je pense qu'il avait ressuscité depuis un moment, non euh, bon, avec, je, je, je me rappelle même, dit me dit me même plus euh, comment il ressuscite, s'il ressuscite, comment il ressuscite en fait. Ah, au fait, que, que, fin, tu te rappelles de quelle mort, toi, surtout C'est surtout ça la question. Euh, C'est-à-dire que moi, à je me rappelle. la fin de sa série moi, régulière, où le mec, le mec euh, mourait, quoi, sacrifiait, nos mémoires, mais. Euh... Il finissait par dégénérer et euh, crever, mais. Euh... Et il se si je me rappelle d'un arc avec Mephisto, surtout à la fin de sa série régulière par Peter David il y a quelques années, mais je me rappelais pas qu'il disparaissait, donc. Je, il revenait pas avec euh, merde avec Clone Conspiracy. Ah, je l'ai pas lu, donc euh, là je pourrais pas vous aider. Mais Clone Conspiracy c'était avant. Ah avant la série la dernière la dernière série régulière. Euh, je crois ouais. Me semble-t-il. Bon, hein. bah, toujours est-il qu'il est là hein, et il est euh, il en bonne santé alors euh, euh, on voit son visage et euh, c'est le visage habituel de Ken hein, c'est-à-dire euh, Peter Parker avec le, la, la petite dégénérescence quoi, sur le visage. En ouais, bonne santé, mais quand même avec une belle tête de dégénéré, quoi. Ouais, il pourrait ressembler très pour très à Peter Parker. Hein. Bon, euh, ces temps-ci, euh, c'est pas non plus. Euh, pas non plus mais, génial. Hein. Kazum aussi, il a pas la gueule ravagée Non, Kazum, il est bien. Non, Ben, il a une, il a une belle tête de vainqueur. Hein. Ok. Ouais. Mais euh, ouais. effectivement, c'est étonnant qu'on n'ait pas vu Kane depuis un moment, euh, vu que... Vu, y a, vu ce que Ben Reilly a fait récemment dans l'univers Marvel, voilà. C'est vrai que c'est étonnant. Où était Kane bon, je sais pas. Il était à la piscine. Hein. En tout cas, j'ai feuilleté ce numéro euh, parce que quand même, ça m'intriguait. Mais euh, vraiment, j'y suis pas allé parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a limite plus d'informations en regardant un catalogue preview qu'en euh, achetant ce numéro. Surtout qu'il devait être un peu cher euh, vu le nombre de pages. Je sais pas combien ils l'ont vendu, mais... Euh... 5,99 Je te dis ça peut-être, mais... Euh... Ouais, bah, mmh. C'est une belle arnaque, quoi. parce que franchement, euh, t'en apprendras plus en regardant le, le catalogue preview à Marvel. C'est censé te lancer des histoires. 7,99 000. Je, oh, je, là là, oh, je, comme j'y vais, non, non, c'est je, je, lis, je lis la lettre à la fin de bon, celui qui est quand même notre maître à tous, hein, Nick euh, qui dit que, euh, ben, en gros, sur Kane Kazem euh, et la Spider Society. Et euh, eh bien, euh, il veut pas nous annoncer, mais grosso modo, euh, bon voilà, il y a, des, y a des, des, big things qui, euh, qui vont venir. Donc, euh, grosso ouais. modo, il y a des annonces qui, peut-être de mini-séries ou comme ça qu'on va avoir. Ouais, il voilà, le, donc... le numéro se fait beaucoup défoncer quand même sur le net. Hein. Ce côté, c'est ce qu'on aurait dû avoir dans un dans un free comic book day. Alors, peut-être pas autant de pages, mais euh, en gros, c'est l'équivalent de ce qu'on a dans un free comic book day. Euh, pour lequel on vous fait payer euh, bah 8 dollars. Quoi. Ouais. Franchement, moi j'ai presque envie de dire un pass en vrai, hein, parce que bon, euh, pff, vous n'en avez pas besoin, et puis euh, au final, ce qui est intéressant à la limite, vous le découvrirez en lisant les titres, hein, et puis voilà ce que je vous dis. Hein. Ouais, donc ouais, vraiment pas convaincu, euh, et pas forcément emballé non, par, par les histoires qu'on t'a proposées. Quoi disons c'est pas c'est pas non plus nul à lire enfin si tu veux si je dois si je dois noter euh, juste la lecture c'est un check -it, quoi c'est correct mais euh, mais euh, si je dois euh, oui, bah, le noter euh, l'ensemble du truc avec, en tenant compte du prix euh, surtout cette 99 ouais euh, franchement c'est euh, un peu cher payé quoi n'y allez pas quoi enfin vous avez enfin euh, vous voulez les lirez quoi finalement les titres vous avez pas besoin de ça en fait ok et bien on va continuer avec du décès, là encore, euh, le Green Lantern World Journal numéro 7, avec un, un John Stewart qui se retrouve euh, bah, à l'autre bout de la galaxie, euh, coincé quelque part à la poursuite de la Revenant Queen. Alors je rappelle hein, les crédits, euh, on a Philip Kennedy Johnson au scénario, on a euh, Montos au dessin, une colorisation d'Adriano Lucas. Et bah ce pauvre John Stewart, il est, euh, il est enfermé. Alors au départ, seul, sans anneau, sans rien. Son anneau arrive à le rejoindre au bout d'un moment. Et euh, bah son anneau trouve classique dans les graines de Aucune référence connue euh, sur ces constellations. Euh, je ne sais pas où on est. J'arrive même pas à comprendre le langage des, des gens un peu bizarres que je croise dans les, les espèces de cavernes dans lesquelles je me suis, je me suis retrouvé. Et euh, finalement, il va émerger. Euh, Hors de, de cette espèce d'astéroïde dans lequel il était coincé. Aucune référence spatiale possible, trouvable, euh, aucune constellation connue, la forme des étoiles ne parle pas, impossible de déterminer où on est, et là, t'as un mec qui lui parle, un mec qui a aussi une gueule bien ravagée, quand même, et qui lui dit euh, Mec, t'es là, euh, t'es dans un espace, en fait, qui est entre les dimensions, quoi. Et t'es pas là pour rien, t'es là pour une raison, et c'est. Euh, empêcher euh, les, les, ces revenants là, de, de, de proliférer parce que bah, si tu le fais pas c'est la mort de, de tout en fait hein, tout simplement pourquoi pourquoi s'embêter à avoir des grosses menaces quand tu peux simplement te baser sur euh, la destruction de l'univers, je dis ça en trollant un peu mais ça reste cool hein, comme menace hein, la façon dont c'est raconté c'est euh, plutôt bien fait et de l'autre côté on voit bah, toujours ce qu'il avait mis en place avant de partir au combat eh bien, euh, une espèce d'image de sa petite sœur, morte, pour essayer de tenir compagnie à sa mère, qui a un Alzheimer et qui est en train de, bah, de mourir à petit feu. Quoi. Et euh, tout ça contenu au sein de, de, la, de, de la tour Steelworks, avec Steel et, euh, et Natacha, évidemment, donc, euh, sa nièce. Qui, euh, bah, qui aurait besoin de soigner la mère de, de John Stewart parce qu'elle est en train de dépérir, mais euh, cette manifestation de, de l'anneau de John Stewart, qui est une partie elle-même de John Stewart, ne les laisse pas faire. quoi Donc on a un John Stewart qui veut absolument rentrer chez lui parce qu'il sait que sa mère est en train de mourir, qui est coincé, qui va se retrouver face à des menaces qui ont de la gueule, franchement ça a vraiment de la gueule, et euh, bah, de l'autre côté, la mère qui est quand même en train de, de dépérir. Le rythme est très bon, euh, c'est une des, des rares séries de Philippe Kenny Johnson dont, à la, à la, avec laquelle je ne m'ennuie pas dans, son, dans sa façon de raconter les dialogues. J'ai pas l'impression de lire des personnages qui parlent tous de la même façon, euh, les maîtrisent bien, le thème est intéressant et euh, bah comme d'hab, War Journal, c'est plutôt cool. Alors, on avait euh, un petit peu de, de, de lien entre les deux séries. Euh, sur les épisodes précédents, euh, bah là, d'un côté, on, on l'avait dit hein, la semaine dernière, ou, ou il y a deux semaines, je ne sais plus, euh, lors du Green Lantern, bah, Al Jordan qui a pu enfin quitter la Terre. Et là, on a un John Stewart qui, lui, se retrouve un petit peu euh, hors du temps, hors de tout. Donc, euh, les, les deux séries vont se réécarter un peu à nouveau, je pense, pour mieux se retrouver euh, pour bah, ce, cette grosse menace qui est la, la Fédération des, des Planètes Unies. Le titre est vraiment. Enfin, moi j'aime bien. Le titre World Journal, il a vraiment un ton différent. Et puis surtout, on nous le retour d'un personnage de l'univers GL. J'ai hâte. J'ai hâte parce que c'est un mec dont on n'a pas vraiment vu les agissements depuis euh, bah, le relaunch de ces deux séries. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Non, franchement, l'épisode est bon. Euh, ça, va être un, ça va être un bon petit bail. J'aime. Toujours beaucoup ce titre. Je vois Baboussa qui proposait <laughs> qu'il est en Picardie euh, en fait, euh, John Stewart et euh, Graf ont proposé qu'il est dans le métro parisien. Ouais, c'est un peu un mélange des deux quoi, c'est ça. Le, le métro de Picardie du coup. Allez petit bye, euh, je te passe la parole Bunny. On va continuer avec et eh bien un titre, euh, un des euh, une ah, pas une nouvelle série par c'est le numéro 2 de la série euh, If you find this, I'm already dead. Et oui, si vous vous souvenez, euh, le mois dernier, ça avait été mon coup de cœur, je crois. Possible, oui. Euh, lors d'un Comics Weekly, euh, très bonne surprise de Matt Kint et euh, euh, Dan McDead, le fameux Dan McDead, au dessin avec la colorisation Bill Crabtree. Euh, oui, donc ça avait été mon coup de cœur. Euh, bonne surprise euh, au niveau de l'indé euh, chez euh, Dark Horse, comme tu l'as dit, je crois. Euh, puisque c'était ce récit où une journaliste euh, se retrouvait dans l'espace avec, euh, euh, donc on était dans le futur hein, très certainement, une journaliste se retrouvait dans l'espace avec euh, toute une équipe de, de Rangers qui, euh, qui allaient affronter l'extraterrestre un petit peu dans une ambiance à l'alienne. Ils se faisaient tous dézinguer dès la seconde page, c'était un petit peu la grosse surprise, et euh, ensuite elle était euh, poursuivie et elle devait survivre dans un environnement hostile qu'elle ne connaît pas du tout. Et enfin euh, voilà, ça avait été vraiment un numéro, un premier numéro très rentre, très rentre dedans, très euh, très prenant, très très bonne lecture et euh, surtout une totale surprise. Voilà, je, je m'attendais pas forcément à ça. Euh, je, voilà, donc ça avait été, euh, ça avait été vraiment une, euh, ouais, un, un petit un petit coup de cœur. Euh, ce deuxième numéro donc, euh, bah, on, un mois a passé euh, véritablement et dans le dans le, dans le comics. Euh, elle a commencé à s'adapter euh, à, euh, à cette planète hostile. Euh, elle a un petit peu appris le langage des, des autochtones extraterrestres qu'elle a pu croiser, euh, notamment pour se, euh, pour se nourrir, voilà, pour se vêtir. Euh, elle a essayé de, de, de s'habituer aux, aux communes locales. Euh, elle est toujours traquée et elle va se rendre compte que du coup, qu'elle est dans, un, dans une espèce de peuple, effectivement, qui sont un petit peu euh, euh, effrayés. Euh, par les extraterrestres qu'elle a pu croiser ces espèces de robots là avaient, euh, avaient euh, disséminé euh, tous, les, euh, tous les autres euh, tous les autres GI. et là on va avoir vraiment un épisode centré sur sa bah, vraiment sur cette découverte euh, sa découverte de cet univers on va avoir euh, de nouveaux éléments on va découvrir un petit peu des des, des pans de cette société euh, extraterrestre de cet autre monde et euh, on va avoir des scènes de dialogue, donc on aura euh, simplement un mot sur cinq de traduit euh, puisque elle, elle a encore un, un faible niveau pour communiquer avec, euh, avec ses, avec ses, ses, j'allais dire ses semblables, mais pas du tout. Enfin ses, 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 voilà les, les, les habitants de cette planète. Euh, mais justement, il va y avoir tout un jeu comme ça. Où on va pas trop savoir ce qui va lui arriver, et en même temps, on a quelques petits indices euh, distillés à travers les, les quelques mots qu'elle comprend euh, à travers ses dialogues. Euh, et euh, bah on va surtout, euh, en fait, elle va surtout être envoyée euh, dans une espèce de mission. Il la voit un petit peu comme l'élu, hein, un petit peu comme comme Neo dans Matrix. Euh, si elle est arrivée sur leur planète, c'est qu'elle a forcément une bonne raison d'être là. Euh, bon, elle, elle, se, elle, elle comprend bien que c'est le hasard le plus total et qu'elle n'est absolument pas euh, là pour, pour régler la situation, mais euh, du coup, elle va essayer de s'adapter à ce, à, ce à ce nouveau statu quo. Et euh, surtout, on va avoir un, un twist en fin d'épisode euh, assez surprenant, assez bien pensé, euh, qui euh, va encore euh, une fois relancer ma curiosité pour, euh, pour continuer sur cette série. Qui graphiquement aussi, je l'ai pas dit mais, euh, et, euh, enfin, je l'avais dit le mois dernier mais euh, je, le, je vais le répéter pour, pour cette fois-ci, graphiquement est très très euh, de très bonne facture, euh, avec euh, toujours aussi quelques pages de sketchbook à la fin qui nous montrent un petit peu euh, bah, des des essais, des croquis, des, euh, voilà, enfin voilà les, les auteurs se sont fait plaisir dans la création de cet univers. Et, euh, et ça se ressent d'ailleurs à la lecture, hein, euh, vraiment un, un, un univers assez riche, assez, euh, assez intéressant à découvrir. Et euh, franchement, encore une fois, euh, bah, j'ai passé un, un excellent moment avec cette lecture. Ce sera peut-être d'ailleurs mon coup de cœur par défaut de la semaine. Je n'ai pas vraiment de, de coup de cœur à en parler, mais euh, c'est vraiment ce que j'ai lu de mieux, je pense, cette semaine. Euh, voilà, euh... Donc ton coup de cœur, ton coup de cœur de la semaine en fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais. Ça reste, ça reste vraiment une série que je vous encourage à aller découvrir. Ouais. Euh... Pas encore testé parce que je suis pas toujours client moi, de, de de Matt Kint euh, C'est pas que c'est mauvais, mais c'est que j'ai un peu de mal avec son écriture. J'ai du mal à rentrer dedans. Par contre, j'aime bien ce que fait Dad mcday Donc ouais, ça fait deux deux reviews que tu en fais où c'est plutôt cool. Je crois que je me laisse tenter. Ça se lit assez bien. Et en plus, c'est assez rapide. Enfin voilà. Tu... En, en une demi-heure, euh, même pas, peut-être, euh, peut-être moins, tu auras, mmh. auras lu les deux, euh, les deux premiers, quoi. Ok. Donc un bon gros bail, puis ton coup de cœur de la semaine hein, pour ce titre. Ouais, absolument. Allez, on va continuer, Jonath. Euh, on se retourne vers toi pour la suite. Il s'agit du numéro 112 de euh, Nightwing. Jonath qui a son micro de coupé, <laughs> qui est en mute. Et oui, et il parle comme un con avec le micro coupé. <laughs> euh, Tom Taylor est au scénario, Samy Basserie est au dessin, euh, colorisation d'Adriano Lucas. Euh, voilà, euh, on a Vicente Chifuentes qui est à, à l'ancrage aussi, tiens, je, je le cite. Euh, pour, pour un épisode qui, eh bien. Euh, euh, eh bien euh, va être euh, va être celui où Nightwing va, va retrouver un petit peu cet enfant qui a été enlevé euh, cet enfant qu'il avait, euh, euh, qu avait un petit peu pris sous son aile dans, dans un épisode précédent euh, et euh, bah, on voyait que euh, bah, son oncle hein, le bah, tuait le père de l'enfant et le prenait, le prenait en otage et donc bah, Nightwing euh, et eh ben, ça, ça ne lui plaît pas. Euh, il sent qu'il a euh, qu'il a un gros vide et, euh, et il faut qu'il compte ce vide. Et il décide de, bah, il décide de le retrouver. Euh, et euh, même s'il assume le fait que bah, peut-être que ce n'est pas lié avec Artless, euh, il a besoin d'aller euh, bah, euh, du côté de Gotham pour retrouver euh, bah, son, euh, son père spirituel, Batman pour l'aider à mener cette enquête et euh, retrouver euh, surtout la trace de ce, euh, de ce gamin euh, voilà donc euh, épisode assez, euh, assez basique quand même euh, avec bon enfin toujours sous le signe de la relation entre Bruce et Edic euh, euh, voilà Dick étant le premier hein, des euh, euh, fils entre guillemets euh, de Batman et le meilleur euh, le meilleur d'entre nous, hein, dirait Damien, évidemment. Voilà. Et, euh, et donc, bon, euh, aventure, aventure des plus classiques, euh, qui se finit euh, comme on le pense. Donc, un peu un gros, un gros filler, hein, cet épisode. Hein, on va ouais. pas le dire, on va, on va pas se cacher. Ouais. Euh, un, arc, un arc en deux euh, filler, mais euh, parce que ben, bon, on sait, pas... on, on part vers le dernier arc. Hein, de toute façon, il va quitter le titre. Ouais. mais je l'ai trouvé tu vois vachement bien écrit euh, on a un, un, un Batman qui est pas trop con d'ailleurs l'image aussi euh, de putain et si Tom Taylor écrivait Batman bon alors euh, ces problèmes sociaux ces problèmes de, 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 de discours sociaux qui nous fait sont parfois, sont même souvent assez foutraques mais tu, tu l'as lu aussi le Titans donc tu peux comparer son, le Batman qui, ré, qui réconforte un peu gare dans le Titans était pas mal écrit en fait le côté un peu froid, un peu dur, comme on l'imagine Batman. Mais malgré tout, euh, avec un peu d'encouragement. C'est pas le Batman... Euh, non, j'aime personne, vous euh, oh. êtes tous des cons, quoi. Et là, on, me... a, euh, on a quand même un papa qui euh, bah, qui s'inquiète qui... Qui pour son fils, quoi. J'ai même pas envie de dire qu'il est froid. Hein, son Batman, il est, euh, il est normal, quoi. C'est un Batman qu'on aurait pu voir dans les années 80, de... par exemple. D'ailleurs, je dis que c'est dans Titans, mais pas du tout. C'est dans cet épisode-là qu voilà, euh, qui réconforte épisode gars. Hein. Je suis con, je, je mélange Et... les deux. Mais c'est... Mais parce que Nightwing lit au... à ce qui se passait dans, dans, dans Titans forcément. Ouais, ouais. Euh... Mais, euh, mais oui non je suis d'accord hein. il écrit il écrit bien son Batman euh, bon après si j'étais si spiègle, je noterais que Tom Taylor n'a que faire des, euh, des dingueries de, de Gothamboire hein, et euh, notamment de Batman qui euh, dit non je suis pas assez bien pour vous euh, euh, Dick Barbara il faut que vous soyez le papa et la maman de la famille voilà, toutes, ces, toutes ces conneries là qu'on a vu là dans le dernier épisode là voilà euh, Tom Taylor bon il s'en fiche tu vas me dire que je vais chercher loin mais j'ai pas pu m'empêcher de voir ça et je ne sais pas j'ai pas fait des recherches peut-être que vous pourrez me confirmer ça mais as-tu vu le nom du méchant Jonathan le, le, le mec là l'oncle qui a buté euh, son frère pour récupérer le gamin euh... et récupérer la fortune il s'appelle ouais. monsieur Wahid W A H Ouais. Euh, je ne sais pas si Wade est un nom peut-être habituel euh, au Vietnam, puisque le personnage vient du Vietnam. Mais j'ai quand même l'impression que... Enfin, j'ai pas pu m'empêcher, et je ne sais pas, je ne vais pas lui prêter d'intention. Comprenez bien ce que je dis. Je ne dis pas que Tom Taylor a fait ça. C'est juste mon ressenti. J'ai quand même l'impression qu'il a donné le nom de Mark Wade à un méchant. Il ne va peut-être pas apprécier le fait que Mark Wade arrive et dirige un peu la boîte. C'est moi qui vais chercher très loin, peut-être. J'en voilà, sais rien. Je, je pense que c'est toi qui vas chercher loin. Oui, c'est fortement euh, possible. Bah, par contre, Tom Taylor, euh, il les dingueries euh, de, de War, les et Company, ça, ça lui passe au dessus de la tête. Ça, oui. Alors là, très clairement, euh, là, euh, là c'est comme si ça n'avait pas existé. <laughs> je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Il euh, y a pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un froid immense entre euh, entre les deux. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, hein, c'est comme ça que. Mais disons que, tu sais, Mark Wade, il est arrivé, il a quand même pris le contrôle de pas mal de trucs, ouais. on lui a laissé gérer plus ou moins des events, machin. Je sais pas, je, encore une fois, je, je, je n'ai aucune certitude, et c'est sûrement peut-être moi qui ai un esprit biaisé, j'en sais rien. Je vous donne mon ressenti, c'est qu'en voyant le nom du méchant, je me suis dit. Ah, quand même <laughs> Tu vois, quand même, est-ce que. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'est pour ça que je me pose la question si. Euh... Connaissez bien le Vietnam, Bâche. etc. Est-ce que Wade, c'est vraiment un nom courant au Vietnam ça, ça me paraît pas. Dans la consonance, euh, ça attends, me paraît pas du tu... tout vietnamien. Tu peux répéter W-A-I-T H, -H, ah, W-A-H-I-D. C'est Mark Wade avec un H au milieu, en fait. C'est pour non, ça que j'ai Waïd... pensé à ça. Non, mais Wade, surtout, c'est plus un. Alors, c'est justement là que c'est étrange euh, par, rapport au, euh, par rapport au fait que ce soit un nom, tu me dis de consonance vietnamienne, parce que Wade c'est surtout un nom euh, euh, arabe, euh, bah, notamment il y a pas mal de Marocains. enfin hein, de euh, D'où le, oui. le fait que ça m'ait fait tiquer, Jonath, parce que pour moi c'est pas une consonance vietnamienne. Mais encore une fois, je peux me tromper, je suis pas spécialiste du Vietnam. Ouais, mais si ça se prononce Wade et l'autre Wade, bon, c'est pas exactement la même prononciation non plus. Bah, quoi. Parce que ouais, tu es un mais H pas... au milieu. Et voilà ça. Non mais franchement, enfin, pff, si tu veux peut-être, peut mais, euh, mais voilà, pas, je, je vous, un jeu, quoi. Je, oui, c'est peut-être un jeu. Voilà, j'en sais rien. Disons que j'y ai pensé. Voilà, c'est pour ça que je le, je le précise là. Encore une fois, je n'ai pas de certitude et je n'accuse en rien Tom Taylor de quoi que ce soit. Hein. Je vous donne juste mon sentiment et voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. J'y ai juste beaucoup pensé à la lecture, quoi. <laughs> c'est tout. Le côté euh, j'enlève mon, mon enfant, j'enlève mon petit jouet, tu vois. C'est un, un peu ça que j'ai associé. Tu vois Bon. Bah après, euh, encore une fois, c'est moi qui ai sûrement suranalysé. Sur je vous précise juste. Euh... Ouais, je, moi, j'ai trouvé l'épisode cool, en fait. Voilà, c'est un, un bon arc en deux. Euh, qui, qui, va, qui apporte bien des, des petites choses sur la relation Batman-Dick. Moi, ça m'a plu. Franchement, la lecture m'a plu. Enfin, je vois pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce que tu as déjà dit, Jonathan, sur, euh, sur l'histoire, tout ça. Plutôt cool. Ouais. Hein. quitte plus pour moi, pas plus. Non, je vais être sur un, sur un bon petit bail. J'aime bien voir un Batman traité comme ça, euh, pas trop comme un gros connard et. Euh, Dick, euh, Dick est un peu plus froid. Bon, il y a le backup. Ah, le backup écrit par Michael ah Conrad ouais. et, avec des dessins de Frank Kavila mais uh, sur cette version uh, 15 e siècle là, de, de, de Grayson qui affronte uh, celui qui a tué uh, son papa uh, qui n'est plus ni l'autre que uh, le, le prêtre ou évêque du quartier qui est bah, le Joker ah, franchement c'était inintéressant c'était inintéressant il n'a a jamais été autant ailleurs que euh, aussi dans le titre Batman, le Joker. C'est ça qui me fait marrer, c'est qu'on le voit partout maintenant. C'était inintéressant, possible, ça. Voilà. Euh, Graf ouais. me disait euh, euh, Nightwing, je l'ai trouvé plaisant aussi. Voilà. Euh, bon, c'est tout, à moins que tu veuilles rajouter un dernier élément, peut-être, Jonath. Euh... Non, t'as raison, c'est bon aussi, euh, ça va. Et ben on va passer à un autre héros solo du côté de chez Marvel, Blade. Blade qui Elle sort son numéro 9 et qui est surtout l'avant-dernier épisode. Et oui, la série va s'arrêter. Euh, Brian Hill au scénario, Valentina Pinti est à la partie graphique et J Diaz à la colo. Et euh, bah c'est Blade qui prend le taureau par les cornes accompagné de, de son pote fantôme qu'il a été cherché. Euh, en enfer, hein, celui qui l'avait tué dans le premier épisode et qui avait relâché la Dana sur, euh, sur l'ensemble du monde et eh bien il décide d'aller euh, au contact et d'aller chercher des réponses pour essayer de trouver où elle se cache, Puisque maintenant qu'il est accompagné de, de celui qui devait la garder enfermée à la Dana et euh, eh bien euh, essayer de, de la combattre et de l'enfermer à nouveau pour que bah, le mal euh, puisse être à nouveau enfermé non pas se balader en liberté et on va avoir un Blade qui va aller chercher Tanaka, que l'on avait vu dans le premier épisode, euh, Tanaka, qui va gentiment bien faire souffrir pour obtenir quelques infos. Et Blade qui a, euh, bah, qui a trouvé un plan. Qui a trouvé un plan, qui va demander l'aide de Satana, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Et Blade qui va euh, aller franchir des... des lignes pour pouvoir attirer ce mal le plus ancien Adana. Afin qu'elle se montre et afin de lui régler son compte une bonne fois pour toutes, si tant est qu'il puisse en sortir vivant. Épisode efficace euh, qui se lit moins vite que le précédent, quand même, qu'on avait lu en 3 minutes, montre en main. Hein, le précédent, euh, bah on sent qu'on approche de la fin, hein, clairement. Euh la série est cool, j'aurais aimé qu'elle dure un peu plus longtemps, mais je préfère 10 numéros sympas que 25 numéros où je m'emmerde. Qu'est-ce que tu as pensé de ce neuvième, Jonath bah, Écoute, euh, écoute, moi j'ai trouvé au contraire euh, que c'était pour une fois plus euh, complet que d'habitude mmh. euh, sur Blade. Euh, je trouvais que les épisodes précédents, il y avait pas mal de bonnes idées. Mais que bah c'était un petit peu trop court en fait, qu'on qu en avait un, pas assez à se mettre <laughs> sous la dent. Deuxième épisode, neuvième fois que l'on dit ça. <laughs> non, peut-être pas neuf fois, mais huit fois. Mais non, je, je, justement là, j'ai trouvé que sur cet épisode, c'était euh, bah, plus riche quoi. Il y en avait, il euh, y en avait. Euh, ah pardon, excusez-moi, j'avais mal compris. C'est ça. C'est surtout sur ça. C'est que là, j'ai trouvé vraiment que l'épisode était complet. Euh, voilà on voit Blade interagir avec euh, avec plusieurs euh, plusieurs personnages on revoit Sadana euh, notamment donc ça ça, ça, ça ce n'est pas pour me, me faire euh, ça ça c'est ah, plaisir je sais plaisir, que l'ensemble hein. Tailleur Pantalon Jonathan, tu craques c'est bon, soit, soit ça c'est les cornes je sais pas. C'était plus les cornes de bouc, hein, effectivement, mais euh, bon, le tailleur, euh, le, le, taille, le, le, le costume hein, ne, ne, ne fait pas tâche hein, non plus hein, sur cette euh, Belle décoration aussi, hein, avec des gargouilles, euh, euh, des gargouilles à l'intérieur de son appart. C'est quand même goût, d'un hein, drôle bah, de quoi, goût. Vous, ça vous avez pas ça chez vous non, non, je crois pas, non. <laughs> je crois pas. Euh, vous êtes pas assez voilà. c'est tout. n'a pas assez de mauvais goût. <laughs> euh, mais, c'est vrai que la problème. gargouille dans le salon quand même c'est quelque chose. Avec le petit jardin je... d'intérieur là. Voilà, c'est à dire qu'en fait la gargouille en soi ne me dérange pas dans, dans, dans l'intérieur, c'est pas pas le problème, c'est que euh, en fait elle a un intérieur qui est hyper enfin euh, hyper moderne quoi, l'appartement euh, l'appartement classique quoi, enfin tu vois un peu le penthouse euh, bah, des riches hein, disons -le, comme ouais. euh, comme c'est. C'est à dire là, du vide vois... du vide et du vide quoi. Quel est l'intérêt d'avoir voilà. une grande maison si tu la remplis pas Je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Regarder les murs, peut-être. Il, il y a un beau tableau hein, quand même sur le mur. Non, mais Et si tu veux, moi, la mode minimaliste, je peux arriver à l'entrevoir, je peux arriver à la comprendre. Mais pourquoi tu vas faire du minimalisme dans un 800 m bah, Si bah, tu veux là, faire du minimalisme, prends un 50 m en fait. Déjà, sois minimaliste dans, la, dans le choix de ton appartement, quoi. Écoute, euh... Euh, voilà, il hein, faut, faut poser la question à Satanin en l'occurrence. Euh, et oui, cette gargouille, du coup, euh, on se demande bien ce qu'elle fout là. Quoi. Et encore, si tu vis seul, 50 mètres carrés, c'est bien. Oui, oui, oui. C'est déjà pas mal. Oui, oh, c'est déjà très bien même. Euh, Donc voilà, non, non, mais j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était un très très bon épisode, quoi. Vraiment riche, mmh. bien dessiné. Euh... Alors, là, pour le coup, euh, pour le coup, moi, ce sera un gros bail, hein, justement, là-dessus. Hein. Euh... Petit bail pour moi, mais bail quand même. Et euh, la ouais, le titre est bon. et euh... ah, Ça fait presque chier, enfin, pas presque, ça fait un peu chier de le voir s'arrêter. Quand même. Puis surtout, Il n'y qu'un seul gros arc, en fait. Enfin, même si on aura oui. deux arcs de cinq, mais on n'aura qu'une seule et même histoire tout au long de, de ces dix épisodes. Quoi. Bah, surtout qu'il y a tellement de titres à la piste qui nous sortent chaque mois et qui continuent et qui sont nuls. Euh, voilà combien il y a de titres mutants qui servent à rien, et puis là je vous dis pas ce qui s'annonce pour le relaunch, combien il y a de titres spider-man qui servent à rien quoi. Euh, voilà, là as une série Blade bien écrite avec des bonnes idées, bien dessinée et puis c'est un univers c'est comme Moon Knight, c'est un univers un peu à part de, de l'univers euh, Marvel, l'univers 116 Blade il peut interagir avec plein de personnages il peut interagir avec le docteur Strange, il peut interagir avec Moon Knight par exemple il y a plein de choses que tu peux faire avec Blade mmh. et ben bah non enfin, bah, de... tout, ah, tous puis... ces personnages un peu euh, un peu coin euh, coin sombre et noir de l'univers Marvel quoi c'est un ouais. univers un peu magique euh, magique pardon l'univers un peu qu'on avait euh, fin milieu des années 90 le, le ce qui s'appelait le coin Marvel Edge en fait on avait des personnages un peu plus euh, un peu plus sombres tout ce qui était les Ghost Rider les Moon Knight euh, les Doctor Strange euh, les Blade et compagnie c'était vraiment le, le le coin magie noire quoi moi, je demande pas si tu veux qu'on me fasse 80 séries de ça, mais as juste une petite série, euh, une petite série Blade. Je pense que ça fait son office, quoi. Voilà, ça fait pas de mal. À voir, ça part au bout de 10 épisodes. Euh, pff, ouais, bof, quoi. Euh, voilà. Donc, petit bail pour moi, bon bail pour toi. Et euh, puisqu'on a abordé ah. le sujet, j'allais te passer euh, vite fait, te poser la question parce que tu l'as pas mis sur le conducteur, mais je sais que tu suis euh, d'habitude le titre. Euh, Qu'as-tu pensé de ce troisième épisode de Moon Knight, euh, Vengeance of the Moon Knight, pardon, qui est sorti cette semaine euh, Tu l'as peut-être pas lu, tu n'as peut-être pas eu le temps de le lire aussi, peut-être pour ça que tu l'as pas lu son conducteur. Si, si je l'ai lu. et eh ben très très bien encore. Euh, ça suit bien son cours avec un peu cette, ce mystère autour de ce nouveau Moon Knight, euh, qui, euh, qui est de plus en plus radical, qui s'en prend au vilain, même ceux avec, lequel, avec lesquels Moon Knight avait passé un peu un accord tacite euh, précédemment. Et euh, bah, ça... Ça rend difficile la tâche de, de la mission Moon Knight, puisque maintenant, euh, bah, euh, les gens se retournent un peu contre eux. Et euh, bah, ça fait que, euh, du côté de la mission, on va devoir euh, s'allier euh, avec euh, bah, des gens euh, inattendus. Euh, donc, euh, non, non, euh, très très bonne série. Et euh, encore une fois, le mystère, euh, on, on se demande qui est vraiment ce Moon Knight. Voilà. Donc, euh, écoute, euh, bien quoi. Bien, bien, bien. J'aurais mis un bail, très clairement. Ok. Bunny, on va revenir vers toi. On va aller chez DC avec euh, bah, du DC ancien, mais en fait qui vient de sortir. Mais ancien, vous allez comprendre. Batman 89, la deuxième série consacrée à cet univers, ou troisième peut-être, qui s'appelle e Euh Ouais, moi je dirais deuxième série, à moins que j'ai totalement loupé la. la, je, la je sais la, plus la, en fait, c'est pour ça, bon, ça j'ai eu un doute. Euh, eh, si, non, a... deuxième, il y a eu Batman 89, et, euh, et euh, du coup il bah, y a celle-là maintenant. Ouais, voilà, donc, je, bien, je me suis posé la question s'il n'y avait pas eu une autre mini Batman 89 en même temps, enfin aussi qui était sortie. Il mais... y a eu deux séries déjà Superman euh, 80. Ah, c'est peut-être avec ça que je confonds, ouais. Je Superman 78. Rien, 78. 78, ouais. Mmh. Plutôt, ouais. Euh, voilà, voilà, donc c'est pour ça. Euh, donc euh, effectivement, on est toujours dans cet univers avec euh, le même scénariste, Sam Ham, au scénario. Joe Quignones au dessin et Leonardo Ito à la colorisation. Alors Joe Quignones qui est très bien pour justement dépeindre un petit peu cet univers de Batman 89, on reconnaît bien les traits de Michael Keaton, on reconnaît bien Alfred, bref, les persos du film, puisque le but de, cette, de ces deux mini-séries, c'est de euh, proposer des suites. Aux deux Batman de Tim Burton, voilà. Donc, aux deux Batman avec Michael Keaton dans le, lieu de, dans le rôle de Batman, et euh, la première était sympathique, voilà, avec un double face euh, qui était assez raccord avec ce qu'ils avaient prévu initialement dans les films. Euh, on avait l'introduction d'un Robin, euh, voilà, un nouveau Robin, enfin euh, un Robin, quoi, dans cet univers puisque n'y en avait pas jusque-là. Euh, vu que ensuite Batman Forever, tout ça, c'est une autre continuité, on va partir de ce principe. Là, on est vraiment dans la continuité telle qu'imaginée par euh, Tim Burton. Et euh, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir cet exercice de transposition, comment il va euh, transposer des concepts euh, euh, propres à Batman, propres à son univers euh, de base, euh, dans cet univers du Batman 89. Et là, on avait un Bruce qui, euh, du coup, euh, depuis le, la première partie, s'est retrouvé euh, dans un hôpital psychiatrique, en fait. Et euh, bah, il est, euh, euh, comment dire, j'allais dire étudié, mais euh, c'est pratiquement ça. Il est, euh, il est suivi par le, le professeur Crane, donc euh, l'épouvantail. Hein, on, on, voilà, euh, on découvre l'épouvantail de, de cette version Batman 89. Euh, Bruce Wayne qui était avant suivi par un certain Dr Strange donc euh, qui lui a fait passer des tests euh, et euh, donc on sent bien aussi cette espèce d'inspiration de, 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 tirée de l'animé euh, puisque c'est un petit peu le, le même principe euh, sur bande magnétique sur euh, sur vidéo en fait il y a des images tirées de l'esprit de Bruce où on, qui donnent des indices un petit peu sur ses activités nocturnes euh, et sur sa double personnalité et donc le, le professeur Crane a récupéré ses études et en profite pour pour enquêter un peu sur sur Bruce Wayne et on va le voir dans cette espèce de évoluer dans cette espèce d'Arkham Asylum mais version Batman 89 donc ça va être un Arkham Asylum assez assez particulier dans lequel en fait il y a une certaine euh, euh, Dr Quinzel en fait qui qui, qui évolue également. Euh, donc on comprend très bien qu'elle ouais. va devenir Harley Quinn. Oui, Après, elle, est la, elle est sur la cover. Hein, donc euh... oui, 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 oui. Non, non, mais je cherchais en fait son nom civil. Euh... Harley Quinzel, je crois qu'elle s'appelait tout simplement. Euh... Ar Arline. Arlene. Arline. Oui, voilà, c'est ça. Arline Quinzel. Euh, et donc, euh, bah, on va avoir effectivement sa version euh, Batman 89. Euh, voilà, et on, on voit comment elle prend le, le chemin. Euh, en fait, d'être euh, en, en passe de devenir Harley Quinn. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est les interactions, voilà, entre ces personnages. Euh, comment tout va se goupiller. Et, et euh, de son côté, il y a aussi Alfred, qui évidemment va essayer de, de tirer Bruce de ce, de ce mauvais pas, hein, de le cool. faire sortir de là. Oui. Finis ta phrase. Parce que sinon. Euh... Oui, voilà. <rire> <rire> ce serait étonnant. ce serait Étonnant, surtout euh, vu la. Quand on se souvient de la tronche de l'acteur, euh... ah, à l'anglaise avec le petit doigt en l'air, mais il va tirer Bruce ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais. Quoi. Pas que le doigt en l'air. Il a été élevé, à la dure. <laughs> Le petit euh... doigt et le gros doigt en l'air, effectivement. Euh, donc euh, voilà, de son côté, donc Alfred essaye de, de sortir Bruce de, cette, de ce mauvais pas, et euh, bah, il va faire équipe, peut-on dire, avec le Robin de cet univers. Euh, ce qui va donner lieu à certaines scènes un peu cocasses. Euh, C'est sympathique, voilà. C'est sympathique. Alors, euh, pour le moment, je suis moins emballé par ce second volume que par le premier. Ne serait-ce que parce qu'il y a plus la surprise de l'exercice euh, du, du premier volume, quoi. Voilà, on connaît un peu le principe. Il euh, y a quelques idées intéressantes. Euh, maintenant, euh, voilà, je trouve, comme pour le, le premier volume, que euh, si on imagine ça euh, comme un film de deux heures, je pense que ça aurait, euh, ça aurait un petit peu bidé, puisque euh, c'est pas euh, ça manque un petit peu d'action, ça manque un petit peu de grandiloquence, ça manque un petit peu. C'est très terre à terre, quoi, en fait. C'est très verbeux. Euh, voilà. Il n'y a, a pas beaucoup d'action, quoi, d'ailleurs, dans, euh, dans cet épisode, dans ce numéro, il y en a même ouais, voilà, quasiment pas. Euh, c'est sympathique, voilà, l'exercice euh, est fun, mais euh, sans plus. Je partirai. Alors je... Bah attends, attends. Avant de donner ta note, je vais mettre la lui aussi. Mais... Ah, c'est vrai, oui. Ouais. Ok. Voilà. Euh... Hey. Mais non, mais euh, hey. moi, par contre, euh... moi, par contre, je trouve, je trouve ça justement très intéressant que ça ne tombe ai... pas dans, dans l'action, euh... <laughs> l'action débile. Bon, quand même, c'est quand même mieux quand vous imitez le Kyle. Hein. Euh... Ouais, je sais pas qui j'imite. Hein. Ouais, non, là, oui, là, c'est un, c'est un décérébré là, quand même. Hein. Là, c'est vraiment. Euh... Hein, c'est presque confondant. Donnez-nous hein. votre avis, Et... Monsieur ouais, alors moi Je ne sais pas faire Eric Nolo, donc hein, je pourrais pas faire le va-et-vient. Alors... Euh... Donc euh, non, moi je trouve justement que c'est intéressant euh, qu'il euh, l'auteur euh, euh, n'aille pas sur de l'action tout de suite. Bon, on comprend bien que Bruce euh, euh, va enquêter pour voir ce qui se passe, ce qui se passe dans Arkham. Euh, voilà il met en place euh, il met en place ses pièces il développe bien son récit je sais pas moi je, justement je trouve ça euh, je trouve ça plus intéressant que simplement voilà batman euh, mettre la, la grosse combinaison à la texte avec laquelle il peut pas tourner la tête non voilà euh, c'est un brousse euh, un Bruce intelligent euh, qui nous fait un peu de du Matches malone quelque part mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà écoute après, c'est sûr que si c'est comme ça euh, pendant, euh, <laughs> pendant 15 épisodes, oui, c'est sûr que bon. Euh, on est parti sur une série en 5 comme, comme le premier volume. Voilà, mais. Euh... Il faut que sur le troisième, il y, y, y a du banc, quoi. Il faut que ça s'accélère. Oh, ouais. hein, ouais, pour, ouais. ouais. pour le moment, j'étais plus zappé par le, le récit du premier. Euh, bon, c'est un petit peu normal parce que euh, cette version de, de double face, euh, à l'époque, on l'a. On on nous l'avait un petit peu teasé on pensait que Tim Burton allait réaliser un troisième épisode et finalement on n'a jamais eu. Euh, donc voilà, j'avais envie de voir un petit peu euh, qu'est-ce que ça aurait donné euh, même si c'est pas Tim Burton euh, aux manettes, qu'est-ce que ça aurait donné un petit peu double phase dans cet univers. Bah, après, là euh, c'est bon... pas Tim Burton aux manettes mais c'est quand même le scénariste de Batman et euh, ouais. de Batman original le Sam Ham euh, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, Il était sur le scénario avait... donc la vision la vision elle est là quand même. La vision est là. D'ailleurs, l'univers est. Enfin, on reconnaît l'univers. Ah, si Il y a un gros problème. Il y a un gros problème quand même. On Elle n'est pas là, la vision. Je ne l'ai pas vue. Hein. Je est pas pas vu dans... trop. On est dans Batman 89. Et je suis désolé, mais en 89, Alfred, il va pas recevoir des emails. Et là, moi, ça m'a. Ouais, bon, au début, ouais, non, mais au début, ça m'a fait un peu chier. C'était déjà là dans la première série. Hein, donc, euh... Euh, ah bon, ouais, il y avait déjà des, des problèmes. Ouais, de on, ce type. on voyait Gordon qui travaille sur des ordinateurs, enfin, la Barbara, ah ouais. ouais. tout ça. Bon, voilà, écoute, faut. Ah ouais. ben, enfin, ah ouais. ça, que, que ce soit des vieux ordis euh, tout pourris, ok, bon, à la limite, quoi. Enfin, quoi qu'en 89, quand même, c c ça me paraît un peu compliqué, mais admettons. Admettons. Mais là, tu vois, enfin, le coup des emails, etc., tracés par la police, je me suis dit ah merde, tu vois, ça, ça, ça commence, ça, ça commence un peu mal. L'exercice n'est pas, est pas, rempli totalement, quoi. J'aurais aimé vraiment qu'on reste dans l'esprit que ça se déroule en 89. Quoi. Et euh, évidemment, dans les films de Burton, bah, tu voyais pas, on te parlait pas d'emails, on te parlait pas d'internet, etc. Mais, on était loin de tout ça. Quand bien même tu fais augmenter, je veux dire, le deuxième film doit dater de 92. Allez, on va dire qu'on ouais. place cette nouvelle série trois ans plus tard, deux ou trois ans plus tard, en 95. Mais ouais, c'est chaud quand même là. Ça devient compliqué. Ouais, 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 ouais. Alors à moins que effectivement on est euh, dix ans après euh, 89, donc on est en 99. Donc là, on est totalement euh, dans le dans l'ère du temps. Mais, totalement, euh... totalement, pas totalement non plus. Hein. Ça commence à se démocratiser, mais en 99, c'est pas non plus la norme hein, les emails. En ouais, enfin que, que, Alfred, que Alfred utilise ça et que Bruce ait donc un Internet hein, avec des emails, etc. Enfin, c'est pas, pas fou quoi. C'est admissible quoi en 99. Mais euh, par contre, il n'y a rien qui nous le fait dire. Et puis c'est un peu un peu ballot parce que quand tu lis un titre Batman tu bah, t'espères quand même que tu, que tu seras plus. Du côté des années 80 qu'à la fin des années 90 quoi. Bon. Là, euh, la temporalité n'est pas précisée, mais, euh, mais voilà. C'est juste le petit bémol euh, où je me suis dit ah c'est dommage. Bon. Mais effectivement, il y avait peut-être déjà ce problème euh, dans, les, dans, la première, dans la première mini. Euh, on va passer aux notes, peut-être, ou il y a des réactions? Non? Non, pas de réaction sur ce titre. Ok, bah Jonathe, du coup. Bye pour moi. Euh, ouais, un bon petit bye ouais. Ouais. Ça reste tout sympathique. On va rester fait. dans le. Pardon, excuse-moi, Jonas. J'ai parlé sur toi. Euh, on va rester dans les produits de licence. Ça reste un film, donc voilà. C'est pour ça que je considère ça un peu comme un produit de licence. Avec du côté de chez IW la sortie d'une nouvelle mini consacrée au Foot Clan, ça s'appelle Teenage Mutant Ninja Turtles The Untold Destiny of the Foot Clan. Oui, scénarisé par Eric Burnham avec des dessins de Matteo Santaluco et une coordination de Marco Lesco. Alors déjà, quel plaisir de retrouver Matteo Santolucco Santo sur Matteo Santaluco sur la franchise euh, Tortue Ninja. Euh, parce que vraiment, il a un sacré coup de crayon. Et il euh, y a certains titres, euh, bon, euh, avec Sophie Campbell malheureusement, où le dessin n'était pas au niveau du, du scénario, C'est dommage. Ouais. Euh, bah, ce je qui est dommage, c'est de le retrouver là. Ah bah écoute, faut bien le retrouver quelque part, euh, donc euh, on aurait pu le retrouver chez des éditeurs comme DC ou Marvel. Hein, non non mais ce que je veux dire c'est que de le retrouver là plutôt que sur la série principale, qui en aurait eu bien besoin, parce que là euh, franchement, euh, ce premier numéro, que... mais... vas-y. Peut-être que lui il n'a pas envie, hein. donc euh, donc voilà, hein, là il est euh, donc, sur cette série, alors... On est dans l'après Armageddon War, hein, si vous voulez, euh, donc pendant, pendant l'Armageddon la, pendant War, euh, cette Armageddon Game, pardon, Karai, euh, euh, l'héritière du, du clan des Foot, euh, avait un petit peu bah, rassemblé certains, certains, certaines personnes de l'univers des, tortu, des Tortues Ninja pour former un nouveau euh, clan des Foot, donc, bah, notamment bah, Bebop et Rocksteady, hein, les prix Nobel, bien sûr. Euh, on retrouvait aussi euh, Casey Jones. Euh, voilà, il y avait une sorte de, de relation qui s'est nouée entre Caray et, euh, et Casey Jones. Et puis euh, bah, d'autres membres, un petit peu des, des perdants. Hein, euh, Madame Null, hein, euh, bah, on a, les, euh, on a le, le scorpion là et, euh, et l'espèce le, de crotal euh, qui, euh, qui, ont rejoint, euh, qui ont rejoint cette, cette équipe. On a Gecko aussi, le, le lézard. Et donc, bah, apparemment, et euh, eh bien, Kara a besoin de faire un casse. Voilà, elle a besoin de faire un casse euh, dans, euh, euh, dans une, une entreprise. Euh, ça nous permet quand même de voir un nouveau mutant qui est une qui est un cachalot, voilà, littéralement, euh, mmh. un joli un joli cachalot. Euh, voilà, euh, c'est pas euh, c'est pas la banne blanche, hein, c'est pas euh, pas moby dick, mais quand même, hein, il est bien monté. Euh, et euh, il a un beau duel avec Bibo Perrochetti. D'ailleurs, euh, ça s'appelle un spermole, hein, je crois. D'accord. <laughs> euh, ouais. Voilà. Bon, je vais repartir. Euh, donc voilà. <laughs> Bonne chance. Euh, euh, oh. Ah ouais, ouais, là, là, il faut que j'y aille. Là, euh, euh, surtout que je vois un personnage qui chauve donc d'un coup, c'est euh, perturbant. Euh, donc voilà, Karaï, Kazé Jones et, euh, et, euh, et puis un autre personnage dont j'ai oublié le nom. Et euh, eh bien Natsu, voilà Natsu, euh, membre, euh, membre du foot clan. Euh, qui... évidemment. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Ah, c'est si dur, là. Que je, fasse, euh, non, mais je vais <laughs> finir par hisser le drapeau blanc, là. Donc voilà, donc euh, il pénètre euh, dans le repère des méchants et euh, là il tombe sur euh, alors un nouveau clan euh, des plus charismatiques, c'est le Dog Star Clan, voilà, le clan de, de, du chien étoilé ou de l'étoile des chiens, euh, voilà. Donc visiblement c'est tous des chiens. Euh, donc il y a peut-être Graf hein, qui, qui est là. Euh, et disons, euh, Graf, il a un sacré coup de patte hein, parce qu'il te met une sacrée euh, rouste à, à Caraï Voilà. Et puis, bon, bah, on va voir un peu la finalité de cet épisode hein, avec Karaï euh, euh, qui se retrouve, euh, se retrouve à l'hôpital. Euh, voilà, franchement. Euh, alors, bon, le cliff à la fin est pas trop mal. Voilà, ça revient un petit peu aux origines de, de la mythologie des Tortues Ninjas. Mais franchement, pour un premier épisode, hein, on ne se roule pas le, le cul par terre. Hein, franchement, euh... Heureusement qu'il y a des cinq, quoi. Eh ouais, des mais C'est un peu ça le problème que j'ai eu avec cet épisode. Ça m'a rappelé le premier épisode de l'astronyme numéro 2 euh, qui ne ben, me donne pas envie de lire la suite. Et là, c'est un peu la même chose. quoi. C'est Franchement, on avait eu uh, the, Untold de de euh, the Untold Tales, je crois que ça s'appelait Of the Foot Clan, tout au début de la de l'Ongoing Tortue Ninja, qui était une très très bonne mini-série, qui, qui, qui est franchement indispensable, euh, là, c'est pas du tout le cas. Là, franchement, euh, The Untold Destiny, euh, je pense qu'on pourra totalement le zapper, euh, on manquera pas grand-chose. Effectivement, ça s'attelle ça surtout à nous montrer ce qui se passe avec des personnages assez secondaires euh, pendant cette partie de la série, donc après The Armageddon Game. Mais... Ouais, est-ce que Santoluco, euh, il aurait pas mieux valu l'avoir sur la, la, la série euh, principale plutôt que de lui donner ce projet euh, totalement anecdotique ouais, Franchement, euh, autant on a eu des très bonnes mini-séries hein, durant la, la longue euh, parution des, des Tortues là, depuis euh, 2012. Autant celle-ci, je ne pense pas qu'elle restera dans les mémoires, à moins qu'on ait une excellente surprise pour la suite, mais excellente surprise pour la suite que je n'irai sans doute pas voir, puisque de toute façon, je pense m'arrêter avec ce premier, numéro, euh, ce premier épisode, comme je pense m'arrêter sur The Last Ronin numéro 2. Euh, là, on enchaîne les, les mini-tortues euh, qui euh, bof bof, quoi. À l'aube du, du numéro 150, qui est pourtant un numéro important, le dernier de Sophie Campbell, et puis... Euh, le, la relance avec euh, Jason Aaron là par contre que j'attends avec impatience mais que j'attends un petit peu moins parce que quand on regarde des pages preview ça j'avais pas remarqué Jonath je sais pas si tu t'en étais rendu compte mais euh, on annonce euh, quatre premiers numéros avec euh, chaque numéro euh, sur une tortue bon moi oh, ça me dérange pas hein, c'est une nouvelle approche ouais. Pff, ouais. après euh, bon c'est quand même dommage hein, là, c est, c est cette série parce que bon le pitch de départ avec ce nouveau Foot Clan était intéressant il y avait des trucs à écrire et là pff, Bon, on a juste droit à un casse à la con. Euh, franchement, euh, c'est vraiment euh, c est, c est... ça va pas chercher bien loin quoi. Il y avait plus de recherches dans la, la création du clan dans Arm Armageddon Game. Hein. Ouais. Et par contre, ce qui est plus intéressant pour en revenir à, à Jason Aaron, c'est que là, il nous annonce que donc le premier numéro sera dessiné par Joel Jones, celui consacré à Raphaël. Le deuxième consacré à Michelangelo sera dessiné par Raphaël Albuquerque, euh, ou Albuquerque, je ne sais jamais comment l'on prononce. Euh, le troisième à Leonardo, donc en septembre, par Cliff Chiang. Et le quatrième sur Donatello en octobre, par Chris Burnham. Donc, quand même, le tout scénarisé à chaque fois par Jason Aaron. Donc, ouais, euh, en fait, les, si les tu équipes... veux, En soi, moi, je ne vois pas trop le problème de. C'est un peu à l'image de ce qu'on a eu sur le, sur le run de Fantastic Four, là, de, de Ryan North, euh, où on a. Euh... Ben les, les trois premiers épisodes qui étaient centrés sur chacun des membres, parce que l'équipe est éclatée, reste à voir ce qui va se passer au numéro 150. Si l'équipe est éclatée, tu peux très bien faire un numéro sur chacun pour voir ce qui s'est passé. On va peut-être faire un bond de six mois dans l'histoire et nous raconter un peu ce que chacun a vécu de son côté avant qu'il se retrouve. Permet de poser ton oui. run, ça te permet d'avoir le temps de prendre la voix euh... de chacun des persos. C'est pas une si mauvaise idée que ça en soi. Hein. Moi, ça me et puis ça permet je de recentrer moi, un toujours. peu le casting sur les tortues quoi ce qui n'est pas forcément toujours le ah cas ouais. avec le run de Stoffy Campbell ah ouais. moi je ne suis, suis, suis pas fan c'est tout de ce découpage mais bon après bah, tu enfin. sais si des gens essayent de se mettre aux tortues parce que Jason Aaron arrive dessus ça peut être je un pense bon que tu point peux commencer oui, oui non part, mais mais... ça peut être un très bon point d'entrée qu'on présente chacun des quatre personnages il y a peut-être des gens qui connaissent vraiment pas les tortues ninja pas plus que ce qu'ils connaissent de base dans la culture populaire. Et... Mmh. Ouais, ce qui était surtout intéressant là, c'était de nommer les, euh, les, les dessinateurs parce que effectivement là, par contre, on a, on a quand même du très très lourd. Quoi. À voir après euh, qui, euh, qui restera de manière régulière euh, sur le titre. Passer bah, le, le, le quatrième épisode. Mmh. Au final, donc, ouais, petite déception, j'ai l'impression pour vous deux, hein, bah, de Destiny ouais. et de Foot Clan Ouais, ouais. C'était ouais. L... L... quand même un petit peu, excusez-moi, je... juste la petite question supplémentaire, mais de ce que j'ai compris dans... dans votre review, mais je voudrais quand même une confirmation on est quand même vraiment en continuité, c'est pas une mini-série à part. Euh... Oui, on est dans la continuité. C'est ouais. okay. ouais. voilà, je... Je une storyline. Euh... En fait, c'est une storyline secondaire quoi, qui... Qui, se... qui se poursuit à travers cette mini-série. Okay. C'est comme un DLC voilà, pour parler de jeux vidéo, par exemple, pour faire la comparaison. Là, c'est vraiment un DLC, mais pas, c'est pas top quoi, pour l'instant. Bah, je vous laisse y aller pour vos notes. Petit check Ouais, pareil. Pas plus. Allez, on va continuer avec justement, j'en parlais juste avant, les Fantastic Four, le 18e épisode. Je vais commencer par prendre le, la réaction de Graf qui nous a laissé avant qu'il qu parte tout à l'heure parce que euh, se lève trop demain matin, et, donc il nous disait, euh, et il est un peu malade en plus, euh, il nous disait un petit mot sur FF qui aurait pu aussi être mon coup de cœur, je me lasse pas de ces séries et que chaque fois des idées fun Panini aurait tout intérêt à publier ça, parce que je plus sois entièrement, euh, et d'ailleurs nous préciser également, j'en profite en même temps, euh, que le, le Hellblazer dont, on, dont il parlait euh, tout à l'heure, je vais retrouver le titre exact parce que je ne l'ai plus en tête. C'est Aline America, je crois. Euh, ouais, ça va être in ça. C'est Aline America. Ouais, ça va être ça. Oui, oui c'est sûrement ça, je ne retrouve pas le titre là, mais oui, c'est sûrement ça, euh, coup de cœur, mais euh, si vous hésitez euh, en anglais, passez votre chemin, évidemment, c'est du supérieur, donc c'est bien costaud, voilà. Oui, mais c'est pour ça d'ailleurs que j'attends une parution française euh, qui arrivera, de toute façon, on le sait, chez Urban, euh, quand, quand la série sera terminée, certainement. Euh, donc ce Fantastic Four 18, c'est scénarisé toujours par Ryan North, évidemment, euh, sur, qui est sur le titre depuis le départ. On a Carlos Gomez au, dess, au dessin, oui. Et alors, l'ancrage ancrage, d'ailleurs, colorisé par Jesus, Jesus, Abortov. Avec... Euh, et ben. Un épisode qui s'ouvre avec une petit plan sur la Voie Lactée et on nous dit que il bah, y a une bonne grosse pluie d'astéroïdes qui arrive sur la Terre et que pas de bol bah, ils sont invisibles. Donc ça va être compliqué pour l'arrêter et pour se préparer. Donc euh, bah, qui est-ce que l'on va voir euh... Uh, si, je, je pense où est-ce que je vois uh, Kyle qui nous est très content du Redcon. C'était vraiment une idée de merde de slot, je crois, savoir de ce dont il parle. Effectivement, je, 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 je l'aborde là tout de suite. Eh bien, c'est Franklin. Franklin qui, on le savait, avait été euh, Deep-Powered dans le run de Dan Slot. Ah d'accord. Mais qui, en fait, n'est pas du tout Deep-Powered. Pas du tout. C'est juste que, euh, bah, en fait... Il se fait un espèce de, de blocage mental. Alors, il a toujours autant de pouvoir qu'avant, euh, si ce n'est euh, si plus d'ailleurs. Et euh, le mec, il l'a assis en tailleur et en volant, parce que c'est toujours beaucoup plus classe. Hein. Je vais vous partager la page sur Discord évidemment. C'est toujours plus classe d'être assis en tailleur et en même temps de voler. Euh, ouais, donc voilà, il confirme qu'elle, il parlait bien de ça. Ah, ouais, tu, tu l'as lu en plus. Euh, cool, mais t'as as raison, la, la série est vraiment bonne. et... Euh, elle mérite d'être lue et c'est vraiment compagnie et pas sortie tout de suite. Et euh, bah, ce Franklin qui, euh, voilà, qui, qui, qui dit bah ouais, J'ai un max de pouvoir, mais je sais très bien que si je m'en sers de trop maintenant, je vais me, me buter à petit feu en fait. Je vais, euh, je vais mourir plutôt que ce que je devrais. Donc en gros, on comprend qu'il passe euh, une fois par an. Alors c'est pas très clair, j'ai pas trouvé que ça très clair par contre, mais genre une nuit par an. Il, euh, ses pouvoirs se réveillent... Il se... Il prépare en fait... Il regarde un peu les crises à venir... ce qu'il peut voir... Il est tellement puissant... Euh, qu'il peut voir le passé, présent futur... Hein, euh, et envisager différents scénarios... Et voir s'il y a besoin qu'il... Euh, qu'il intervienne dans ces crises... Quitte à bouffer un peu ses pouvoirs... Mais... Euh, et une fois que ceci est fait... En fait il se fait un espèce de, de... De blocage mental... Jusqu'à l'année suivante... Donc c'est vrai qu'il se rendort... après. Et elle ne se rappelle plus de tout ça. Quand même balèze d'avoir des pouvoirs qui te permettent de faire ça. Et euh, on va découvrir cette pluie d'astéroïdes qui va débarquer sur Terre et qui a ravagé euh, bah, tout un coin de là où habitent les Fantastiques Forts, toute une partie de forêt, hein, un événement euh, assez proche pour ceux qui ont vu la série X-Files, évidemment, qui, qui l'a beaucoup mis en avant, assez proche de Tunguska. Euh, qui a ravagé mais totalement un coin de la forêt. Et euh, les 4 fantastiques qui arrivent. Alors déjà euh, ils arrivent de façon très classe. Les mecs ils arrivent sur des chevaux invisibles. Ah bah c'est ultra classe. Alors les flics ils comprennent pas trop comment ils arrivent en volant à moitié. Mais euh, c'est juste que nous, lecteurs, on le voit. Susan Storm avait, euh, <laughs> leur avait permis d'aller dans la forêt grâce à un cheval invisible. Ça sert à rien mais c'est putain de cool en fait. <laughs> c'est juste trop trop cool. Et on va les voir essayer de, bah, de comprendre que cette pluie météorite, ils vont arriver à la conclusion que c est, c est, ces météorites-là sont totalement invisibles et que bah, il y en a pas qu'une qui arrive mais il y en a plusieurs. Il va falloir essayer de se préparer, en fait. Alors, le seul, je vais le, proposer, je vais le dire tout de suite, le seul point véritablement dommage de, de cet épisode, parce que tout le reste est vraiment très cool, mais il y a quand même un point qui me fait un peu tiquer dans l'épisode, c'est que tous les astéroïdes vont s'écraser sur la ville où il y a les fantastiques. C'est quand même une coïncidence relativement intéressante. Puisqu'ils vont pas. Enfin, je veux dire, la Terre, elle tourne. Le premier, il arrive pendant la nuit. Et les suivants, ils arrivent la nuit d'après. Et pendant ce temps-là, ils s'écrasent pas sur Terre. Non, ils n'ont pas touché un autre point de la Terre. C'est vraiment le point que j'ai trouvé le plus con du scénar. Parce que le reste est hyper cool. Mais c'est que là, ça, ça tient pas debout. Et c'est d'autant plus rageant que Ryan Norse fait hyper gaffe à ce qu'il raconte, surtout scientifiquement. Parce qu'il va toujours essayer de chercher des, des concepts scientifiques dans tous les épisodes qu'il nous a mis depuis le départ. Et euh, il, il s'appuie vraiment euh, sur de la science. Et là, c'est con parce que ça, ça fonctionne pas, en fait. Si tu réfléchis deux secondes, comment les astéroïdes arrivent toujours au même endroit C'est complètement débile. C'est comme dans tous les films catastrophes. Hein, pourquoi ils arrivent toujours sur les grosses capitales hein Ouais, mais tu vois quand il y en a qu'un, tu peux dire c'est le hasard. Mais là, euh, t'en as un premier qui tombe pendant la nuit. Il n'y en a pas d'autres qui tombent pendant ce temps-là. Ça ravage pas la terre. Mais la nuit d'après, retombe et au même endroit. Parce que ça a fait le tour exactement à la même heure, au ah, euh, même endroit. C est, c est, tu vois, enfin je veux dire, c'est tiré par les cheveux en fait, si tu veux. Totalement. Non, mais ça n'a aucun aucun sens. Effectivement, s'il y a pas d'explication donnée dans le dans l'histoire à un moment donné. Euh... Non. Que ah Quelqu'un attire les astéroïdes à cet endroit précisément, bah oui, non, jamais. Et, euh, et justement, bah, ils vont essayer de euh, bah, d'empêcher cette arrivée d'astéroïdes. Déjà, le problème, c'est qu'ils peuvent pas les voir, donc pour les détecter, bah, c'est un vrai merdier. Donc, euh, et bah, déjà, Susan Storm va avoir un espèce de pas de hub de ses pouvoirs, juste une façon différente de les utiliser. Et Susan va utiliser deux putain de champ de force un premier solide pour le bloquer mais un second un peu plus au dessus relativement malléable qui lui permettra de sentir quand il sera brisé par l'astéroïde qui va tomber et donc essayer de mettre en, mettre en place des euh, bah, des moyens de le bloquer c'est à dire le, le truc va s'écraser et Johnny Storm va essayer d'absorber la chaleur pour la relâcher dans des séquences d'actions euh, qui sont extrêmement bien foutues, enfin visuellement ça, ça envoie le bois et euh, Réseau Saberto fait un super travail de colo. Et un Johnny Storm qui pousse ses pouvoirs euh, au max quoi. Mais si ça s'arrêtait là, parce que là je suis à la page 9. <laughs> ouais, ouais, il s'en passe un gros paquet. Le problème, c'est que c'est le premier météorite et ils ont déjà cramé toutes leurs forces. Donc ils savent qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et là, on va avoir une séquence avec un Reed Richards qui pousse son pouvoir au max et un Reed Richards qui va se faire transpercer par des météorites. Mais je veux dire, le mec va devenir un gruyère. Adieu Reed Richards. Ah, ça pose un petit problème. Je ne vais pas en dévoiler trop. Si ce n'est que Ryan North, au-delà de nous écrire du très bon FF, avec ce côté très familial des aventures... Euh, depuis le départ, moi je veux dire, la série, je la trouve vraiment très très bonne. Et on a tout un tas d'aventures avec vraiment ce côté science, tout ce qu'on aime, ce côté exploration, exploration, pardon, tout ce que l'on aime justement chez FF ce côté, ce côté genre, ce grand côté d'aventure-là. Euh, Ryan Ors prend vraiment le temps, et je l'avais déjà dit à pas mal de reprises dans d'autres anciens épisodes, il prend le temps d'écrire ses personnages et d'essayer de les faire évoluer un petit peu. Et là, il va nous combiner les pouvoirs des FF d'une façon qu'on n'avait encore jamais vue, à ma connaissance. Il pousse le concept des pouvoirs des FF au maximum, et même au-delà, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment hyper bien foutu. Il est en train de nous donner une espèce de seconde jeunesse au FF, et j'apprécie énormément ce qu'il fait sur le titre. C'est vraiment... Actuellement, un de mes titres préférés chez Marvel. Mais, mais de très loin, en fait. C'est toujours ultra juste, les personnages sont jamais cringe, les personnages sont toujours bien écrits, ils ne sont jamais out of character. Et euh, non, vraiment, il y a ce côté familial, il y a ce côté aventure, il y a ce côté SF. Et il y a un petit peu d'humour qui n'est jamais un humour trop lourd. C'est pas de l'humour pipi caca. Non, la série est très cool, elle est servie toujours par des dessins relativement acceptables, voire même bons. Ou très bon hum. et puis en plus il vous place euh, sur la toute fin potentiel euh, bon potentiel d'histoire avec un petit truc en plus certes c'est du déjà vu dans d'autres séries mais on s'en fout en fait là pour le cadre dff ça fonctionne c'est très intéressant donc bah ouais gros gros bail je trouve cette série toujours excellente et ça va être une fois de plus mon coup de cœur de la semaine vraiment la série sur laquelle je, je prends mon pied à chaque fois. Vraiment, je vous encourage à découvrir cette série. Il y avait um, KL qui nous disait là sur, euh, sur Discord, Panini annonce depuis des mois euh, en off une sortie en deluxe. Mais rien de prévu avant septembre en tout cas. Ça va en faire des épisodes en retard. Mais oui, parce que là on est au 18 quand même. Et s'il n'y a rien qui sort avant septembre, on sera au numéro 20, 24, peut-être, s'il y a des doubles shipping Euh, ça commence à être chiant. Alors, certes, la série est un petit peu déconnectée du reste de l'univers Marvel pour le moment. Bien pour le moment, parce qu'on n'est pas à l'abri que euh, la série ait quand même des liens avec l'univers Marvel euh, dans, dans les, les prochaines semaines, les prochains mois. C'est franchement con, parce que vraiment, la série est hyper bien. Je déconne pas, elle est hyper bien. Et je vous encourage vraiment à y aller. Hein, si, vous, euh, si vous voulez lire du bon FF. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir lu depuis des années Allez-y, Ryan North maîtrise ses personnages, mais sur le bout des doigts, il les connaît par cœur. Ça se sent, et on sent qu'il est à l'aise et que ça lui fait plaisir de les écrire. En vraiment, si, si vous avez envie une envie de FF, allez-y, c'est euh, un des meilleurs runs euh, qu'on a eu depuis très longtemps. Voilà, gros bail, gros coup de cœur pour ma part. Bunny, je te repasse la parole pour un nouveau titre indé sorti chez Dark Horse, ça s'appelle Dawn Runner, un qui était sur ma liste mais que j'ai pas eu le temps de lire, justement. Le chef dœuvre tant attendu de chez iComics, puisque euh, ça fait très longtemps que qu'on qu 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 nous communique, en fait, la venue de ce titre dans le catalogue d'iComics, euh, voilà, euh, de Ramvi et Ivan euh... ah Kagan. Et Evan Kagel euh, au Et dessin... De Dave Stewart. Avec une colorisation voilà, de Dave Stewart. Euh, exactement. Je n'étais pas sûr de qui, qui avait fait quoi. Mais c'est effectivement Evan Kagel euh, au dessin euh, que je ne connaissais pas. Euh, alors graphiquement, on va déjà partir là-dessus. C'est très bien. Graphiquement, effectivement, il euh, y, y a de très, 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 très bonnes choses. Euh, très détaillées. Il euh, y a certaines planches qui sont euh, splendides. Mais euh, ce qui m'intéressait surtout, c'était le scénario, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que j'allais avoir euh, la révélation Est-ce que ça allait être le, le coup de cœur de la semaine, euh, etc. <laughs> euh, bah, nous... nous fait son, son Pacific Rim. Voilà. C'est exactement la même histoire que Pacific Rim, en tout cas pour l'instant. Euh, sauf que bon, bah, le lieu n'est pas le même. Hein. Il s'est passé alors quelque chose euh, sur Terre. Euh, à l'endroit du. Ben, au Guatemala, quoi, en fait. Euh, quelque chose est apparu, euh, sans doute quelque chose d'extraterrestre. Euh, et euh, du coup, il y a toute une zone qui s'est euh, retrouvée détruite et euh, parasitée par une espèce de. on ne sais pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, c'est arrivé il y a plus de 90 ans. Euh, sur Terre, et du coup, euh, les terriens ont construit euh, une énorme forteresse, un énorme mur autour en fait, de cette zone pour justement essayer de la contenir, de l'emprisonner dans, dans un certain espace. Et euh, ils ont créé, en fait, il y a toute une armée mondiale qui s'est alliée pour créer euh, bah, des armes euh, pour, pour vaincre cette espèce de, de menace extraterrestre. Et euh, à terme, ils ont créé. Euh, des espèces d'énormes robots puisque euh, en fait les monstres auxquels ils sont euh, opposés euh, ressemblent à des, des énormes kaijus, hein, c'est vraiment des, des créatures du même type et donc euh, on, a, euh, on est totalement dans cette, dans cette idée quoi en fait euh, voilà faut pas, euh, pas chercher de midi à 14h, c'est un petit peu euh, son Pacific crime. bon euh, du coup le scénario m'a pas euh, m'a pas bluffé quoi je m'attendais à, à un truc euh... alors il y a quelque chose à la fin, il y a un petit twist à la fin. On se dit, tiens, c'est intriguant, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà, puisqu'on suit un personnage durant tout le durant, le, durant tout le comment dire le, le, premier, le, premier, le premier épisode, en tout cas durant une bonne partie qui s'appelle Anita, euh, on sent que c'est la, la big boss en ce qui concerne les, euh, le, le, le pilotage de ces de ces robots. Euh, elle a déjà détruit un certain nombre de, de monstres. Et euh, bah là en fait euh, ah oui, ce qu'il faut expliquer c'est que dans ce monde, il y a de moins en moins d'activités, de moins en moins de loisirs vu que euh, tout le monde est occupé à essayer de, de régler euh, le problème de cette, euh, de cette invasion. Et euh, ça fait 90 ans que ça dure. Donc du coup euh, en fait le, les combats entre les robots et les monstres sont euh, diffusés dans le monde entier et c'est devenu un petit peu un, un divertissement euh, euh, mondial quoi en fait. Euh, donc c'est euh, un truc qui a, euh, qui fait qui a énormément de succès et euh, c'est un petit peu les, les grandes stars de cette euh, de cette, euh, de cette époque quoi en fait euh, tous les tous les combattants en armure euh, sont un petit peu les euh, bah, les nouvelles stars ouais euh, c'est c'est Taylor Swift c'est Anita dans son armure voilà qui est euh, qui est un petit peu là une star mondiale et euh, à la fin, il va y avoir un certain twist autour de, de, de ce personnage. Euh, il va se passer un, un événement et euh, on ne va pas trop d'ailleurs comprendre de quoi il s'agit. Euh, on a quelques indices. Alors, ça pourrait être intéressant, mais moi, honnêtement, il aurait fallu m'en donner un peu plus au niveau du scénario sur ce premier épisode pour que je sois vraiment happé. C'est-à-dire que là, je n'ai pas eu la, la surprise que j'ai eue sur un euh, « If you find this, I'm, I'm all ready dead ». Je n'ai pas eu le... Voilà, j'ai pas eu le, 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 le petit coup de cœur, le petit truc qui fait que euh, que voilà, je vais je vais je vais être comme un fou sur cette série. Euh, reste que graphiquement, oui. Alors graphiquement, il y a certaines planches splendides. Euh, ok, mais le scénario pour moi reste un petit peu un petit peu basique. Quoi. Enfin, voilà, c'est pas c'est pas un truc euh... ouais, c'est pas un truc que j'ai forcément envie de de, de de suivre tous les mois euh, comme un dingue quoi. Voilà, ça m'a pas suffisamment euh, interpellé pour ça. Ouais, presque une petite déception en fait. Ah oui, oui, clairement, oui, presque une petite déception parce que bon, après, euh, je, me, je, me, je, me, je comment dire, j'ai euh, des attentes assez, assez minces quand on me parle d'un truc extraordinaire à sortir. Hein. Je suis assez, euh, assez circonspect en général. Euh, J'attends de voir. Mais euh, là, euh, clairement, euh, vu les pages que, qui, 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 des, 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 enfin, vu les premières pages quoi, en fait, qui, qui m'étaient données, je me suis dit bon il y a moyen que ce soit vraiment très très bon. Et finalement bah voilà, je trouve ça assez, assez générique, assez classique pour le moment. C'est pas le petit twist qui va faire que euh, j'ai particulièrement envie de d'aller lire la suite. Ouais, voilà euh, bon, sympathique, mais mais ce sera pas la grosse claque. Euh, la grosse claque promise en tout cas. Pas forcément attendue, mais promise par euh, certaines personnes qui ont encore peut-être un peu survendu le truc quoi. Après, il faudra peut-être voir les prochains numéros, mais euh, bon. Hmm. Bah, si j'y vais quoi, mais en fait ça dépendra de, des sorties de la semaine, comme d'habitude. Ce sera pas en tout cas une priorité quoi, cette série. ok euh, Des réactions, non, personne? Non, pas, personne n'a lu ce titre de ce que je vois, en tout cas je vois pas de, de réaction par rapport à, ouais. à ce titre là. OK, bah euh, pour moi ce sera euh, un ticket, voilà, un OK. Surtout pour le graphisme. Voilà, pour le pour les pour les planches, pour le dessin, euh, voilà. Euh, et ben on arrive à l'avant-dernier titre pour ce soir. Jonath tu vas nous parler et eh bien chez DC du Batman Superman Worlds Finest qui arrive à son 25e épisode. Oui. Le cadeau. Euh, toujours. <laughs> le cadeau l'épisode. Oui, ah t'as dû as dû adorer. C'était spécialement pour toi, Jonathan, Ah euh, c'est un numéro double. Oh, ouais. <laughs> je crois qu'il était écrit pour moi. Tu, tu euh, veux donc, que je le face et tu veux faire le suivant, c'est comme tu veux. On peut inverser. Hein, je m'en fous. Non non, non c'est bon c'est bon. T'inquiète. Euh, toujours scénarisé par Marc wide euh, avec des Marc de donc. Ouais, ouais. <rire> <rire> avec des dessins de Steve Pugh Là, pour Il aurait part... mieux valu que ce soit Mark Wade hein, sur cet épisode <laughs> hein, en <particulièrement. rire> Pour la partie Joker, Luther, Wars, Villeste, euh, Adriano Locas c'est la colorisation. Et pour euh, le prologue d'Impossible, c'est Mark Wade au scénario, Dan Mora au dessin et Tamra Bonvillain à la colorisation. Voilà. Euh, donc la première partie, enfin hein, l'épisode principal, c'est donc euh, bah, grosso modo euh, la jeunesse de la rencontre entre... Euh, entre euh, Luthor et, euh, et le Joker, ah, puisque bah euh... hein. je sais pas si c'est la vraie première rencontre. Bah écoute, euh, je sais pas, hein, ça, ça a l'air quand même, hein, ça y ressemble. Hein. En tout cas, euh... ouais ouais. C'est-à-dire qu'ils ont pas l'air, ils ont pas l'air de se connaître. Ouais. Je sais ouais, pas ils bien, se hein, connaissent mais... plus de réputation que que ouais. ouais, ouais. Voilà. ouais. Donc en gros, bon, bah, le coup classique, hein, Batman donc euh, bon va capturer euh, le Joker. Alors il est aidé de, il est aidé de Superman euh, cette fois-ci. Et puis bah, les deux emmènent euh, le Joker euh, à l'Asie Darkham, où c'est bien connu. Hein, les, euh, les gens qui sont emprisonnés à l'Asie Darkham n'en sortent plus. Euh, et euh, donc le Joker est accueilli par. Sortent euh, plus bah, euh, pendant une semaine, quoi. C'est ça, exactement. Euh, ils ont juste une temps semaine, de, de leur peine trois jours s'ils euh, si il s'échappent. Ils prennent s'ils sont s'ils euh, ont de la chance. Ils se remettent bien. Et donc là, en l'occurrence, euh, eh bien... Euh... Non mais alors moi, ce qui m'avait perturbé, je, je t'arrête juste sur ce moment-là parce que tu viens d'en parler, mais moi, ça m'a vraiment perturbé de voir euh, Luthor avec un masque pourri, je le dis parce que c'est sur la deuxième page, euh, un masque pourri arriver à tromper à la fois Batman et Superman quand même. Il, dit, il leur dit carrément, ouais ouais c'est bon, laissez-moi le Joker, je prends le relais, il y a aucun problème. Écoute, c'est comme mission impossible, hein, faut pas. T as, t as, t as le plus grand détective du monde est à euh, Superman qui normalement voit à travers les costumes, etc. Quoi, et qui connaît bien Luthor. Oui, enfin, sauf qu'il faut qu'il décide de regarder euh, à travers. ouais d'accord. Mais là, euh, là, là, franchement, moi euh, ouais, cette scène, ça m'a fait, euh, ça m'a fait tiquer quand même. Je me suis dit, putain, mais attends, mais c'est, c'est tout quoi. Avec un masque en latex, il arrive à les tromper. Ouais, ah, mais ouais. ils étaient plus jeunes, ils étaient moins expérimentés les deux là. Ouais, il y a le côté, de toute façon, il y a le côté, <laughs> façon, y a, y a le côté euh, comment dire, euh, volontairement euh, années 60, quoi, dans cet épisode, on va dire. Ouais. Enfin, on, on sent que il euh, y a un petit peu la vibe euh, euh, DC comics euh, ouais, des années 50-60, où, euh, bon, euh, les personnages se laissaient avoir beaucoup plus facilement, on va dire. Toujours est-il donc que l'ex-sutor était sous le masque, récupère le Joker et le ramène à Métropolis dans sa base, dans sa Alexcorp, hein, carrément. Et euh, du coup, bah, lui, dit, euh, euh, bah, lui dit finalement, bon ben bah, voilà. Hein, euh, 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 voilà pourquoi j'ai besoin de toi en gros bah il a tort a récupéré euh, une espèce de je sais pas comment on peut qualifier une espèce de tablette enfin de manuscrit voilà un manuscrit euh, donc euh, vieux de euh, euh, 100, euh, vieux de mille ans grosso modo euh, ou 100 ans je sais plus je m'en branle euh, et du coup 100 000 euh, ans, pff, oui 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 euh, et en gros, bah, le principe, c'est que comme euh, c'est euh, indéchiffrable pour euh, quelqu'un de, bah, de sain, quelqu'un qui est euh, qui est intelligent sans qu'il finisse par tomber euh, dans, euh, dans la folie, bah, Luthor a rien trouvé de mieux que d'aller chercher la folie incarnée en se disant que lui, de toute façon, ça va le faire. Euh, foutu il va pour foutu. Déchirer, voilà. Donc, euh, ok. Euh, il, il, il fait quand même gaffe. Hein, donc, il lui met un collier euh, façon sur euh, cette squad. Donc, euh, bah, en gros, euh, le joker, euh, s'il si déconne, bah, l'ex euh, bah, le fait exploser. Voilà. Euh, derrière, on a une vision du caleçon du joker, voilà, des, des plus saillants. Euh, on a, euh, a Luthor qui revêt, revêtit son armure, euh, bah, justement, j'ai envie de dire, du Luthor des années euh, 70, un peu. Je le dirais comme ça. Euh, voilà. Et les deux euh, donc partent. Euh, bon ben, en vadrouille euh, sur la trace, ces traces de, enfin de, fin, là où mène ce manuscrit. Et euh, ça va les amener vers une aventure un peu déjantée. Voilà. Euh, dans les égouts. Et puis euh, ils vont trouver, euh, ils vont finir par, euh, ils vont finir par visiter plusieurs mondes de façon un peu Shazam. Euh, et euh, puis finalement, bah, ils vont trouver un artefact, et puis voilà. Puis en fait, on s'en fout, quoi. Euh, voilà, et il euh, et y a la finalité. Euh... Pff, ouais, bon. Anecdotique, en fait. Ça aurait pu faire un, un, un petit backup euh, ah, oui, de World's Finest euh, plutôt que d'être l'histoire principale. Et, euh, pour moi, c'est vraiment. Li... Alors, je ne les ai pas tous lus. Euh, je sais que vous avez lu tous les épisodes, moi pas, mais euh, en tout cas, de ce que j'ai lu de World's Finest sur les 25, euh, c'est euh, pour l'instant le. Le moins, euh, le moins bon épisode. Quoi. Enfin, franchement, le incroyable. plus faible, tu peux le dire. Le plus faible, ouais. ouais. Je ne même faible. pas parce qu'il y en a eu, euh, eu quelques-uns avant l'arc. Euh, alors qu'en qu plus, je, je pensais vraiment que pour le 25ème, il allait envoyer du lourd. D'ailleurs, la couverture me donnait envie. Je me disais, il va se passer un truc. Et en fait, non, ce que dalle. Quoi. Il se passe strictement rien. Vous pouvez zapper cet voilà, épisode. voilà Pour la partie principale, oui. Pour le backup, on va en parler. Tu, ouais. tu, tu, fais, tu fais ta de ta, coach. Ta, ta ouais, sur le ouais, voilà. ouais, ouais, bah pff, ouais, comme vous l'avez dit, hein, franchement, euh, rien de bien passionnant la rencontre euh, Joker, euh, Lex, euh, où on a un, un Lex qui est euh, le mec euh, saint d'esprit, scientifique, machin, et euh, le Joker qui est l'avatar de, de la folie, du chaos, et... Euh, oui, bon, deux, trois tirades intéressantes entre les personnages, mais bon, rien qu'on n'ait pas déjà vu, et... Euh, oh, la petite référence à Shazam. Ouais, bon, ok, on nous, on nous place des petits trucs à bras Jonah X. Ouais, c'est sympathique. C'est sympa, encore une fois, on sait très bien que Mark Wade connaît parfaitement son univers d'essai. C'est très cool de les voir. Mais sur un épisode de, comme ça, de, de, de 25-26 pages, bah on s'emmerde un peu, quoi. On s'emmerde, aurait... surtout que, bah, pff, il, la aura... fin, pff, voilà. il aurait été plus inspiré de produire la fin de l'arc avec Kingdom Come, etc., dans ce numéro 25 plutôt que de nous pondre un épisode comme ça quoi bah, c'est toujours ouais enfin c'est toujours son principe hein. un arc un épisode filler un arc un épisode filler ça a toujours été ça le, le principe de base oui ça aurait peut-être été bien d'étirer Kingdom Come sur Return to the Kingdom ah, ouais, ça, enfin voilà, histoire, histoire de pas avoir un numéro 25 filler parce que justement c'est le, le principe d'un numéro 25 d'ailleurs c'est même dit sur la couverture c'est le 25 e donc tu t'attends à un truc et finalement euh, hormis effectivement le, le backup qui place quelques trucs bah c'est hein, ouais. bah, cher le backup hein. enfin, ça finalité... fait, oui ça fait cher le backup la, la finalité je vous la spoil c'est que même Lex Luthor quand il voit comment Joker pourrait euh, s'il en avait les pouvoirs diriger le monde et rendre le monde à son image même lui il est choqué voilà. Je vous ai spoilé là. Choqué déçu. Que... Il est choqué déçu. Il en peut plus, il comprend pas. Il se dit non, mais c'est pas possible. Un être aussi barjo, ça devrait pas exister. C'est-à-dire qu'il arrive même mais à trouver presque un... Superman sympathique à côté du Joker. Ouais. Mais pour autant, il veut pas. Il veut toujours abattre Superman, mais pas le Joker. Malgré tout. <laughs> bon, ben ouais. Après, il y a le backup. Et, oh, pardon, Et on a encore une fois, on a encore une fois aussi le Joker qui arrive à être plus intelligent que Luthor. Plus, plus machiavélique puisqu'il euh, il arrive à la faire à l'envers à Luthor ça m'a oui, enfin, un que... peu dérangé mais d'un autre côté je me dis bon là on a un Lex Luthor tellement sûr de lui ouais. que justement il en devient aveugle m moi ça ça m'a pas dérangé parce que ce côté avatar du chaos dans le sens chaos l'imprévisibilité mmh. des choses ouais. il est bien écrit de ce côté là le mec est totalement imprévisible et même Luthor qui essaye de de faire des plans dans tous les sens, le mec a tout organisé et a 8 a coups d'avance sur une partie d'échecs, t'as beau avoir 8 coups d'avance, tu peux pas prévoir l'imprévisible justement. Ah, le ah. Joker, c'est son côté chaotique. Je m'attendais franchement de la part de Mark Wade à ce qu'il essaye de nous lier avec ce qui est fait dans le reste de l'univers d'essai, le côté les 3 Jokers machin. Et en fait, jamais, jamais il y a la mention de ça. Je m'attendais à ce qu'il joue là-dessus, peut-être sur les différentes voix du Joker quand le mec commence à faire une espèce de longue tirade et tout. Jamais en fait il y a ça. Je crois que c'est trop touchy encore pour que. Ouais, mais, enfin je me dis, ça aurait été l'occasion d'être accord avec le reste de l'univers, tu vois. Qu'on aime oui, ou qu'on tout. pas. surtout, venant, venant de Mark Wade, ça. ça aurait même pas été étonnant, tu vois, qu'il arrive à le placer là. M même si c'est un truc plus, que ouais. j'apprécie pas forcément, je me, suis dit, je me serais dit, bon, tu vois, il y a une tentative au moins d'essayer d'avoir un, un tout cohérent. Bon, bah là, c'est pas le cas, Un petit acte manqué, je trouve. Mais... Bah oui, de toute façon, totalement anecdotique. Donc, euh, ouais, le backup, du coup. Et là, c'est le retour pour Jonathan de Dan Mora. Oui, bah oui, le retour d'Anne Mora parce qu'il fallait quand même sauver l'épisode vu que Mark Wade l'avait bien fait descendre euh, -well, même. dans bon, les tréfonds euh, à... du comics. Euh, de Après <laughs> Steve Pugh, franchement, ça va. Hein. Pas... Enfin, ah ben heureusement oui parce que bon le scénariste euh, voilà euh, pareil qu'il connaît l'univers d'ici et que certains veulent, le veulent en éditeur en chef donc voilà euh... et ben tu maintiens mais Mark Wade White... bof euh, la Batcave donc qu'est-ce qui se passe dans la Batcave enfin surtout qu'est-ce qui se passe avant euh, dans la forteresse de solitude ben on a Superman qui euh... Euh, ben voilà va s'occuper un peu de ces ses animaux alors il a son petit chien Steve voilà alors un chien par contre qui est une version géante de Pikachu donc c'est un petit peu plus électrique quand même comme rapport euh, voilà il y a un lombrique géant aussi euh, c'est oui, pas des plus c'est tous les animaux de la forteresse de la solitude enfin je veux dire remarque quoi il a été recherché ce truc là quoi. bon très bien très, très, bien. Ouais, très bien sauf que, sauf que ben, le pauvre Superman il est aspiré à... On ne sait pas où. Et puis on arrive sur la Bad Alors la Bad où euh, on a Bruce euh, qui euh, visiblement euh, est en train d'enquêter sur Scarecrow euh, avec euh, pendant ce temps euh, Robin qui s'entraîne face à Face Safe. Euh, voilà. On a de Face Safe. Et puis euh, ben, on, a, euh, on, a, on voit que Batman est en train de travailler alors sur... Euh, euh, bah, on voit plutôt que oui, la tablette, l'écran, pardon, euh, bah, change change de bah, change de, de design et qu'il y a des symboles qui, euh, qui arrivent sur l'écran. Euh, voilà. Est-ce que, est qu faut... est que tu t'es pas dit, tiens, il nous le lit avec l'histoire principale Oui, et après, effectivement, et après, surtout, je me suis dit, mince, ça me fait aussi penser aux symboles qu'on avait dans Smallville, dans la caverne. Ah, ah oui voilà, bah t'es allé chercher loin là. ouais il y, ah. y a un peu de ça quoi. Bah, écoute euh, c'est Mark White, hein, il va chercher les références un peu partout hein, tu sais tu sais jamais hein. donc, euh, donc voilà et en fait ce qui se passe surtout c'est que bah, en fait, d'un coup on... <laughs> c'est aucun c'est ni l'un ni l'autre et la déception est grande ouais quand même je pense qu'il y, y a une raison il nous a pas montré ça pour rien euh, donc euh, voilà on a le tyrannosaure, euh, tyrannosaure qui, euh, qui s'anime d'un coup alors apparemment il est mécanique euh, moi je pensais que c'était juste une enfin euh, je, je pensais juste que Non un... mais on l'avait déjà ça, vu ouais. s'animer et justement je trouve que c'est un truc qu'on voit qu on voit un peu trop d'ailleurs en ce moment ce, ce tyrannosaure qui s'anime. Voilà. Sauf qu'entre-temps bah, il va tomber sur, euh, bah, sur euh, bah, un adversaire euh, de taille euh, puisque c'est Abraham Lincoln. Voilà, tout droit sorti de la pièce de double, double face un Abraham Lincoln géant, et puis bah, on a euh, Superman, et puis d'un coup on a un portail qui s'ouvre, et Superman et toute sa ménagerie qui se ramène. Donc c'est le bordel dans la Batcave. Il y a Kurt Angle et, et Braun Strowman aussi. <laughs> <laughs> c'est la référence euh, sortie de l'enfer. Euh, voilà, se, Seuls les fans de Catch pourront la comprendre, et encore, il et encore, faut se rappeler d'un certain pay-per-view. Ben oui, oui, oui. C'est me... l'ambulance là, l'ambulance avec ah, euh... l'ouverture de l'ambulance par Cartingale. <laughs> <laughs> Avec Braun Strowman euh, euh, qui est le... mort dedans et puis euh, tu disais le parce saut... que tu avais fait une... en fait tu avais fait une van faut expliquer où tu disais qu'il y a toute une mes... une ménagerie pardon qui, qui sortirait de l'ambulance euh... euh... <laughs> avec les éléphants et tout <laughs> qui disait je préférais l'oublier <laughs> effectivement <rire> euh, le envie. meilleur pay-per-view de la de la décennie là. le saut de Roman Reigns comme un con dans l'ambulance <laughs> non mais attends c'était le Attends, je sais plus. Clair. Oui, oui. Je... Attends, ah. c'est qui qui finit dans l'ambulance bah, C'est Braun Strowman mais... qui est dans l'ambulance. Non, c'est Roman, Roman Reigns qui saute dans l'ambulance quand il veut faire respirer et saute dans l'ambulance. Alors comment... Et, comment, comment Après, euh, après tu as, t as, Braun, Strowman... après, as Braun oui. qui, qui retourne l'ambulance, il est fort. Ah, mais c'est pas le même truc là. Moi, je me rappelle d'un truc où Bron est enfermé dans, un, dans une ambulance et Roman Reigns lui fonce dessus avec un camion ou je sais pas quoi. Et, je et crois le que mec... C'est pas un, pas un, un, un show d'euro plutôt Non, c'est dans un pay-per-view ça. C'est dans un pay-per-view, puis justement, il y a un match qui est en cours et tu, tu ne vois pas le match. T'as Kurt Angle qui est là, qui essaye d'ouvrir euh, l'ambulance avec un pied de biche et puis il y a, y a des pompiers, ouais. etc. Enfin, c'est ridicule. Je crois que c'était oui. dans Great dans, dans Balls of Fire en plus, le seul pay-per-view ah de ce nom-là. <laughs> le seul et unique de, de ce nom-là. Voilà. Et. Euh, et euh... Avec les gens qui n'utilisaient qui, qui pas la clé pour euh, pousser l'ambulance de place. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non mais ouais, ça, ça dure ça dure trois heures et euh, c'était avant un main event entre Joe et, et Brock Lesnar, qui était pourtant euh, voilà. très attendu. Putain, je vais aller me revoir ça. <laughs> euh, donc, euh, toujours, euh, bah voilà, écoutez, j'ai fini, euh, vous pouvez y aller. Hein. C'est le prologue en tout cas du prochain arc. Hein. Oui, c'est voilà. le prologue du prochain arc qui est basé sur des choses que l'on a déjà vues dans l'arc précédent voilà cest dire qu'on avait des petites séquences qui nous montraient je ne vais pas dire quoi pour pas spoiler on avait des petites séquences qui étaient un petit peu à part dans les numéros précédents et justement ça nous emmène vers vers cet arc-là c'est cool en fait le backup est vraiment sympa j'ai détesté mais je déteste ce qui ce qui voilà, ce qu'on voit dans ce backup. Toi, t'as ton Zurnar, moi j'ai ça. Je, je ne peux pas, je suis allergique. Ah bah c'est pas des personnages que j'apprécie. En fait, ce que ah, j'apprécie, c'est la continuation je... de cette histoire. Mais euh, well, ouais. Okay. Parce qu'on avait eu quand même une bonne grosse séquence bien choc à la fin de l'épisode précédent. Donc justement, j'ai envie de voir où ça va. Bah Moi, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le backup. Hein. Ouais on va passer aux notes de la globalité du truc et euh, très franchement euh, bah, désolé hein, moi je vais, je vais mettre un pass. Hein. Enfin. Moi je vais être sur un tout petit check it Vraiment tout petit. Ouais, un, un petit check-it pour le. Euh, presque check-it quand même pour le pour le backup. Mais oui, les stores principales est bon, et et, et évitable, très clairement. Et puis ça nous emmène vers le dernier épisode pour ce soir, le Invincible Iron Man numéro 16. Donc toujours dans cette, dans cette ambiance Fall of X avec ce, ce Iron Man qui débarquait avec une armure gigantesque à la fin du dernier épisode. Euh, un, la plus grosse armure qu'il ait, euh, qu ait jamais construite avec ce mystérium qu'il a été cherché dans les épisodes précédents. Euh, forgé donc euh, dans une espèce de gigantesque armure par Harry Williams et forge justement oh et euh, bah, cette armure euh, cette armure gigantesque est beaucoup plus grande que les autres sentinelles. Donc du Dugan au scénario, Chris Lee euh, est au dessin, ancré par Walden Wong et euh, colorisé par Brian Valenza. Déjà le gimmick de l'épisode parce que c'est important, cet épisode est un épisode intégralement en splash page. Tout l'épisode est, est fait en splash page. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de texte à lire, parce qu'il y a pas mal de narration euh, tout au long de l'épisode, mais c'est l'intégralité de l'épisode qui est en splash page et qui va nous donner des séquences d'action bah, ultra impactantes en fait. Je veux dire, tout l'épisode, c'est de la pure destruction, c'est une armure gigantesque qui, euh, bah, qui éclate d'autres euh, sentinelles, avec un Feylong qui est arrivé parce que bah, il s'est fait baiser hein, par, par Tony Stark. Donc euh, il arrive pour en découdre avec Tony Stark. Mais on s'est dit, avec sa méga armure, il a enfin trouvé le point faible de Feilong. Et est-ce que Tony va vraiment pouvoir s'en sortir face à ce Feilong qui, malgré tout ce que Tony peut faire, donne l'impression d'avoir toujours trois coups d'avance sur lui Est-ce que cette fameuse marque 72, le, le numéro de cette armure, va être suffisante pour arriver à bout de Feilong et de ses... Euh, ces centaines de robots sentinelles qui ont traqué les mutants, qu'on a pu le voir toutes ces périodes depuis, bah, le, depuis le dernier Hellfire Gala, donc depuis le mois de juin, ça dure toute cette histoire. Jonathan, ton avis sur ce 16ème bah Écoute, ça reste un bon épisode, mais c'est franchement pas le meilleur, parce que c'est quand même de la grosse baston pendant, pendant tout l'épisode donc euh, voilà, il n'y a pas, de, pas de vraiment de ce plot euh, euh, comment dire traité, on ne voit pas Emma euh, c'est vraiment du Tony à 100% et euh, ça manque quand même de ce supporting cast alors ça reste, ça reste sympathique à lire hein, et puis de toute façon euh, encore une fois, euh, on est quand même aussi à un moment de, du run où euh, bah, il fallait bien que Tony et Feilong se mettent sur la gueule mais euh, voilà, ça manque un petit peu de euh, d'autres persos autour, ça reste sympathique, mais euh, bon, c'est pas le c'est pas le meilleur le meilleur épisode. Pour moi, ce serait plus voilà un check de plus, quelque chose comme ça. Ah ouais, je, je suis un peu plus enthousiaste que toi, moi du coup, parce que déjà visuellement, j'ai beaucoup aimé et puis comme tu l'as dit, fallait il fallait qu'ils se mette sur la gueule à un moment. Bah, on est sur un Feilong qui est l'ennemi de Tony Stark, l'ennemi juré depuis le premier épisode de ce run. On en est au 16 seizième. Euh, ouais, il fallait que le, le combat se centre qu'entre eux deux. Il fallait pas qu'Emma intervienne. C'est vraiment euh, autant une bataille à la fois de, de scientifiques, on va dire, de mecs qui vont construire ces armures, ce côté ingénieur plutôt que scientifique d'ailleurs. Euh, vraiment une bataille d'ingénierie et en même temps une bataille euh, sur fond de bah ⁇ tu m'as piqué ma boîte et euh, j'ai quand même envie de te faire la peau à l'enculé ⁇ et de. Euh, bah en plus, t'as buté tout euh, un tas de mutants. Enfin, ma femme est mutante et j'ai quand même envie de te de défoncer deux fois plus. Quoi. Donc, qu'il n'y ait personne d'autre qui intervienne lors de ce numéro, moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai préféré, puisque on recentre un peu le propos sur les deux qui s'affrontent depuis le départ de la série. Et euh, bah ce gimmick, des, 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 que des splashs uniques, ça m'a un peu dérouté au début. Et en fait, je trouve que ça va bien avec le numéro, ce côté très. Euh, Très gros shot, en fait, c'est vraiment un épisode, c'est que des money shots. Chaque, euh, franchement, quasiment chaque page pourrait être une cover. Et il y, y a quand même des pages où le mec s'est vraiment fait plaisir. Euh, le, 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 le dessinateur, la Crisley, j'aime beaucoup ce qu'il fait, en fait. Je, je, trouve ça, je trouve ça très cool. Pour les armures, euh, ça rend vraiment bien. Le mec a pu se faire plaisir en, en dessinant euh, <laughs> des dizaines et des dizaines. Quoi. Il a dû en chier pour cet épisode. Quoi. Voilà, donc moi je vais être sur un petit bail. Tu vois, je vais, je vais vraiment, vraiment apprécier l'épisode. Donc toi, tu l'as dit, check it plus seulement, c'est ça. Hein. Ah, bien, ouais, c'est ça. Ben voilà, qui conclut euh, ce 679e numéro de Comics Weekly. On va faire eh le. Non. Pardon Excuse-moi Eh bien non, j'ai lu un autre ah truc. Ah, bah ben j'ai pas Pendant la pendant le ouais bah non bah du coup ouais bah je m'en doute puisque de toute façon euh, je vais essayer d'aller mettre ça peu... euh, je vais essayer d'aller mettre ça en même temps vas-y je t'en prie vas-y je, je vais dis que, pouvait... que c'est par contre ouais <laughs> mais on je... pouvait pas terminer cette émission sans que je parle de zioli Roller numéro 5 Oh là là wallah voilà. le Donc je je vais pas la chercher j'ai la flemme <laughs> Voilà voilà exactement ouais, mais, mais Une boule de bowling ça suffira hein. voilà Rick Remender, Andy Samberg et Joe Troman euh, à l'histoire et euh, toujours euh, Roland Boschy au, au dessin avec une colorisation de Moreno ah, chier, ouais. et euh, euh, bah c'est toujours fun voilà c'est toujours fun alors là on est euh, euh, du, le, le héros Lévi euh, c'est enfin euh, a, a, a vu sa maison euh, la maison de son père euh, totalement euh, totalement cramée euh, etc toute la ville est contre lui Enfin, euh, toute la ville, toute une partie de la ville est contre lui, euh, puisque euh, c'était l'histoire de ce, de ce personnage qui revenait dans, son, dans sa ville d'enfance qu'il avait quittée il y a bien longtemps, et euh, chez, son vœu, chez, chez son vieux père Bougon, euh, qui pense que son fils est un bon à rien, en gros. Hein. Et, et en fait, dans le premier épisode, il retrouvait euh, des, des anciennes connaissances. Euh, ça se déroulait, enfin, ça se, ça se passait très très mal. Ça se barrait totalement en sucette et euh, il butait par, euh, par inadvertance euh, l'un de ses anciens, on va dire, euh, pas camarades de classe, mais euh, l'un de ses anciens boulis, euh, qui est pote avec le fils du maire. Et euh, bah, on va se rendre compte, au fait, à mesure que l'histoire avance, que euh, cette ville est aussi, euh, de toute façon, euh, totalement dirigée par des. Euh, par des, par des gros, 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 alors là, ce n'est pas, pas une expression euh, euh, dit en l'air, hein, par des gros, 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 gros fachos, euh, qui euh, essayent de réhabiliter dans cet épisode la mémoire d'Hitler en projetant une espèce de film euh, avec euh, donc un, un Hitler qui fait son, son mea culpa, euh, qui est, euh, est d'ailleurs projeté en hologramme façon Mélenchon. Donc, n'y voyez pas de lien. Hein, je, voilà, bon, enfin, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Le, le, fameux, euh, le fameux hologramme Mélenchon, bah, là, on a la même chose avec Hitler. Et euh, bah, en fait, le, le, le perso principal, donc Lévi, euh, c'est euh, depuis, euh, depuis le temps, là, on est au cinquième épisode, il s'est créé une espèce de costume, euh, un petit peu de briquet de broc, euh, et euh, il s'est emparé de la vieille boule de bowling de son père pour s'en servir comme arme et euh, bah du coup il, il se retrouve euh, comment dire euh, il, il s'est infiltré dans cette espèce de soirée euh, euh, un petit peu particulière hein, qui a lieu entre les euh, entre les, les, les gens de la, de la ville et puis euh, ceux qui sont euh, euh, qui font partie de cette euh, de cette on va dire de cette communauté quoi et euh, il va se faire repérer et du coup il va euh, devoir affronter une espèce de, de on va dire là, de bande de gros nazis euh, dégénérés euh, voilà c'est ce qui était promis d'ailleurs euh, au début de cette mini euh, là on y arrive euh, c'est euh, moi je trouve ça toujours assez fun assez déjanté euh, même totalement déjanté hein. de toute façon c'est totalement assumé euh, arriver à ce niveau là euh, et il euh, y a toujours des, des petits rebondissements sympas euh, franchement c'est une lecture qui, que je trouve toujours assez plaisante. Quoi, en fait. voilà. euh, donc euh, là, ce sera, bah, j'ai envie de dire, même un bon petit bail. Quoi. Ça fait partie de mes bonnes lectures de la semaine. Voilà. D'accord. Euh, bah donc, comme je le disais, on va euh, conclure avec le retour sur les... Euh... Sur nos coups de cœur de cette semaine, il y avait, avait d'autres titres hein, qu'on euh, qu aurait aimé faire cette semaine, mais euh, malheureusement pas forcément dispo. Euh, je pense notamment ouais. à Elvira, Mitsail, Spiel of Craft ou euh, euh, le quatrième numéro de Bloody Dozen, euh, que personnellement je suis et qui, euh, qui est vraiment très cool. Euh, voilà, Moi je pense qu'il y a un titres, numéro euh... que t'aurais fait, fait si c'était sorti, c'est. Euh, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait trois chiens en couverture. Ouais, trois Man's chiens dans l'espace. Ouais, Man's Best. Ouais. Euh, ça, ça, je l'aurais, j'aurais bien voulu tenter le truc, mais voilà, ouais, pas dispo. Donc, ce euh, bah, sera pour une prochaine fois, malheureusement. Mais euh, je, je dois dire quand même que euh, je sais pas, je sais pas ce qui se passe hein, chez les big two, mais euh, les mecs ils bourrent les sorties. On a quand même des titres là qui sortent toutes les deux semaines parfois, ça devient compliqué. Hein. Cette semaine, c'était quand même abusé, quoi. Pareil, tu vois, le spawn 351, t'es pas dispo, c'est un peu dommage. Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Bah là, ça va faire, euh, On pensait que c'était juste pendant une petite période, mais euh, ça, ça va dépend. faire au moins six mois Qu'on euh, on n'a pas euh, souvent euh, toutes, les, toutes les sorties quoi, de disponibles. Ça dépend des semaines. Ça dépend mmh. des semaines. Et là, cette semaine, ils ont tellement bourré les sorties tous, c'était compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et, et pourtant, c'est pas une semaine de ouf au niveau des lectures. Hein. Enfin, ah ouais, bon. vu le nombre de titres cette semaine bon. Le nombre de ouais, titres. Ouais, non, mais par contre, qui sortaient... en, en, en termes de qualité, quoi, je veux dire. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Euh, on n'a pas eu des, des bonnes lectures à l'appel, quoi. C'était un, euh, un peu moyen, je trouve, cette semaine. Bon, moi, ça va. Je, franchement, euh, semaine euh, très correcte. Hier, j'ai un D'ailleurs, je pas lu un seul Marvel, du coup. Ils ont beau sortir énormément de choses. Euh... Mais justement, ton coup de cœur de la semaine, Bunny, peux-tu rappeler ce que c'était, s'il te plaît If you find this, I'm already dead. Donc numéro 2. Euh, voilà. je vous conseille vraiment ce, ce très bon titre, indé D chez Dark Horse. Voilà. Jonathan, tu n'avais pas annoncé de coup de cœur, je crois, en as-tu un Oui, ce sera pour moi Web of Spider-Man. Non, mais ben, ah, quel bon. gros troll Le seul titre où il a mis un pass. <laughs> non, pas, non, de, ouais, pas de coup de cœur. Bon, si je devais en mettre un, je le mettrais bien avec Slun Forever, figure-toi, mmh. numéro 1. Et pour ma part, c'était le FF numéro 18. Voilà pour ce retour sur cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr. Qu'est-ce que vous aurez d'autre la semaine prochaine Eh bien, euh, vendredi prochain. Il y aura le euh, Manga City également, euh, puis manque jeudi à 21h, le Comics Weekly. Voilà pour les euh, prochaines émissions. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente fin de nuit et passez un excellent week-end. Reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao.